Bon, moi je voudrais d'abord vous dire bonjour à tous et remercier les organisateurs de cet événement de me donner l'opportunité de participer. Oui, je dirais pour monsieur le préfet, et j'espère avoir un petit peu de temps. J'ai 2 heures, c'est beaucoup, mais c'est rien. Si j'avais 8 jours, ce serait super. On ferait le tour. Je suis sûr qu'on sortirait d'ici avec ces gens qui avancent ensemble à tous les coups. Parce qu'on a tous finalement les mêmes buts. Mais bon, il y a tellement de chapelles dans ce pays, je m'excuse, mais. Et qui se. De dogme, de. Enfin bon, c'est terrible ce pays. Moi, j'y vis pas. Donc quand j'y viens, j'ai très peur. Je me sens gêné. Bon. Mais je dirais que pour l'eau, quand on pratique bien ce qu'on va voir maintenant, moi je dis Dieu, il peut nous envoyer de l'eau sale, on la lui lave. Je sais pas si ça rassure ceux qui recueillent l'eau ensuite pour l'envoyer chez les gens qui la boivent. Mais moi, je la lui nettoie. Moi. Ça peut être Dieu, Mahomet, ça peut être. Hein, ça peut être il y en a plein des dieux. Hein. Mais n'importe lequel, ils peuvent envoyer de l'eau sale, on va la leur nettoyer. Donc, c'est une belle image, mais je pense que c'est une image vraie. On nettoie. Il y a quelques années, nos amis du CMAGREB faisaient des bandes enherbées. J'ai vu ça. Mais ça, avec beaucoup de phosphore, hein, ça a duré longtemps, les bandes enherbées qu'on mettait dans les paysages. Ben nous, on met des bandes enherbées partout. Voilà, comme ça, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas que la bande enherbée. Entre les bandes enherbées, on est sûr qu'il n'y a pas d'externalité, que le sol n'est pas entraîné. Enfin, je vous dis ça pour rire un peu. Parce que je trouve que quelque part, on peut en rire aujourd'hui, parce que je pense que nous avons beaucoup de choses à montrer et à faire. Et je vais diviser ma présentation en deux parties. Et je voudrais que mon ami Serge, alors j'en profite pour vous le dire, Serge Bouzinac, c'est mon collègue de 40 ans. Jamais deux personnes n'ont vécu autant ensemble. On respire le même air, on mange tout, on vit ensemble depuis 40 ans, et il m'a accompagné, donc quand je vais dire « je », c'est lui. Et puis n'oubliez pas que quand je dis « je », c'est aussi tous mes amis brésiliens, c'est tous les gens qui ont travaillé avec moi, du secteur public, du secteur privé, jusqu'aux grandes multinationales et tout ça. Donc quand je dis « je », le prenez pas comme si c'était moi qui suis en train de vouloir me mettre une auréole, j'en ai pas besoin, je suis connu sur la planète, j'ai pas besoin de ça. Ok, donc Serge est là, éventuellement, quand on mangera, si vous, il peut répondre à quelques questions. S'il veut, et puis il est là, et il connaît tout ça. Je vais faire deux parts. La première, c'est Brésil. Alors, c'est Brésil, c'est les pays tropicaux et subtropicaux, c'est les écologies tropicales humides. Pourquoi ? Parce que ça va plus vite que partout ailleurs. C'est-à-dire que vous plaignez ici, que, à part les épisodes Sevenol qu'on a vu l'autre jour, dans ces pays-là, de là d'où je viens, ces pays-là, moi, on s'est beaucoup chargé du Mato Grosso, l'État qui produit le plus aujourd'hui au Brésil et qui est dans la zone tropicale humide. On ne pouvait même pas rentrer un tracteur sans faire 10 mètres et se planter. Il y avait 100 000 hectares quand on est arrivé là dans les années début 80. Aujourd'hui, il y en a 14 millions d'hectares en 20 ans. Donc, quand on parle de progrès, de gens qui avancent, si le Brésil aujourd'hui est un champion de l'agronégoce, quelques chiffres, 200 millions de personnes, un peu plus de 200 millions de têtes de bétail, 220 ou 230 millions de têtes de bétail. Production de cette année, 200 millions de tonnes de grains. Ils vont dépasser les États-Unis sur le soja, sur beaucoup de choses. Okay. La valeur de l'agronégoce, la valeur globale de l'agronégoce, hein, je ne parle pas des petites agricultures, de l'agriculture biologique ou familiale et tout ça. L'agronégoce, 143 milliards de dollars, un petit chiffre. Et je vous donne aussi un chiffre qui va vous rassurer, on le verra dans le parcours. C'est que 700 millions de dégâts pour une chenille qui s'appelle Helicoverpa. C'est pas mal, non ? 700 millions d'euros, de dollars, de dégâts pour une chenille. C'est le pays des OGM. Alors pour la surface cultivée, 68 millions d'hectares. Très vite. Ça, très vite, en 20 ans, 25 ans. Impressionnant. Mais c'est aussi 33 millions d'hectares de semi-direct. Semi-direct étant une poubelle, comme ici dans ce pays, où on mélange tout. Tout est mélangé, tout le gars, on gratouille tout le temps, ils appellent ça du semi direct. Enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est. Écoutez, appelons un chat et arrêtons de mettre dans la même salade des techniques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, qui n'ont pas les mêmes performances, ni sur l'impact environnemental, ni sur la productivité des cultures, ni sur sa stabilité. Bon, donc 32 ou 33 millions d'hectares de semi direct. Et 37 millions d'hectares plantés en OGM. Alors j'y viendrai sur les OGM, je vais vous montrer quelques chose. Allez, il faut que j'aille vite. Donc la première partie qui va traiter des pays tropicaux, parce que ces pays tropicaux, comme tout va 10 fois plus vite que dans les pays tempérés, c'est aussi des modes de fonctionnement qui préfigurent ce qui va nous arriver à nous, mais sur des échelles de temps beaucoup plus longues. Là-bas, ça se passe en 5 minutes. Les sanctions sont énormes. Les sols, vous les perdez en 5 minutes. Les sols sont pauvres.
ils sont vides chimiquement. 85% de sol brésilien, c'est le sol ferralitique, il n'y a rien dedans, qui intéresse les cultures, en tout cas, les plantes cultivées. Donc, c'est des sols vides chimiquement, très difficiles. Des climats avec des 150 mm en 45 minutes, et toutes ces choses-là. Donc, et vous allez voir comment on a fondé, comment on a jeté les bases du semi direct, comment on les a construites, théorisées, dominées, parce qu'on peut toujours avoir des idées, mais après, il faut les mettre en pratique. Après, il faut les maîtriser. Et après, il faut les porter dans le monde pour voir l'adaptabilité et le pouvoir de généralisation de ces techniques. Donc, c'est ça que vous allez voir entre la partie tropicale et la partie tempérée. Je voudrais arriver au moins sur la dernière heure sur la partie tempérée, parce que c'est celle-là qui vous intéresse le plus. Je suis branché ici en sachant qu'il y a plein de bio dans la salle, et je vais évoquer le bio très souvent. Et moi, je vais vous dire, moi, franchement, je vais peut-être vous paraître prétentieux, mais faire du bio sans labourer, pour moi, c'est un jeu. Je trouve ça amusant, parce que, à mon avis, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Ça peut vous paraître très, très prétentieux. Vous allez dire, mais nous, ça fait 30 ans qu'on est dessus, qu'on bosse et on n'y arrive pas, et on est embêté. Écoutez, on va revoir ça. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui, mais après, on peut rester aussi en communication. Je peux aussi, de temps en temps, passer ici, vous donner un coup de main. Je peux. Je viens voir notre ami Christian Abadi, qui est déjà un monsieur qui soigne votre environnement et qui répond aux questions qu'on a entendues ce matin. Donc, je peux passer par là. C'est pas compliqué, pas compliqué du tout. Nous avons des points convergents, on peut tout de suite se retrouver sur de la production bio. Voilà. Alors, je vais attaquer donc cette partie Brésil, mais très vite. Je vous montrerai les impacts sur les sols et sur les cultures, la productivité, mais je ne vais pas m'attarder dans des tas de graphiques, je vais les sauter probablement. Je vais laisser ma conférence, il y a 450 diapos, donc les longues soirées d'hiver. Ben, vous prenez votre temps, vous regardez tout ça, j'ai expliqué quand même beaucoup de choses là-dedans. J'ai écrit des livres, vous pouvez les trouver, j'ai mis des revues bibliographiques, vous pouvez aller les chercher. Il y a un nouveau livre que j'avais sur la table là, mais que j'ai plus, je ne sais pas où il est parti. Et il est quelque part par là, ben voilà. Donc il y a un livre comme ça qui explique, je crois que ma chaîne est trop courte. Voilà, donc j'attaque la partie Brésil. J'insiste pas trop sur les plantes brésiliennes, et ça n'a pas d'intérêt sur les couverts brésiliens, mais vous allez voir qu'ils ont des petits frères. C'est les mêmes familles de plantes, des légumineuses là-bas, qui correspondent à des légumineuses ici. Ça n'a pas la même puissance au niveau production de biomasse, parce que là-bas, il y a l'eau, il y a la température, il y a tout. C'est un bouillon de culture, mais y a des petits frères. Et il y a un fil commun, c'est que les fondements qui ont été produits là-bas, ces fondements sur les semi-directs en couverture végétale permanente, que j'appelle SCV, eh bien ceux-là, moi, je les ai amenés sur toute la planète, même au Canada, où il pleut, il y a 5 mois de culture, eh bien on m'a dit, impossible, là on ne peut rien faire, parce qu'on ne peut pas loger une autre culture, une interculture, on ne peut pas. Eh bien, on y arrive très bien, je vais vous montrer comment on fait. Alors ça, je suis sûr que les bio, ça va les intéresser. Moi, j'ai des aujourd'hui, sur le mini-réseau que je pilote en France, j'ai des systèmes, c'est l'agriculture de 2060 qui veulent, elle est déjà faite. Bon, on peut toujours en discuter, mais il n'y a qu'à aller regarder, il n'y a qu'à aller la voir. C'est-à-dire, on a des rendements max, avec pas d'intrants dedans, j'ai tout enlevé, j'ai enlevé le phosphore, j'ai enlevé la potage, j'ai enlevé les oligo-éléments, j'ai enlevé les pesticides, il n'y a pas de fongicides, il n'y a pas d'insecticides, il reste un parfum, j'ai bien dit un parfum d'herbicide, si on peut appeler ces choses-là des parfums. Mais ce que je veux dire, c'est que les doses sont extrêmement minimales. Donc je suis quasiment en bio. Et je veux un label, moi. Parce que le bleu qui laboure, moi, il me fait trop peur, celui-là, je vais vous montrer pourquoi. Alors, on attaque tout ça, on va passer assez rapidement. Ouais. Ah ben non, là, vous avancez, là. Moi, ce que je voulais, c'était reculer. Voilà, ça, c'est des petites phrases pour ceux qui ont envie de créer des technologies, qui ont envie de changer dans leur vie. Alors, les agriculteurs, je sais qu'ils courent derrière, puisque moi, ne vous trompez pas, je suis fils de petit agriculteur, je sais tout faire avec mes mains, on vient me chercher dans les villages encore en France quand je suis là, pour remonter les battages, pour battre le fer d'une faux pendant une heure et demie, là, avec un marteau. Vous savez faire ça, vous, les jeunes, là? Moi, je sais faire, moi. J'ai appris ça en 1950, petite propriété d'agriculture et élevage, donc je sais tout faire. Les fagots, couper du bois, tout. Élever, dresser des bœufs, si vous voulez que je vous les dresse, je sais faire. Tout ce que vous voulez, je sais faire, avec mes mains. On savait faire. Donc, ce que je veux dire aussi aux agriculteurs de la salle, quand on va discuter tout à l'heure, ne vous gênez pas. Vous avez quelqu'un qui est de chez vous. Ma culture, elle est paysanne, complètement jusqu'au bout des doigts. Donc, vous gênez pas. Voilà. Alors, ces petites phrases sont, moi, je les trouve assez sympas. Celle-là, en anglais, ça veut dire que, et ça, c'est une leçon de modestie, et j'y tiens beaucoup, même si je n'ai pas l'air modeste, je peux vous dire que je suis d'une humilité que vous imaginez pas. Ma mère à moi, c'est avant les pères, P-A-I-R-S, c'est la nature. C'est à elle que je pose des questions, elle me répond super, tout de suite. Moi, je bosse avec la nature, c'est mon maître total, et c'est avec elle que je travaille en priorité. Eh bien, cette phrase dit que dans une pelletée de terre,
d'un sol riche, il y a plus d'êtres vivants, d'organismes vivants, de microbes et autres, que de tous les êtres, que tous les êtres vivants sur cette planète. Et ils disent, aujourd'hui, on en sait plus sur la face cachée de la Lune que sur le sol. C'est, vous avez vu, c'est le musée d'histoire naturelle de Washington. C'est aussi, c'est des gens très sérieux. Et attendez, j'éteins tout ça, si je peux. Et c'est vrai, on ne sait rien sur les sols. Et pourtant, j'ai passé ma vie comme aussi naturaliste à trouver des plantes, à les mettre dans les systèmes de culture. Et je connais des fonctions des plantes, mais je sais très bien, je vais vous montrer les photos pour vous choquer un peu. Vous allez dire, ah ben ça, c'est pas possible. Ah ben si, c'est possible. Mais je ne connais pas les vertus de ces plantes-là. Et donc, on ne sait rien. On sait vraiment peu de choses. Donc, on avance un peu. Alors, celle-là, je l'aime bien aussi parce que Giono, j'ai toujours bien aimé ce monsieur pour ses écrits. Mais aussi parce que cet homme, en 1929 déjà, au-delà de ses belles paroles et de ses beaux mots, il avait découvert que le sol, il disait, mais et si c'était une créature vivante, un corps. Donc, c'est bien quand même que des gens qui ne sont pas de ces disciplines-là aient déjà remarqué. Alors ça, c'est sur le réseau sur lequel d'où vont venir les informations. Donc, c'était pour vous dire, bon, ben voilà, je vous mets à l'aise, on a croisé un peu tous les climats, toutes les écologies. Là, c'est au Brésil, c'est toute la partie centrale là que vous voyez. L'état du Mato Grosso, il est ici. Attendez, je ne sais jamais sur quel bouton il faut que j'appuie avec ce truc. Ah bon ? Mais ça ne marche pas. On n'en a pas de pointeur, là. Non. Ah ben ça, c'est une... Ah, peut-être ça, non ? Ah ben non, pourtant, j'ai mis des piles neuves. Oui, non, mais si chaque fois, je fais... C'est quoi, ça ? Ah bon, d'accord, non, mais moi, les diapos, je sais les faire passer. C'est que je voulais montrer, avec un pointeur, je voulais montrer quelque chose de précis. Bon, bon, il ne marche pas. Non, mais j'ai mis des piles neuves. C'est super. C'est la technologie. Voilà. Bon, ben j'avance. Ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça. Voilà. Alors, je vous ai mis en haut un peu d'histoire. Alors, ce n'est pas de la provoque pour les gens qui font du bio. C'est simplement vous dire que moi, là où je vis et où j'ai couru et où je cours cette planète, en 3 heures, vous perdrez tous vos sols. Alors, labourez-les. Ça ne vous est pas arrivé encore. Vous avez des terres fortes qui sont costauds, là. Mais il y a des boulevaines qui ne sont pas aussi brillantes parce que j'ai travaillé... Je viens de l'agro de Toulouse et j'ai travaillé beaucoup dans ces régions ici pendant un moment. Et je connais les sols. Et vous pensez que tout ça, il ne pourrait rien arriver. Je vous dis, 1h30, 250 mm, et vous n'aurez plus de sol. C'est terminé, surtout avec les pentes qu'on voit dans le coin. Voilà, c'est, donc vous ne les polluez pas, c'est très bien. Votre agriculture est vertueuse, mais vous risquez de ne plus avoir de terre. Bon, maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'il ne vaut pas mieux mettre quelques petites cochonneries dedans ? Mais avec beaucoup de vie biologique pour faire de la phytorémédiation et casser ces petites molécules si vous en mettez peu, mais au moins gardez vos sols, parce que les enfants, ils auront quoi, de la terre à briques dessous, hein, on pourra faire des briques. Donc, je vous montre ça très vite. Ce qui se voit, alors, ces sols que je vous dis, il n'y a rien dedans chimiquement, si le semoir est un peu bouché, là, il y a plein d'engrais dans les semoirs, vous voyez, le riz, c'est du riz pluvial, ça, comme du blé, hein, il ne pousse pas. Bon, voilà, quelques images, on passe très vite. Voilà, voilà, vous voyez, malgré des dispositifs anti-érosifs, regardez ça, ça c'est pris d'avion quand même. Et puis il y a ça, quand on a des sols qui sont plus riches, qui sont sur des basaltes, ils sont très argileux et les outils les déstructurent et c'est l'érosion éolienne. Et alors là, on ne peut plus respirer. Voilà. Et vous voyez des cotonniers en ressème, j'étais dans un groupe consultant principal, 85 000 hectares. Et sur ce groupe-là, on ressemait 15 000 hectares. Tous les ans. Pourquoi ? Parce que cette poussière, l'érosion éolienne, elle vient, elle bouche l'estomac de ces plantes-là, ces grandes nuées de poussière, très fines, d'argile, de colloïdes, sur lesquelles sont fixés le diuron, tous les pesticides sont dessus, ça bouche l'estomac et la plante meurt. Donc on replante 15 000 hectares. Enfin bon, c'était un désastre écologique majeur. Voilà, ça aussi, des sols, vous voyez, j'ai mis la densité apparente, un en haut, qui repose sur 1,37, ben, je peux vous dire que le soja n'a même pas de nodule, c'est du soja qui est là. Pourquoi ? Il est dans un milieu asphyxiant, il tombe 2 mètres d'eau dans cet endroit-là, dans le Mato Grosso, 2000 mm. On a des mois à 500 mm, on peut en avoir à 800, enfin bon. Alors regardez ça aussi, densité là-haut 1,02, en dessous 1,42. Regardez les racines, le pivot du cotonnier qui est pourtant un système qui perfore les sols. Ah ben, il est coincé, donc réserve utile d'eau, on n'en a plus. La réserve de nutriments, c'est pareil, elle est confinée à ce qui est au-dessus, là où est le système racinaire, enfin bon. Et tout ça, on pourrait les multiplier. Et puis les maladies, parce qu'aussitôt que la matière organique s'en va, c'est le sang de la Terre. Aussitôt qu'elle démarre, c'est tous les déséquilibres biologiques. Je vais vous en montrer plein. Je vais vous montrer comment on retape aussi des équilibres biologiques. Et bien voilà, ben maintenant, on a des maladies sur les plantes. Enfin, c'est l'horreur.
Alors, je continue à faire le tour. Madagascar, pauvre pays parce qu'ils sont pauvres. Mais au niveau écologique, c'est d'une beauté et d'une richesse colossale. Alors, regardez, les collines foutent le camp. Et en bas, leur riz, leur subsistance majeure, elle vient en bas. On a payé déjà, je dirais, 5 à 6 000 dollars à l'hectare par des dons français et autres de la coopération internationale pour leur faire toutes ces rizières. Et bien, on les casse. Et puis après, il y a des réhabilitations. Elles ne coûtent que 1 500 dollars à l'hectare. Mais c'est des choses de malade. On ne peut plus le faire aujourd'hui. On ne le fait plus. Mais si les collines descendent et vous cassent tout ça en bas, eh bien, même leur nourriture de base, qui est le riz, ils ne l'ont plus. Alors, bon. Et regardez ça, c'est le Laos. Ça, c'est ces petits voisins-là qui s'appellent les Chinois, les Thaïlandais et les Vietnamiens qui leur demandent de produire pour eux. Ce qu'ils sont venus faire en France, eh bien, ils le font là aussi. Et là, il y a 42% de forêt. Eh bien, on est en train de détruire toute la forêt laotienne pour gérer, parce qu'ils ne les payent pas au cours mondial. Hein. Ils payent le maïs 500 euros la tonne. Ça vous dit quelque chose avec ce qui vous arrive en ce moment. Donc, les gens, ils labourent tout, ils détruisent tout. Donc, regardez ça, regardez ces images. Mais ça fait un peu peur, non? Et le mec, il descend de là-haut, là, avec la charrue. Là. Et en montant, il ne peut pas. Et puis, aussitôt qu'il y a une racine, la charrue arrive dessus, que ça décroche. Le mec, s'il ne fait pas attention, il se retrouve en bas. J'en ai vu deux ou trois mourir comme ça pendant que j'étais là. C'était assez impressionnant. Bon, regardez ça, c'est un peu l'horreur. Ah, il ne veut plus avancer. Donc, il faut qu'on aille le titiller, là, je ne sais plus où. Alors, ici, oui, bon, ben, ça va. Si ça se recoince, alors, vous savez ce que c'est. Non, non, restez pas là. Oui, vous voyez des gens là, et ils sont en train d'appliquer du paraquat. 10 litres hectare. Et de temps en temps, les femmes, là, elles sont enceintes. Elles n'ont même pas de masque. Et le type est en train de pulvériser. Non, mais ce monde, vous imaginez même pas ce monde. Des fois, on se plaint ici, on dit on pollue. Mais regardez ça. Les collines qui descendent, c'est des rizières en bas, là. C'est fini. Tout ce qu'ils avaient en bas, là, c'est fini. On a les mêmes. Oui, mais j'en ai vu hier sur la route. J'en ai vu. Bon, regardez ça. Et regardez bien ce qui est écrit là. Matière organique très élevée sous cette forêt, avec des très bons sols sur des roches basiques. Regardez, en monoculture continue. Ah, elle l'a sauté là. Putain, mais... Voilà. En 15 ans, on est passé de 7-9% de matière organique à 2,8%. 15 ans. Donc, hein, vous avez compris? Alors là, où sont les nutriments? Il n'y en a plus. La vie biologique, ciao. Et bon, voilà. Bon, là, c'est le Cameroun. Alors, le Cameroun, il pleut pas. Il pleut que sur 3 mois. Pareil, de l'érosion. Non, je suis en train de croiser des tas d'écologies qui n'ont rien à voir, les gens, pour vous dire, c'est partout. Et c'est celle qui se voit. Vous l'avez vu dans ma diapo tout à l'heure, j'ai dit l'érosion qui se voit. Alors, ça, c'est, vous savez ce que c'est, la jolie petite fleur bleue. C'est sympa quand même dans des endroits où il fait très chaud, 40 à l'ombre. Vous voyez une belle fleur comme ça, on est content. C'est du striga, c'est un parasite. Ils n'ont pas de chance. Quand la matière organique disparaît, lui, il apparaît. Il y a des milliers de graines pour une plante. Des milliers, c'est de la poussière. Et il vit, il émet des suceurs, il rentre dans la sève et il suce le sorgho des gens. Là où il pouvait produire 1200 kilos, c'est 300. Donc, pas de pot, une seule culture par an. Et en plus, c'est plein de tanins. Je peux vous dire qu'il faut avoir des tripes pour digérer les tanins. Moi j'essaye, mais j'y arrive pas quand j'y vais. Après, pendant 10 jours, je suis tranquille, j'ai pas besoin d'aller aux toilettes. Et voilà au Canada, ben tiens au Canada, pourtant c'est là-haut là, là on est dans des pays, on est presque chez nous, parce que vous vous souvenez que Québec c'est la latitude entre Nantes et Bordeaux, oui, on est à la même latitude, la latitude de Québec au nord là-haut là, qui a l'air si loin sur les maps mondes, c'est entre Nantes et Bordeaux, sauf que là-bas le Gulf Stream n'y est pas, donc il fait très froid, nanani, nanana, les courants marins, c'est ça qui a changé, qui fait la grosse différence du climat entre là-haut. Mais regardez ça. Alors ça, c'est M. Louis Pérus que j'assiste depuis 4 ans. Et ce jeune qui est en train de monter tout ça au Canada, qui est un type super. Et regardez, quand je dis aux Canadiens, vous avez des sols compactés. Ah non, 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 ils ne sont pas compactés. Tous les mecs sont d'accord. Les scientifiques, les physiciens du sol. Les... Non, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça s'appelle, je sais pas, non, c'est le millefeuille. Là, peut-être, nous, il est administratif, mais là, il est... Vous voyez ? Comment vous voulez que des plantes poussent là-dedans? Donc c'est et au-delà de l'érosion. Alors regardez, Tunisie, il pleut en hiver, très peu. Il y a des endroits où il pleut 200 mm en Tunisie. Regardez l'érosion. Et tout ça, c'est sur des genèses calciques. C'est-à-dire où il y a du calcium qui est un élément structurant pour la matière organique, le complexe argilo-humique, c'est-à-dire qu'il y a une résistance à l'érosion. Regardez ça. Ça, je l'ai vu faire en 3 heures, ce que vous voyez là. 3 heures. Cette grosse saignée qui a coupé tous les paysages.
Et ça, c'est en France. Ça, c'est en Franche-Comté. Vous voyez, il n'y a pas d'érosion. C'est pas très profond, c'est vrai, mais c'est toute la meilleure terre. Et puis, regarde ce qui s'est passé. Ben, c'est que le colza du monsieur, là-bas, il a décollé. Il est venu se mettre dans la route. Et là, ça a bien poussé, par contre. Ça pousse très, très bien sur la route. Beaucoup mieux que dans la parcelle. Donc, des choses comme ça, voilà. Je crois qu'on n'a pas... Alors, celle qui ne se voit pas. Alors là, c'est dommage que je ne puisse pas montrer ça avec un pointeur, parce que je vais avoir beaucoup de mal au cours de ma présentation, parce que je pourrais pas montrer ce que je veux. Ici, vous avez des teintes bleues. Toutes les teintes bleues en dégradé de plus en plus foncé, c'est 5 ans. Là, vous avez un gros point à gauche, le point de départ de la forêt. Alors prenez les courbes du haut. C'est dommage vraiment que je n'ai pas un truc. Excusez-moi, peut-être avec le pointeur de la souris, vous pouvez. Ah, le pointeur de la souris. Ah ben oui, et comment on fait avec le pointeur de la souris? Ah ben oui, avec ça, là, mais il est bête, ce mec. Voilà, on démarre ici. Tout ça, c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et regardez que ces trois, que cet ensemble-là. Là, il y a 10 ans en forêt amazonienne. Le sol est strictement plat. Ce que j'appelle ce qui ne se voit pas, le sol est plat. Complètement plat. C'est-à-dire que vous ne verrez pas d'érosion. Monsieur du cinéma, il a donné un... Là, vous appuyez sur laser. Oh putain, j'appuie sur laser. Et ça marche. Super, monsieur du cinéma. Et donc, vous voyez ça, sol plat. Vous ne verrez pas de ruissellement. Il pleut 2 mètres, 2500 mm sous forêt. Mais dans les terres que vous avez ouvertes, vous ne voyez pas de ruissellement. Le sol est complètement plat. Regardez ce qui s'est passé avec des outils à disque et de la monoculture de soja. En 5 ans, on en a perdu 20% de la matière organique. 5 ans de plus, 27, on est presque à 30% de perte de la matière organique. OK ? Donc ça veut dire, vous ne la voyez pas. Il n'y a rien qui ruisselle. Il n'y a pas de saignée, il n'y a pas de griffes, d'érosion, il n'y a rien. Mais la matière organique s'en va. Elle fout le camp. Elle est oxydée. CO2, voilà. Avec le travail du sol. Donc il y a plein de choses que vous ne voyez pas. Donc pensez-y. Moi, chez moi, je n'ai pas d'érosion. Oui. Tu laboures, eh bien, tu perds. Alors en France, il y a un climat frais, il y a des longues périodes froides, la minéralisation de la matière organique est beaucoup plus lente et tout ça. Mais c'est pour ça que ce modèle brésilien chaud, humide, le bouillon de culture est très important, parce que là, il exacerbe toutes ses fonctions, elles vont 10 fois plus vite que chez nous. Mais ce qui se passe là, ça se passe chez vous, mais beaucoup plus lentement. Et c'est tout ce qui tue l'agriculture, c'est ce que j'appelle l'insidieux. C'est des déficiences sur des plantes qu'on ne reconnaît pas. Vous avez un soja qui est jaunasse, mais on ne sait pas ce que c'est. Pourquoi il est comme ça? On ne peut pas identifier tout de suite une solution, là, un oligo-élément pour le corriger. On ne sait pas ce que c'est. Eh bien, là, ça fait partie de l'érosion insidieuse, celle qu'on ne voit pas. Mais vos sols sont en train de s'appauvrir. OK? Donc, je continue. Alors, la souris, là, deux trucs en même temps, là, ça va aller. Alors, regardez ce petit truc très vite, et je ne vais pas assez vite. Le Canada, ça, c'est les pertes avec le travail du sol. Vous avez le Canada, donc là, quand même, on est dans des zones septentrionales avec beaucoup de froid, hein. Là, vous avez au milieu l'Argentine, et ça, c'est l'intervalle entre le mini et le maxi, la courbe bleue et la courbe jaune. Voilà. Et les années, vous les avez sur le là-haut. Attendez, là, vous avez les années. Voilà, pour notre partie, nous, c'est là. En 5 ans, vous voyez, on peut perdre, ben voilà, vous l'avez là sur les graphiques, 30, 40, jusqu'à 60%. C'est impressionnant. Et alors, on a fait des moyennes là, de ce qu'on perd sur le travail du sol. Bon, ça vous donne une petite idée. Et je vous dis, entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Voilà. Alors, un petit mot sur le Brésil qui produit, je vous ai dit, 200 millions de tonnes. Le Brésil, 37 millions d'OGM. Au Brésil, depuis 10 ans, je n'ai jamais vu autant d'encadrement technique. Il y a tous les ans 20 variétés de soja nouvelles. Elles produisent toutes 5% de plus que celles de l'année dernière, les meilleures. Mais depuis 10 ans que ça dure, on aurait dû tripler les rendements. C'est cumulatif. 5%, après on prend 5% de 100 plus 5. Vous savez, c'est comme les intérêts composés quand vous faites de la compta. Eh ben, vous allez voir ce qui est en train de se passer. Donc, on a misé que sur le cultivar, les biotechnologies. Tous nos amis de la recherche, 80% de l'argent de la recherche est engagé dans le cultivar, la biotechnologie, la génétique. C'est que ça. L'environnement, on s'en fout. Il ne se passe rien. Et nous qui avons construit le semi-direct, et je vais vous montrer comment nous avons fait ça, qui avons construit le semi-direct, eh bien, tant qu'on a eu des matrices de systèmes pérennisés où il y avait tous les systèmes possibles et très contrastés sur les mêmes unités de sol, en prenant les plus riches, les plus pauvres, en encadrant la variabilité du milieu,
et où on avait, j'ai eu jusqu'à 1100 hectares d'expérimentation. Ça vous dit quand même 1100 hectares d'expérimentation en grande parcelle. Tout ça en grande parcelle avec des tas de systèmes, 50 systèmes côte à côte où on mesurait des tas de choses, on expliquait en même temps. Écoutez, quand on a arrêté cette approche systémique là et qu'on est passé aux thématiques, le cultivar, l'année d'après ils se réunissent, ah, cette année on va travailler surtout sur les pesticides, ah, sur les fongicides, je sais plus quoi, vous allez voir ce qui est arrivé. C'est triste. L'homme qui est une poussière dans cet univers n'a toujours pas compris que son cerveau est tout petit. Mais il est vraiment petit, même pour les plus gros, hein. Mais c'est des minuscules. Il interprète tout, il croit qu'il sait. Et aujourd'hui, nous n'avons que des petits thématiciens, même s'ils sont grands, ils ont des belles thèses, ils sont docteurs, machin truc. Et tous ces gens-là sont spécialistes d'un poil de... Mettez le poil que vous voulez dessus, j'irai jusqu'au plus grossier. Hein. Ils travaillent tous sur un sujet qui est forcément le sujet le plus important dans le système, là. Et de manière cloisonnée et indépendante. Ce qui fait que si vous prenez... Moi, j'ai fait l'expérience au Brésil, ça a été terrible, ils ont failli me foutre à la porte. J'en ai eu marre de ces gens. Ah oui, mais non, mais... Alors toujours, puis comme ils ont le chapeau du grand docteur de la discipline, c'est lui qui a le dernier mot. Donc j'ai dit, bon, voilà, on va vous mettre ensemble. J'ai dit, qui c'est le meilleur pour les semences, c'est toi. La meilleure variété, c'est toi. Toi, c'est le traitement de semences, toi, ok. Toi, c'est les herbicides, toi, les machins, trucs. Je me suis mis dans une grande parcelle. Et de l'autre côté, il y avait un paysan, là, qui était avec des bœufs, lui. Et puis encore, dans l'âge de pierre, il faisait du riz, nous aussi. Mais j'ai dit, ben voilà, on va comparer avec lui, là. On va passer de l'autre côté, on lui a demandé s'il était d'accord. Et puis là, les meilleurs de toute la recherche, le nec plus ultra est venu mettre tous ces compartiments, toutes ces disciplines, où on a le meilleur de chaque discipline, ils l'ont mis sur la parcelle. Ah ben, ils ont fait 500 kilos de moins, les savants, là, que l'agriculteur de l'autre côté, là. Ah oui, ils ont fait 500 kilos de moins à l'hectare, une honte. D'ailleurs, ils venaient même plus voir les parcelles. J'ai cru qu'ils allaient me foutre dehors. Mais c'est ça la réalité, c'est interactif. Un système a des propriétés globales émergentes qui viennent de l'interactivité des composantes. Ce n'est pas additif, ce n'est pas... Mais c'est ridicule. Et en France, on fait exactement la même chose. C'est là où... Je ne dis pas qu'on fait que ça, mais on accumule l'argent là-dessus. C'est les biotechnologies. Bientôt, on va vous sortir du sérum contre le paludisme de votre blé, là. Bah oui, pourquoi pas, ici, un mec qui a pensé, demain matin, on sera capable de faire des trucs comme ça. Mais on s'en fout. Pendant tout ce temps-là, l'environnement fout le camp. Quand j'entends les gens qui parlent d'agriculture durable, moi, je l'écris en deux mots, avec un accent circonflexe sur le A. C'est ça, l'agriculture durable, parce que je ne la connais pas, sauf dans de rares endroits. Vous voyez les années 2000-2013, tout récent. Le soja, on va prendre que le soja, qui est la culture la plus importante. Regardez ça. 3330 kg à l'hectare. Regardez, 13 ans après, 3010. Attendez. Et ça fait 13 ans de centaines de variétés. Toutes les multinationales sont là. Et puis à quel niveau sont-elles là? Et tous les techniciens, les agronomes, les chercheurs, j'ai jamais vu un encadrement pareil. Eh bien, on n'a rien gagné. Pourquoi? Parce qu'ils s'occupent que des plantes. Et ils croient que la plante fait tout. Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, regardez bien ça. Ça, regardez bien les dates en bas là. Ça, c'est une propriété. C'est là où j'ai monté le semi-direct. 85. 95, je vous ai montré 2000-2013, ça veut dire il y a bien longtemps avant, quand je montais le semi-direct, ce qui est en rouge, il travaillait le sol, la courbe blanche là qui se balade là, ce graphique là, c'est les surfaces en soja qu'ils plantent. Et regardez, tant qu'on labourait, j'ai décompacté les sols parce qu'ils avaient tout abîmé, il y avait des semelles de labour partout. Et quand on est arrivé là, je suis rentré dans le semi-direct en injectant des quantités de biomasse de plus en plus importantes. Regardez ça. Et regardez bien qu'en 1995, ce monsieur, sur 1300 hectares, il faisait 3600 kilos. Tout à l'heure, vous avez vu qu'en 2013, dans la moyenne du Mato Grosso, on est à 3 tonnes, 600 kilos de moins. La grande différence, c'est que moi, les cultivars, je m'en foutais. Je vais vous montrer que dès lors que les cultivars ont un potentiel génétique très élevé, ce que savent faire les généticiens, moi j'en suis un. On a créé avec Serge 460 variétés de riz. 460 variétés de riz dans un cadre, c'est un gros paquet. Bien, nous l'avons fait tous les deux là. Donc on fait aussi de la génétique et on fait les interactions entre les génotypes et l'environnement. Donc la génétique, on connaît bien. Hein. Eh bien, c'est une erreur stratégique colossale. On ne s'occupe que du cultivar, c'est le cultivar qui fait tout. Alors, regardez ça, 10 ans, 20 ans avant, on faisait 3600 kilos, aujourd'hui on fait 3 tonnes. Et tout le monde est content, apparemment, ils sont... Oh, et ça marche bien, le Brésil avance. Il avance, tant mieux, parce que par la surface, mais par les productivités, non. Enfin bon, c'est des choses... Alors regardez, ça c'est très important. Et je vais passer très vite parce que les autres cultures, c'est du même tonneau. Je prends le soja, ça c'est les années.
Ça, c'est une propriété qui fait 7000 hectares. C'est du coton, oui. Coton, soja, ils se suivent. Oui, j'ai pas, tu vois, il faut que j'ai failli tomber sur le dos, là. Quand on est vieux, tu sais, des fois, la tête, il faut faire attention, quoi. Et vous voyez les années, la surface plantée, la productivité, alors ça, il faut le multiplier par 15 pour l'avoir en kilo, mais on s'en fout, c'est la comparaison. Et ça, c'est les tops, ce que j'appelle les tops du Mato Grosso, ces gens-là, ils font du semis direct, de la paille, c'est des types très très forts pour moi, c'est parmi les meilleurs. Et regardez le coût de production quand même du coton, c'est quand même, c'est en dollars quand même, c'est pas mal. Alors regardez bien ce poste fongicide, insecticide, depuis que les OGM sont arrivés, regardez bien, qui sont venus, tout le monde le sait, Monsanto vous l'explique très très bien, c'est eux-mêmes eux qui font l'analyse, l'évaluation toxicologique de leurs produits, c'est quand même pas mal, non? C'est super quand même, c'est eux qui la font, hein, de leurs propres produits. On vous le dit, il y a 800 pages, vous n'avez qu'à les lire, vous verrez, c'est nickel, hein, c'est propre. Alors regardez, voilà ce qu'on... Le premier c'est là-bas et le dernier est ici, hein. Regardez, si vous tracez la moyenne des coûts, on est sur 45 degrés d'augmentation, ça va? Alors maintenant, on regarde les herbicides desséchants, là, ça n'a pas trop bougé, les fertilisants, plutôt une tendance à monter, mais regardez les applications. Les applications, c'est le coût des machines, des outils qui vont passer pour appliquer les fongicides, les trucs, le gasoil, le chauffeur, le truc. Regardez, pareil, regardez ça, de 98 à 388, les semences encore se portent, regarde, mais vous allez voir le soja derrière. Voilà, alors regardez le soja, ben on recommence. Les fongicides, insecticides, Monsanto vous a bien expliqué, et les autres. Attendez, je ne suis pas en train de faire le procès de Monsanto non plus, hein, parce qu'ils nous ont rendu un service colossal pour monter le semis direct. Je ne suis pas un intégriste de la chimie non plus. Donc il faut aussi les remercier, parce qu'ils nous ont beaucoup aidés. Mais il ne faut pas non plus avaler toutes les salades qu'on vous raconte. Ils sont venus, ils vous ont dit, j'ai plus que 15 minutes sur la première heure. Mais non, mais j'ai parlé de demi-heure. Non, mais c'est vrai ça. Ah bon, ben alors je saute tout. Je vais tout sauter. Bon, je vous montre ça quand même. Bon, ben je suis désolé. Hein. Mais pourtant, j'ai parlé une demi-heure là. Ah bon? Bon, ben voilà, contenez. Bon. Alors vous voyez, fongicides, on recommence. Regardez les semences. Parce qu'ils vendent quoi? Des pesticides. Et ils vendent quoi? Et ces OGM devaient diminuer la pression des insectes. On contrôlait mieux tout, les champignons et tout ça. Regardez, c'est exactement l'inverse qui est en train d'arriver. Et le Brésil est sur une mauvaise pente à cause de ça. Bon, je vais sauter plein de trucs. Excusez-moi. Alors, vous avez vu cette petite image? Bon, je ne reviens pas en arrière, mais c'était joli. Voilà. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que la recherche s'occupe de ça. Et de ça, rien. Tout ça, rien. Les modes de gestion des sols et des cultures, on ne s'en occupe plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour ça que ça va très mal. Bon, alors... Ce que nous avons fait, nous, c'est du biomimétisme. On a copié la nature. Alors, pourquoi on a copié la nature? Deux mots, ça vaut le coup, ça, au moins, vous saurez d'où ça vient, tout ça. C'est que je suis tombé en forêt. Moi, je passe ma vie dans la nature. Je cherche des plantes, je vis avec elles, je parle aux arbres. Je murmure à l'oreille des fourmis. Enfin, bon, je m'amuse beaucoup, mais je parle souvent tout seul au milieu de la nature. Et un jour, je suis tombé sur une forêt, pareil que l'autre. J'étais dedans et qui était blanche au sol. J'ai dit, il a neigé en forêt? C'est pas mal, ça. C'est du sable pur. Je suis allé chercher une tribu d'Indiens pour creuser, je suis descendu à 6 mètres, c'était du sable pur. Alors là, j'étais un peu interloqué, j'ai dit, tiens, il y a un écosystème qui fait 500 tonnes de matière sèche à l'hectare, 450 à 500 tonnes de matière sèche à l'hectare, qui fait 50 mètres d'eau et qui est sur du sable pur, et il est comme ça. Et là, je suis allé rechercher les différences, s'il y a des différences d'espèces, de hauteur, de trucs, pareil. Alors je dis, ben voilà un système intéressant, c'est que sur un sol où il n'y a rien, c'est simplement pour tenir les plantes debout, il prend l'eau, la photosynthèse, tous ces éléments fondamentaux. Mais lui, au niveau de la nutrition minérale, il vit entre la matière organique vivante et morte. Et il n'y a pas d'échange avec le sol. Il n'y en a pas, puisqu'il n'y a rien même dans ce sol-là. Les échanges sont minimums avec le sol. J'ai dit, voilà, on s'affranchit de la fertilité des sols. Ah, celui-là un peu plus riche, celui-là un peu moins, on s'en fout. Le tout, c'est d'établir une mini-forêt qui fonctionne entre matière organique vivante et matière organique morte. Et c'est terminé. Et c'est ce que j'ai fait dans plein de pays. On a pris des sols. Je préfère avoir un sol riche qu'un sol pauvre au départ. Mais je peux vous garantir que aussitôt que je mets toute cette machine de biomasse en route et cette biodiversité fonctionnelle en route, au bout de 3 ans, je produis aussi bien sur le sol pauvre que sur le sol riche. Et avec des niveaux d'intrants minéraux très bas. OK? Bon, alors ça, je vais sauter tout ça parce que c'est trop long. Oui, voilà ce que j'ai pris dans la forêt. Alors, quels sont les éléments que je suis allé chercher dans cet écosystème forestier? Ben, c'est marqué là. Voilà. Vous aurez de toute façon cette conférence pour la regarder tranquillement parce que si je rentre et il me dit que j'ai presque fini la première partie brésilienne, j'ai même pas commencé. Non mais là, donc vous aurez le temps. Il y a des livres, vous verrez où aller les chercher.
J'en ai amené un pour vous montrer un peu. Bon, tout ça, c'est la définition du semi-direct. Ah oui, alors, bon, trop tard. Chaque fois, il faut revenir derrière. Bon, on peut le présenter comme ça avec un pas de travail du sol, deux, couverture permanente du sol, permanente, j'ai dit, et association, succession, plante multifonctionnelle, voilà. Grosso modo, c'est ça. Là, en bas, vous avez les principes, les agents et les fonctions. Mais ça, on l'a détaillé, on a des chiffres. Moi, j'en ai rempli des livres entiers. Donc, on peut trouver, on peut mettre les chiffres là-dessus parce que ça, c'est de la théorie. Okay. D'ailleurs, un jour, j'ai décidé que, je ne sais pas comment vous êtes vous, moi, avec la vie que j'ai, j'irai vivre en théorie. Parce que en théorie, c'est quand même plus facile, non ? Enfin, vous faites ce que vous voulez. Alors, bon, tous ces systèmes-là... voilà, alors moi, il y a des gens qui écrivent sur ce que moi, je fais. Ils sont sympas. Mais s'ils mettaient mon nom, ça serait encore plus sympa, quand même. Mais enfin, bon, ils écrivent beaucoup sur ce que je fais. Et ils ont baptisé un livre qui s'appelait « La révolution doublement verte ». Mais ils ont oublié plein de trucs parce que pendant qu'il écrivait, j'avais fait la révolution quadruplement verte. Et maintenant, je pourrais même rajouter encore un autre truc. Alors, tout ça, on va le voir très rapidement, même sur la partie française tout à l'heure, la partie tempérée. Alors, pour vous dire, quand j'entends parler des couverts végétaux, que c'est important pour filtrer les eaux et tout ça, monsieur, sachez qu'en 1987, j'étais là, déjà, je faisais des conférences dans toute la France avec des Brésiliens de choc qui avaient déjà... ça en très grande surface au Brésil, pour leur dire il faut des couvertures de sol, il faut arrêter. C'était 1987. Et que comme je vais choquer beaucoup de gens, mais je suis désolé, mais si il n'y avait pas eu de subventions dans l'agriculture française, oui, s'il n'y en avait pas eu, ils auraient perdu leur sol, ils seraient en rouge, faillite de tous les côtés. Et là, quand on aurait fait une réunion comme celle-là, les gens en sortant auraient dit attention, maintenant il ne faut pas qu'on... là on va disparaître, hein, il faut y aller. Mais bon, moi j'avais proposé à un moment donné, j'interpellais, je disais, est-ce qu'il y a des politiques dans la salle en 87-90? On vous supprimera les primes. On n'en a pas besoin de ça pour faire une agriculture qui produit beaucoup sans intrants. Je sais le faire moi, aujourd'hui. À l'époque, je ne savais pas le faire. Mais j'étais en train d'essayer de construire ça. Et je leur disais, essayez de mettre ces primes. Si vous voulez faire du semi direct, on sait que c'est mieux quand même, ça protège les sols déjà en 90. Eh bien, mettez des primes sur ceux qui vont s'équiper, parce qu'il faut s'équiper de ce mort de semi direct. Donc favoriser ces techniques-là, parce qu'il faut un achat de matériel nouveau, ça coûte un investissement et ce sont très chers, c'est ce mois. Eh bien faites-le, mettez-les, les primes en priorité là-dessus, et là vous allez voir avancer. Mais on n'a rien fait. J'ai eu des sénateurs, j'ai eu des députés, ils m'ont dit « Ah oui, c'est intéressant ». D'accord, c'est intéressant. On en est toujours là. C'est toujours intéressant d'ailleurs, c'est sympa. C'est comme le Brésil, c'est le pays de l'avenir, c'est du futur, c'est ce que disait De Gaulle. Mais aujourd'hui quand même, le futur, il est arrivé avec des gros sabots, hein. Et il a défoncé pas mal de petits pays qui s'appellent la France et il va leur faire mal. Hein. Dans un an, il nous passe devant au PIB et autres. Alors regardez depuis quand ça, tout ça, les couvertures mortes là. Alors depuis 87-95 quoi. Donc quand j'entends parler de... Vous savez les mélanges de plantes que vous avez vu arriver là dans des revues diverses et variées. J'ai alimenté notre ami Thomas avec tous mes CD en 96, 97, 98, 2000, des CD, des livres entiers. Et j'ai vu apparaître ça dans TCS. Mais je suis content, moi ça se diffuse. Ça se diffuse, mais vous avez vu mon nom, vous ? Non ? Ben, des fois, quand même, ça me choque un peu qu'on soit toujours en train de se faire piller, que les gens ne citent pas leurs sources, quoi. Voilà, c'est pas une critique vis-à-vis de lui, parce qu'il est très sympa, et puis il a beaucoup travaillé pour essayer de faire avancer ça, mais vous voyez, il y a longtemps que ça existe. Ça, c'est les couvertures vivantes, ça. Alors ça, c'est des techniques, on va les voir tout à l'heure, c'est super, ça. Bon. Écoutez, vous verrez tout ça après, comment diminuer les intrants, bon. Voilà, on peut le présenter comme ça aussi, toutes les fonctions. Vous avez vu que j'ai rajouté quelque chose par rapport à toutes les fonctions qu'on va voir. Fort pouvoir de bioremédiation, éviter les dérives des biotechnologies. Parce que dans ce pauvre Brésil, à force, soi-disant, tout est mieux avec les OGM, eh bien, ils ont tout déséquilibré. On a vu arriver les aleurodes, Bemisia tabaci, on a vu arriver des... Et quand vous tuez... Vous savez, la nature a horreur du vide. Quand ils sont venus avec des BT, toutes les générations de BT, les plantes BT, là, qui résistent aux attaques de ravageurs... Ils ont tué les lépidoptères, les papillons. La nature a horreur du vide. Si vous tuez les lépidoptères, c'est les suceurs qui prennent la place. Les suceurs et autres. Donc, mais les suceurs sont beaucoup plus difficiles à contrôler que les premiers. Donc ça veut dire qu'on déplace les équilibres, parce que la nature remplit tout ça dans les 5 minutes, avec des prédateurs et des ravageurs qui sont beaucoup plus costauds que les premiers. Donc, mais c'est vraiment une folie. On est dans un monde... Alors, je suis ravi quand même que cette France, qui rouspète là, est quand même tenu bon côté OGM. Alors moi, attendez, moi les OGM, je ne suis pas contre non plus, je les utilise. Mais il y a une façon de les utiliser qui peut être extrêmement profitable.
mais pas de la façon dont c'est utilisé aujourd'hui. Je vais vous parler tout à l'heure, il y a des gens qui utilisent 12 litres de glyphosate à l'hectare en ce moment. Bon, pourquoi pas 20 litres ? Hein ? C'est pas cher, tu peux y aller ? Alors, voilà, ça j'y tiens beaucoup. C'est que tout ce que vous verrez, moi je vais pas vous donner la recette, je suis pas un chef cuisinier. Même le chef cuisinier, tout le monde sait que les grands chefs cuisiniers, si vous venez à côté, vous expliquent, vous la refaites, c'est pas du tout le même goût. Hein. Donc, c'est des principes, et ces principes s'appliquent partout sur cette planète. Où on cultive, moi je peux aller partout, il y a que des endroits, je suis pas allé en Ukraine, mais j'y vais. Il n'y a que quelques endroits où je ne suis pas allé, mais je vais monter ça maintenant à toute vitesse. Alors, ça, c'est les fonctions, vous les regarderez. Ça, j'ai écrit ça dans les années 95. Donc, quand je vois les petits trucs et les couvertures, on va faire des mélanges de plantes, je meurs. Je meurs, ça, je dis, ça fait 25 ans qu'on a écrit dessus. Des livres entiers, j'ai écrit, moi, là-dessus. Donc, mais les gens le savent, ceux qui l'ont écrit, ça, maintenant, qui l'écrivent. Ils savent que ça existe depuis 20 ans. Pourquoi on n'a pas essayé de pousser là-dessus? Parce qu'avec qu'ils soient bio, qu'ils soient biodynamie, ou truc, on va tous dans le même sens, là. Mais surtout, ne labourez plus. On va faire des bio, on va faire des systèmes bio sans labour, avec des couvertures végétales. Je vais vous en montrer quelques-uns tout à l'heure. Bon, alors, ça, c'est tout ce que j'avais défini comme fonction, mais j'ai mis des chiffres sur toutes les fonctions. Dans mes livres, ça y est. Regardez, par exemple, un truc comme ça, c'est un truc de fou, ça. Ça, c'est du mil. Le mil fourragé, en 60 jours au Brésil, il recycle ça en potasse. Regardez là-haut, là. Deux variétés, là, différentes. Regardez, l'azote, il y en a un paquet. Phosphore. Quand vous pensez aux besoins de phosphore des plantes, il y a largement au-dessus de ce qu'on utilise. Il faut le traduire en P2O5, vous multipliez par 2,25. C'est du P2O5 que vous appliquez. Donc regardez un peu ce qu'il y a en phosphore là-dedans, en 60 jours. Et 280 unités de potasse. Il est quand même plus intelligent de mettre une plante comme ça, si vous avez des réserves de potasse dans votre zone, que d'aller acheter de l'engrais chez le... Hein, qui vous coûte je sais plus quoi, et qui va vous en amener, et il ne va pas amener toute cette quantité-là. Et qui, elle, en se minéralisant, va vous la restituer à vos cultures juste derrière. Bon, alors tout ça, des exemples comme ça, il y en a plein, et on a mis des chiffres dessus. Bon, ça c'est la vitesse, ces fonctions-là, contre l'érosion, pouvoir de restructurant, rechangeant carbone, et ça c'est fondamental. Même si vous avez perdu des engrais, eh bien on va vous les rechercher avec les couverts végétaux, parce que si vous savez monter les couverts végétaux, si vous avez compris les principes, c'est pour ça que ce serait bien que vous regardiez tout ça de plus près, avec du temps, eh bien vous saurez qu'on va chercher tout ce que les cultures ont laissé passer, on va le chercher. Au Mato Grosso, d'un seul coup, dans des sols acides, j'ai vu apparaître mes profils de surface qui avaient un pH supérieur avec plus de calcium. J'ai dit, hey, il vient d'où, lui, là? J'en mets pas, moi. Il est où? Mais on en a vu beaucoup avant de rentrer en semi-direct. Ils en avaient mis 7-8 tonnes de calcaire dans ces sols. Eh bien, j'ai compris, j'ai fait des fosses, 3,50 m. 3,50 m, j'ai lavé les profils, un rideau, les plantes de couverture, les racines, 3,50 m. Sol profond, hein. Et 3,50 m de racines. Donc, toutes les générations de calcium qui ont été poussées vers le bas, qui ont échappé aux cultures, qui sont descendues, ces plantes-là les ont reprises, les ont remises en haut. Donc, ça veut dire que si vous avez fait des bêtises, pas volontaires bien sûr, mais vous avez perdu l'efficacité de vos engrais, vous avez perdu les nutriments, eh bien, ces systèmes vont aller vous les rechercher. Et comme la forêt, même système de fonctionnement, c'est fermé. Entre le système sol-plante, vous ne perdez rien. Ça veut dire que l'efficacité de votre engrais, vous êtes sûr que quand vous achetez de l'engrais, celui-là, il va être efficace et vous ne le perdrez pas. Et que même s'il échappe à la culture là, dans l'interculture ou la culture associée que vous pouvez mettre dans un maïs, je vais vous montrer, eh bien, il va revenir vous le chercher pour vous le remettre en surface. Donc ça, c'est des choses fondamentales. Bon. Alors, on peut changer aussi complètement le complexe absorbant avec des couverts végétaux. Ici, vous avez du radis et de l'avoine. Vous pouvez voir, ça, c'est le témoin percolé à l'eau. On fait passer à la température ordinaire des jus de couverts. On les fait passer dessus, on regarde ce qui reste sur le complexe absorbant et ce qui a traversé le sol, qui a filtré, et on regarde ça. Regardez le navet, le radis, le K, là, le K est en jaune là. Regardez, pas du tout le même comportement. Il y en a un qui lessive le potassium, qui fixe le calcium, et l'autre fait l'inverse. Donc ça veut dire que la nature de votre complexe absorbant, s'il est un peu déséquilibré, vous voulez le recharger en potasse, ben vous avez intérêt à utiliser plutôt un type de couvert pour cette fonction-là. Alors les fonctions sont innombrables. C'est fini, Serge? Je suis dans l'autre partie, là? Bon, ben j'avance. Alors, ça aussi. Alors, ça, je l'ai détaillé. C'est un système auto-épurateur. Le semi-direct sous couverture végétale, c'est un système auto-épurateur. Je vais vous montrer. On n'a pas dedans. Moi, je n'ai jamais trouvé de pollution de xénobiotiques, donc de molécules de pesticides et autres. Il n'y en a ni dans les eaux, ni dans les sols, ni dans les grains. Et c'est le seul système. Les TCS, il y en a plein. Alors, j'y reviendrai un peu tout à l'heure, parce que, bon, les gens, on mélange tout. Ça, je vais sauter le carbone.
Je saute. Ça aussi, c'est une chose importante. C'est que quand vous avez des légumineuses très solides dans vos couverts végétaux ou en association avec vos cultures, eh bien, ce qu'on s'aperçoit, c'est que chaque fois qu'il y a des légumineuses comme ici, là, il y en a beaucoup, eh bien, les teneurs en oligo-éléments, ceux-là, remontent très, très vite. Pourquoi ? Parce qu'elles en ont absolument besoin dans leur fonctionnement et qu'elles vont l'extraire de positions où les cultures ne les prennent pas. Donc, je vous ai parlé du complexe absorbant. Eh bien, je vous montre aussi que la disponibilité d'oligo-éléments, elle peut se faire à travers les couverts. Il y a des milliers de fonctions. Il y a celles qu'on a découvertes et comme on ne sait rien, mais il y en a plein d'autres, on ne sait pas pourquoi. Je vais vous montrer un maïs à 14 tonnes. On ne voit plus le maïs tellement qu'il y a de mauvaises herbes. 14 tonnes. Vous allez dire, mais c'est pas possible. Ah ben, je vais vous le montrer tout à l'heure quand on sera dans la partie française. Alors, comment ça marche ça, ben, c'est sûr que les plantes qui sont associées au maïs, là, elles ont des effets sur le maïs. Lesquelles, j'en sais rien. Je suis en train de démonter la machine. Mais c'est sûr. Bon. Et pour vous situer les TCS, regardez. Ça, c'est l'horizon. L'horizon 0,5. 5, 10, 10, 20, 20, 40. Le carbone, le stock de carbone. Ça, c'est des systèmes de semi-direct sur couverture vivante. Ça, c'est le travail du sol tous les ans. Ça, c'est le TCS. Et là, un nouveau système de semi-direct. On a répété des traitements comme le travail du sol et le TCS. Et regardez un petit peu les différences qu'il peut y avoir au bout de 5 ans dans un sol argileux, sablo-argileux, excusez-moi, donc qui est pauvre en argile. Regardez, on est le stock de carbone sur les 40 cm est de 29 tonnes de carbone, alors qu'ici, elle est de 70 au bout de 5 ans de fonctionnement. Vous comprenez que ce n'est pas tout à fait pareil. Et vous remarquez que les TCS sont proches du travail du sol. Et elles sont quand même très éloignées des systèmes de semi-direct où on injecte de grosses biomasses. Et ces biomasses ont plus d'influence sur le sol, beaucoup plus pour la matière organique que ne l'ont les cultures, à part du maïs qui produit 16 tonnes de matière sèche au-dessus et 3 tonnes de racines. Mais je veux dire, nous, on a des plantes qui produisent encore beaucoup plus que ça en milieu tropical. Moi, j'arrive à produire 35-6 tonnes entre les racines et la partie aérienne par an de biomasse sèche, de matière sèche. Ça veut dire en carbone, vous divisez grosso modo par 2, 0,45, vous vous retrouvez avec 17 tonnes de carbone qui est injecté. Avec un coefficient de minéralisation de la matière organique, comme c'est sous découvert végétaux, il est à 1%, 1,2. Donc ça se minéralise très lentement. OK ? Donc si vous freinez la minéralisation et de l'autre côté vous injectez du carbone en continu, dont une grosse partie se fait par les racines dans la matrice du sol, c'est ce carbone-là qui est très important aussi. On parle beaucoup de la surface et des plantes qui sont dessus. C'est ce carbone qui est injecté dans la matrice du sol qui est très important et on en parle très très peu. Bon, allez, j'avance. Voilà. Ça, c'est des chiffres. Alors ça, derrière tout ça, il y a des livres entiers. C'est pour vous dire que subtropical d'altitude, 1100 mètres d'altitude, il y a de l'hiver, il peut geler. On se rapproche assez des conditions de nos années où il n'a pas trop gelé, là, qui sont un peu plus chaudes. Eh bien, il faut 7 à 8 tonnes de paille, de matière sèche, hectare, tous les ans, pour maintenir au niveau zéro de carbone. Vous n'en gagnez pas, vous n'en perdez pas. Si vous êtes en dessous de ça, vous perdez. Même ici. Par contre, Mato Grosso, milieu tropical, je suis 12-14 tonnes pour le même résultat. Mais moi, je vous dis, je produis deux fois plus que ça, trois fois plus que ça. Donc, j'accumule, je vais, moi, jusqu'à 2,6 tonnes de carbone de séquestration par hectare et par an. Quand j'ai publié ces chiffres, les mecs voulaient me tuer. Ils ont dit, il est fou, c'est un fou. Il y en a un qui m'a dit, un grand chercheur, qui sort de la même boîte que moi, il m'a dit, mais qui a une grande notoriété, il m'a dit, mon ami, avec ce que tu as perdu de matière organique, eh bien, si tu mets 80 tonnes de fumier tous les ans, pendant 100 ans, tu n'y arriveras pas à le remonter. Je l'ai remonté pendant le même temps où je l'ai perdu. J'ai mis 10 ans pour perdre 60% de la matière organique, je l'ai remonté en 10 ans. Je suis même passé au-dessus de l'écosystème naturel, de la forêt et des savanes. J'étais encore au-dessus quand j'ai fini. Alors là, tous les gens sont venus mesurer, on ne parlait plus de rien. Le fou était qu'à moitié fou. Bon, ça simplement pour quelques éléments dans un sol sableux. Regardez, les systèmes, on s'en fout. Le travail du sol est en noir sur tous ces éléments de la fertilité, là, le phosphore. Et le rouge, c'est les TCS. Et tous les autres, là, c'est des systèmes de semi-direct qui sont différents, qui n'ont pas les mêmes performances ni au niveau de la productivité, contrôle des mauvaises herbes, complexe absorbant et autres. Mais regardez les différences qu'il y a. Vous remarquerez que les TCS sont toujours très proches du travail du sol et que les autres sont complètement éloignés. Quand vous avez ça en potasse, par exemple, ces systèmes-là, si vous traduisez, si vous le mettez en engrais, la différence entre ça et ça, alors que j'ai mis les mêmes doses partout, hein, toutes les parcelles ont été traitées pareil, ça correspond à 300 kg, 400 kg de K.
voyez l'engrais là, vous avez dépensé pour rien. Ben moi je l'ai là. On dirait, les gens ils disent combien t'as mis d'engrais en plus sur les SCV, c'est le même. Je n'ai pas mis d'engrais en plus. Je ne perds rien d'abord. Et je sais avec les plantes, les exudats, les acides organiques, la décomposition des couverts végétaux, mais aussi des racines et leurs exudats. Comment, d'une bon, je saute. Excusez-moi, mais vous aurez le temps de voir. Simplement, ce que ça produit, disquage monoculture semi-direct sur meilleure biomasse. Voilà. Ici, regardez, dans un sol qui est vide chimiquement, c'est des fumures extrêmement faibles. Basse technologie, y a pas, y a les herbicides, il n'y a presque rien. Regardez, tous les années qui suivent, voilà les meilleurs systèmes de semi-direct. Voilà ce que donne le disquage monoculture. Offset lourd, offset léger. Et regardez que cette courbe-là, si vous avez trois fois plus d'engrais, alors là, pas de limitation, vous avez des herbicides, vous avez là, c'est de la chimie intensive. Eh bien, cette courbe-là, en semi-direct, avec très peu de technologie, elle est à peu près en moyenne égale à celle-là, en labour avec toute cette chimie. Ça veut dire qu'on peut économiser des engrais. On fabrique de la fertilité biologique et de la fertilité que j'appelle organobiologique. Ce compartiment est en train de monter à toute vitesse. Vous savez qu'au fur et à mesure que le carbone monte dans le sol, l'azote également organique monte parallèlement, avec un gros décalage bien sûr, mais il monte en même temps que votre la courbe de carbone. Ça veut dire plus vous séquestrez de carbone et plus vous aurez d'azote pour vos plants. Ok ? Au fur et à mesure que le temps passe. Mais ça, c'est... Alors ça, j'ai ça sur plein de cultures. Alors, ouais. Pour les variétés, je vous dis que si vous savez gérer le milieu, les variétés, on s'en fout. Dès lors qu'elles ont un potentiel, elles ont été fabriquées pour faire un potentiel énorme de productivité. Démonstration. Ici, il y a 1, 2, 3, 4 variétés. Rendement très, très élevé. Vous voyez, le semi-direct, il commence ici. Deuxième, troisième. J'ai pris qu'à partir de la deuxième année. Deuxième, troisième, quatrième année. J'ai pris le labour à côté. Deuxième, troisième, quatrième année. Les quatre mêmes variétés. Regardez ça un peu comment ça danse ici, comment ça saute. Il y a une variété qui a l'air meilleure, la noire, là, et qui est plus rustique que les autres, parce que là, c'est un milieu qui s'appauvrit. On perd la matière organique, on perd tout. Donc, c'est des critères au niveau génétique de rusticité qu'il faut chercher vis-à-vis de l'agression, quoi. Alors qu'ici, en semi-direct, vous voyez qu'on est monté. Et puis, regardez à partir de là, les différences entre variétés. Il n'y a rien. Si, 100 kilos, 200 kilos d'écart. Mais c'est pas significatif sur 4 tonnes 6. Je veux dire, pourvu que les cultivars aient du potentiel à exprimer à un très haut niveau, on se fout complètement des cultivars. Le cultivar n'a aucune importance en relation à la gestion du milieu. La gestion du milieu est 100 fois plus importante. D'ailleurs, on le voit bien ici parce que, regardez la gestion du milieu en travail du sol. Regardez, si vous faites la moyenne de ça, les années qui... Regardez, en troisième année, d'ailleurs, ça va très mal déjà. Hein. C'est très grave. Alors qu'ici, regardez. Et alors ici, avec la moitié de la fumure, vous remarquez une chose, la création de cette fertilité d'origine organobiologique, c'est qu'avec la moitié de la fumure, là, on est à peu près pareil. Là, on est bien mieux ici, où on met plus d'engrais. Et regardez, la troisième année, on est pareil, à peu près pareil. Ça veut dire, avec la moitié de l'engrais, j'ai rattrapé le potentiel de là où je mets plein d'engrais. Ça veut dire que je peux économiser déjà la moitié de l'engrais. Donc voilà une façon de diminuer les intrants minéraux à condition qu'on fabrique de la fertilité biologique qui est énorme, qu'on la fabrique, qu'on puisse la restituer aux cultures dans le cycle de minéralisation annuel. Voilà. C'est ça que ça veut dire. Allez, hop, on saute parce qu'il faut que je passe à autre chose. Alors après, il y avait... Là, voilà, c'est... Regardez le côté propre. Là, on a analysé 150 molécules dans les résidus de grains, de sol, de l'eau. Et vous voyez, il y a du semi-direct ici. Et là, il y a du TCS et du disquage. On trouve toujours des pesticides dans les grains. On en trouve ici. On en trouve dans le sol. Mais dans les SCV, on ne trouve rien. C'est pour ça que moi, je voulais un label. Parce que le vrai label aujourd'hui, c'est le bio. J'ai rien contre le bio. Sauf qu'il laboure. Il ne faut plus le faire en labour, je vous le dis. Ces épisodes Cévenol vont débarquer chez vous un de ces quatre matins. Ça, on ne peut pas prévoir. Le plus grand savant du monde ne peut pas prévoir. Vous n'aurez plus de sol. Non, mais je n'ai pas dit que le bio... J'ai dit qu'il faut arrêter de labourer parce que je sais que les bio labourent. Mais je n'ai pas dit que tous... Mais arrêtez, mais lui devrait faire journaliste. C'est le mec qui vient, il prend deux mots dans ta phrase et puis après, il dit que tu as dit ça. Non, mais attends. Je n'ai pas dit que tous les agriculteurs... Est-ce que j'ai dit tous les agriculteurs bio labourent? C'est pas bien. Je n'ai pas dit ça et puis je n'ai pas de jugement à porter là-dessus. Je dis qu'il y en a qui labourent et que peut-être que sur la somme de gens que vous avez, il y a peut-être la moitié qui labourent encore.
Oui, non, mais d'accord, mais c'est bien ça qu'on parle. Mais j'ai pas dit que tous les bio labouraient. Et chef, et journaliste, hein. On va trouver une carrière de journaliste. Alors, on avance, ça c'est des beaux profils. Ce que vous voyez en haut qui peut vous étonner là-bas, c'est pour comment dessécher plus vite avec des câbles qui envoient les produits desséchants par l'eau. Il y a 80 mètres entre deux tracteurs. Donc ça nous coûte 0,3$ à l'hectare pour dessécher, ça va beaucoup plus vite qu'avec des pulvées de 30 mètres de large. Bon, enfin, tout ça, c'est des techniques un peu... Vous voyez les belles cultures qu'on a. Alors regardez ça, je m'occupe de la banane, on va voir des images très vite là. Et on a diminué presque tout. Écoutez, je ne vais même pas commenter les... Alors regardez des biomasses, 60 jours celle-là, celle-là aussi. Alors là, elles sont... ça ne vous dira rien. Ça, c'est une petite sœur, celle qu'on a vue avant, c'était une petite sœur de la luzerne. Vous voyez, c'est nous, là, dans les années 90. Ça, c'est en saison sèche. Je mets deux têtes de bétail à l'hectare. Je suis passé d'une culture à trois cultures par an. C'est-à-dire cette intensification de l'agriculture par la succession, dans la même année, le même climat, j'avais une culture de soja. Après, j'ai passé à soja plus maïs. Et après, soja plus maïs, plus pâturage semé avec le maïs. Et toute la saison sèche, j'ai deux têtes de bétail à l'hectare. Trois activités agricoles. C'est pour ça que le Brésil aussi, il est monté très vite, très haut. Donc, au niveau de la production sur un même hectare, c'est monstrueux ce que nous avons fait de ce côté-là, quoi. Alors, bon, les plantes, il y a leur petite sœur française, on verra ça tout à l'heure. En voilà, vous voyez, elle pousse en pleine sécheresse, celle-là. C'est une sœur de la luzerne. On s'en fout. Alors après, on mélange les espèces. Voilà, on en a mélangé plusieurs. On peut les mélanger comme ça ou pas, les semer en ligne. Là, je vais vous montrer des trucs intéressants. Ça, c'est du maïs, vous voyez. Il est avec, regardez ça, ce maïs, il est avec 5-6 plantes là. Regardez la récolte. Mais quand je récolte ça, j'ai des couvertures, c'est des légumineuses qui sont derrière. Alors là, j'ai 140 kilos de haine juste derrière là, qui reste. C'est sympa quand même, non? Parce qu'un des gros éléments de nos agricultures, ça s'appelle l'azote. J'en ai entendu parler tout à l'heure, mais c'est tout à fait ça. Alors là, c'est des tournesols. Alors regardez bien cette photo. Qu'est-ce que vous en pensez? Cette photo, vous voyez que ici, là, il y a, j'ai oublié d'ailleurs, une plante, maïs et le zine, et il y a une crotte à l'air qui est une légumineuse qui ressemble un peu au févrole. Il y a trois plantes là. Quel est le maïs le plus beau? Celui-là, là il y a 130 hectares d'un côté, et là il y en a 130 de l'autre. On se met côte à côte, le même jour, même heure. Là il y a trois plantes ensemble, et là il est pur et nettoyé, il n'y a pas une mauvaise herbe dedans. Celui-là a produit 800 kilos de pluie ou 900. C'est quand même une provocation, hein, parce que là on est en pleine saison sèche. Le maïs a 2 mois de pluie, après il passe 2 mois, il n'a pas une goutte d'eau. Avec un degré hygrométrique à moins de 20%, et il va se puiser dans l'eau que le soja n'a pas utilisée en dessous. C'est là-bas qu'il va pomper son eau. Mais c'est quand même un peu, quand on voit ça, mais vous donnez ça aux plus grands scientifiques du monde, ils disent, mais là il y a une compétition, là il va y avoir une compétition. Là on va produire la moitié, le tiers, de... faux. L'éleusine fixe de l'azote. On a mesuré que l'azote de l'éleusine qui est là, qui est une graminée qui fixe de l'azote, avec des bactéries libres dans la rhizosphère, eh bien, plus les crottes à l'air qui, elles, fixent de l'azote par un système symbiotique, eh bien, ça passe dans le maïs pendant le même cycle. Et oui, mais on ne sait rien. Voilà, c'est encore un aveu de... Mais il faut le faire. On le fait. Après, on démonte la machine, on regarde comment elle marche. Mais si on discute avant en disant, ah ben non, là, il y aura une compétition, un truc, eh bien, on ne fait rien. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, les scientifiques, c'est super sympa d'être... je vais dire à mes petits-enfants, arrière-petits-enfants, je vais être arrière-arrière-grand-père, je vais leur dire de faire scientifique parce que c'est super. Tu discutes, il faut avoir le gros diplôme pour que tu aies le dernier mot. Bah oui. Et puis après, tu discutes, tu dis, ah oui, mais si tu fais ça, il va arriver ça, ils savent tout. Donc, tu fais rien. C'est super. Tu n'as pas besoin de bosser puisque tu connais tous les résultats avant de les faire. Oui, non, mais on est tombé dans des folies. Et je vous dis qu'il faut arrêter un peu tout ça. Alors voilà, bon là j'ai découvert. Regardez cette plante là, je vous la montre pour vous là. Le maïs là, s'il y avait une févrole, vous ne croyez pas que ça ressemblerait à ça, non? Cette légumineuse s'appelle une crotalaire spectabilis. Mais elle est exactement comme une févrole. Et bien là on a pris 700 kilos de plus que par rapport à la culture pure. 700 kilos, on enlève les nématodes, on fixe de l'azote, on en donne au maïs, il en reste encore derrière un gros paquet pour les cultures qui suivent, par exemple. Et le sol est mieux couvert. Bon, regardez. Crotte à l'air et du bracaria qui est une graminée, qui est un pâturage, il y a une différence. Mais même celui de gauche est très bien aussi. Enfin, c'est pour vous montrer. Vous voyez sur quoi je sème, ben, c'est trop tard. Bon, là, des pommes de terre, vous voyez le flétrissement bactérien là-dedans, là. Ça, c'est à Madagascar, regardez après. Juste à côté de la parcelle, couvert végétal. Il n'y en a pas un. Il n'y a pas un pied qui soit attaqué par le flétrissement bactérien. C'est intéressant, non?
Tous les champignons aussi qui se transmettent par l'effet splash. La goutte tombe, elle explose, elle a des spores, elle les met sur les feuilles du bas, hop, la plante est bouffée. Ben là, il n'y en a plus. Enfin bon, tout c'est ça, je ne vais pas vous... C'est... Alors, ça, c'est très intéressant. Monsanto a failli tomber dans les pommes. Vous voyez ça ? C'est une mauvaise herbe, celle-là, là, une euphorbe. Elle est résistante à tous les herbicides, dont le glyphosate. Le monsieur, il a 19 000 hectares. Il m'a appelé en urgence avec Serge, parce qu'il avait déjà perdu 5 000 hectares. Ça faisait trois fois qu'il passait du glyphosate, du 2,4-D, il a tout mélangé, ils font n'importe quoi, hein. Pour essayer d'avoir le truc, parce que 5 et 2 000, vous avez vu le coût de production d'un hectare de coton, c'est 2 000 et quelques dollars. Donc il a perdu le mec, ça fait un paquet de fric quand même. Et donc il nous dit, vite, on vient, qu'est-ce que vous voulez faire? Et il y avait les gens des multinationales. Ça c'est une unité de recherche à nous. Ça c'est des systèmes, ils font 600 mètres de long, 50, 60 mètres de large, deux pulvées, voilà, bon, ils sont côte à côte. Et se mêlent à la même heure. Et regardez ici, il n'y en a pas du tout de cette plante-là. Vous la voyez? Et alors, les gars de Monsanto tirent sur mon coude. Qu'est-ce que tu as mis là, Lucien? Dis-nous. C'est quoi l'herbicide? Il n'y en a pas. Mais ils n'ont toujours pas cru, hein? Et il n'y en a pas. C'est une couverture végétale, c'est tout. Ici, regardez cette paille-là, c'est pas la même que celle-là. Elle est beaucoup plus fine, vous la voyez? Ici, c'est du millet, millet perlé. Et ici, c'est un sorgho guinéen, qui ressemblerait un peu à vos sorgho fourragés d'ici. C'est un petit peu les mêmes origines. Eh bien, lui, il contrôle tout. Donc, s'il y a des plantes, des mauvaises herbes qui deviennent résistantes aux herbicides totaux, j'en ai rien à foutre, dit en langage vulgaire. Pourquoi? Parce que je les mets en l'ombre. Moi, je connais les plantes qui ont des effets allélopathiques pour les coincer. Je vais chercher, je dis ma priorité ici, maintenant je suis infesté par ce truc-là. Je prends un couvert végétal et puis elle est dessous. Si elle est vivante, elle me gêne en quoi? Je ne veux pas qu'elle interfère sur ma culture. Mais si elle est gardée à l'ombre, et en plus, ce sorgho, il se décompose très lentement. Les couvertures durent très longtemps. Donc, voilà, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il y ait des plantes qui supportent, qui soient résistantes aux transgéniques, on les met à l'ombre, gentiment. Et puis c'est tout. Elles ne vont pas se multiplier dehors. Mais on a mais c'est tellement simple ce que je dis. Et ça existe. Je le fais dans plein d'endroits pour plein de choses. Regardez ça aussi là. Ici, devant, là. Ce que vous voyez ici. Là, il y avait une couverture qui était aussi épaisse que celle-là, mais elle s'est décomposée très vite. Maintenant, il va falloir traiter, c'est du coton encore. Alors qu'ici, regardez, il n'y a pas une herbe. Donc, les fonctions herbicides, ben, je viens au bio, là. Nos amis bio, là. Un des gros postes, les Canadiens m'ont appelé, ils m'ont dit, ah ben, attendez, nous, on a des problèmes. Je suis arrivé dans les parcelles, ça fait 6 fois qu'on passe avec des sarcleuses, des machins. Alors, ils ont tous inventé des trucs différents pour bien sarcler, pour mécaniquement. Pendant ce temps-là, à ce moment-là, ils tombent 80 mm là derrière. Je suis vite allé dans les parcelles, j'ai dit surtout pas dans le hangar, dans les parcelles. On va dans les parcelles, le sol courait dans tous les trucs, il descendait, se déposait dans les... C'était super, super. J'ai dit, ça vous va là? Ben ils ont dit, ouais, non, c'est embêtant, mais bon, pour le moment, c'est ça qu'on sait faire. Eh ben j'ai dit, on va essayer de faire autrement, quoi. On va couvrir les sols. Puis là, c'est des billons, quoi. À force de passer des outils, ils ont des billons. S'ils sont dans le sens de la pente, mais c'est... Enfin, c'est des trucs de... Bon, donc les bio, quelle couverture? Le premier poste important, c'est il ne faut pas que j'ai d'herbe dans mes parcelles. Comme les maraîchers, pareil, c'est le même combat. Les bio pour les cultures annuelles et les maraîchers, c'est la même chose. Premier poste, pas d'argent, la main-d'œuvre est trop chère, je ne veux pas de pesticides dedans, donc c'est couverture végétale qui résout ça. C'est pas difficile ça. Je vais vous en montrer quelques-unes quand on sera sur la partie française. Alors, et on parle que du dessus du sol, mais regardez dedans. Ça supporte des machines qui pèsent 60 tonnes, 100 tonnes, 80 tonnes. Et ça ne se déforme pas, c'est des profils culturaux résilients. Parce que cette trame racinaire, j'ai mis une journée pour le laver celui-là. Cette trame racinaire, elle s'aplatit et juste derrière le passage de la machine, elle revient à sa position première. Regardez ça un petit peu, c'est des... Voilà les élusines, vous voyez un peu ce que c'est les racines? Regardez ça un peu. Voilà, bon, on va vous en montrer comme ça, je vais passer très vite. Oui, ah ben l'autre, là c'est déjà trop tard. Voilà. Alors sur couverture vivante, j'y reviendrai dans la partie tempérée, je vais passer très vite. Dans la partie tempérée, ces principes, ils traversent tous les climats, tous les sols. Et sur les couvertures vivantes, vous voyez cette couverture qui est dessous là, c'est un arachis. C'est un petit frère de l'arachide qu'on achetait pour les compléments. Moi, quand j'étais petit, je donnais de la farine d'arachide à mes vaches qui allaitaient parce qu'il fallait leur donner des compléments. Eh bien, c'est un petit frère de l'arachis et elle est pérenne. Et regardez, j'ai du riz dessus de très haute technologie là. Et l'arachis, derrière, je mets des bœufs. Qui c'est qui commande un système comme ça? C'est la couverture, c'est pas la culture. Donc aujourd'hui, vous entendez bien ce que je viens de dire? Si vous aviez des couvertures vivantes, et je vais vous en montrer plein dans la partie française, vous avez des couvertures vivantes comme ça, c'est elles qui commandent le système. Ça veut dire que si demain vous voulez vous adapter à l'économie, à l'offre économique la plus intéressante, c'est le blé dur qui produit le plus. L'année prochaine, je veux faire du blé dur.
parce que c'est ça qui paye beaucoup plus, par exemple, aujourd'hui, eh bien, vous pouvez le faire tant que vous voulez. Parce que le système blé sur luzerne, par exemple, qui c'est qui commande le système ? C'est la luzerne, c'est pas le blé. Donc, c'est un système à base de luzerne. C'est la luzerne qui pilote. Et donc, tant qu'elle est pérenne et que vous ne l'abîmez pas, et il ne faut pas la tuer, il ne faut pas la tuer avec des herbicides, on lui met des micro-doses d'herbicides. Vous êtes obligé de descendre les doses d'herbicides. Et je vous dirai quels herbicides j'ai dans un système couverture vivante aujourd'hui. Vous allez voir, j'appelle ça des parfums d'herbicides. J'ai pratiquement plus rien. Je suis en bio. Moi, je suis quasiment en bio. Alors, je veux un label, moi, pour ça. Alors, regardez, légumineuses avec légumineuses, c'est joli quand même, ça. On vous dit qu'il ne faut pas faire ça. Ça aussi, c'est à Madagascar. Bon. Du coton sur des couvertures vivantes, vous les voyez là. Vous allez les voir en climat tempéré après. Regardez, du riz pluvial, c'est une variété à nous, ça, que j'ai amené en Asie. Et elle pousse avec une petite sœur, la luzerne. Vous voyez que, bon, on a 5 tonnes et demie, 6 tonnes de riz, là, quand même, en pluvial, comme le blé. Et vous voyez que la luzerne, enfin, c'est du stylosanthès, c'est le frère de la luzerne, il pousse très bien. Regardez, il est arrivé en haut. Quand je vais récolter ça, je peux mettre des bœufs, je peux faire du fourrage à très haute protéine et autres. Je peux tirer une coupe qui me paye tous mes frais de l'année prochaine parce que mes charges sont très faibles. Je peux payer toutes mes charges rien qu'avec une coupe de luzerne. Et tout le riz, il est cadeau. Enfin bon, tous ces schémas-là, on fait avancer ça à toute vitesse. Bon, alors aux Antilles, 17 kilos de matière active hectare sur la banane, ça vous va ? Un hectare de banane arrivé à Rungis, partie des Antilles, coûte 33 000 euros. Ça vous va ? 33 000 euros, coût de production. Le coût phyto des phyto coûte 2 500, 3 000 euros. Eh bien, regardez, on est en ce moment, moi je suis à moins d'un kilo là, depuis 5 ans, de matière active, de 17 à 1. L'autre jour, il y a des trucs qui sont passés dans le monde où ils disaient la banane propre française, la plus propre du monde. Ben, voilà, on y va. Mais ils mettent tellement d'engrais, vous allez voir dans des trucs comme ça, que je leur ai dit l'autre jour, j'y étais là, j'en viens. Je leur ai dit, vous savez ce qui va arriver ? C'est que vos sols vont vous vomir dessus, tellement qu'ils mangent, ils leur donnent à bouffer. Ils mettent des quantités d'engrais là-dedans. Mais ça fait peur. Alors qu'ils devraient au contraire enlever les trois quarts de l'engrais qu'ils mettent. Mais ils sont subventionnés aussi. Grosse subvention sur la banane. Donc on peut y aller. Ils gagnent de l'argent. Vous savez qu'aux Antilles, on a une concentration de collègues à nous, là, entre le CIRAD, l'INRA et autres. Et je suis allé les voir en 2008. Je leur ai dit alors, chlordécone. Hein ? Chlordécone. Et il m'a dit quoi le chlordécone ? J'ai dit, qu'est-ce que vous en faites ? Il m'a dit, on suit sa progression dans le milieu. Donc on saura bientôt si on meurt tous et où peut-être on mourra pas. Faut choisir les endroits. Non mais je croyais que j'en croyais pas mes yeux. Je dirais pas qui c'est, je suis un professionnel, mais c'est quand même un peu choquant, non ? Alors j'ai un peu chambré le type et je lui ai dit mais pourquoi tu l'as pas arrêté le chlordécone ? À une heure de vol d'ici il y a le Brésil avec des couvertures végétales. Si tu avais mis du chlordécone là, il serait pas sorti les parcelles de bananes. Il y a plus de ruissellement, il y a plus rien. Il tombe 300 mm en une heure, il y a pas de ruissellement. Donc on l'aurait contenu sous la banane là. Et comme ces couvertures végétales amènent un pouvoir de phytorémédiation très fort, eh bien on aurait peut-être pu commencer avec des trichodermas qui se multiplient tout seuls dedans, des mycorhizes, tout ça se mycorhize, il y a des trichodermas, des bacillus subtilis, tous ces produits de l'écologie microbienne qui se viennent avec ces couverts végétaux et ces mélanges de plantes à forte biodiversité fonctionnelle, eh bien on aurait dégradé tout ça en plus. Alors vous avez entendu au mois de mars, ils étaient dans le... les langoustes, on ne peut plus les manger. Ah oui, la pêche était interdite en février. Moi, j'ai vu ça. Hein. J'étais au Brésil, mais j'ai vu. Parce que j'y vais voir de temps en temps. Alors, on ne peut pas la manger parce qu'elle est pleine de chlordécone et autres. Il y a des algues aussi qui viennent maintenant, comme en Bretagne. La première année de plantation de bananes, 600 unités d'azote. Bon, c'est pas beaucoup, mais bon, ça commence à compter un peu quand même. Mettez-le en urée. C'est... Hein, une tonne 3 ou je sais pas combien. Alors, regardez ce qu'on est en train de leur faire, c'est ça. Regardez ça. Il peut y avoir des pans, on s'en fout. C'est joli, ça, quand même. Regardez ça maintenant, il y a une machine derrière. C'est quoi qui a marqué là ? J'y vais. Voilà, regardez ce qu'on a mis sous les couverts, sous les bananes. C'est pas beau ça ? C'est des légumineuses qui, à l'ombre, fixent de l'azote. Voilà, pour diminuer tous ces pores. Il n'y a plus d'entretien, il n'y a plus de machine. On n'a pas besoin de passer un gyrobroyeur, ni d'herbicide. L'herbicide, c'est la plante qui est là. C'est la légumineuse qui est là. Bon, enfin, je vous montre ça parce que ça a quand même de la gueule. Bon. Voilà, alors la France, j'y vais, je cours vers la France. Allez, dépêchons-nous. Alors, je voulais vous montrer ça parce que, ici, là, il y a l'arbre dedans. Ça vous intéresse pas, peut-être, l'arbre ? Parce que j'avais cru entendre qu'il y avait des gens qui étaient préoccupés par les arbres. Eh bien, ici, on fait les trois activités. Alors, je peux pas revenir en arrière, putain. Qui c'est qui m'aide, là ?
L'autre, juste avant. Voilà, merci. Impec. Alors, vous voyez comment ça s'appelle ça? On intègre toi, sans jamais. Alors ici, sur cette photo-là, ils sont ensemble. C'est juste cliché, je passe tout de suite en France. Là, vous avez du blé. Dans le blé, il y a un pâturage qui va durer 5, 6 ans, 8 ans, pérenne, grosse production. Et il a de l'azote dedans quand il est bien géré, il y a de l'azote dans les feuilles et tout ça. Et on a planté des eucalyptus. Ici, ça pourrait être autre chose. On peut trouver, ça, c'est pas trop compliqué. Il faut voir si on veut faire de la qualité de bois d'œuvre ou si on veut faire du recyclage de BRF ou des contreplaqués ou autre, mais on va trouver des matériels. Moi, si vous n'en trouvez pas, vous m'appelez, je vous le dirai quoi. Mais regardez, là, on a. Donc, n'oubliez pas que dans le blé, il y a un pâturage qui est dessous, là. Et puis après, ça passe à ça. Le micro! Excusez-moi, mais moi, je suis trois trucs en même temps, alors là. Et vous voyez ce que ça donne quelques 4, 5, 6 ans après, quoi? C'est ça. Et on met une charge. Alors, on s'est aperçu que les bœufs qui sont là-dessus, ils prenaient plus de viande que ceux qui sont dans les pâturages à côté parce qu'ils sont à l'ombre. Le taux de transpiration de ces animaux-là est beaucoup plus faible, puisqu'ils sont dans un climat beaucoup plus sympa, beaucoup plus régulé. Alors bon, c'est un exemple aussi. Voilà, les voilà, vous voyez, ils se portent plutôt bien quand même. Et donc là, il y a l'activité bois et l'activité élevage. Et après, ben, tous les 5 ans, on fait tourner. Une fois qu'ils vont avoir fait les coupes, on peut reprendre ça. Donc c'est pour vous dire qu'on s'en préoccupe aussi et qu'on a des systèmes qui sont quand même super sympas, quoi. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc? Oui, on s'en fout. Ah, ça y est, on est en France. Bon, alors voilà, là, on va venir à des choses qui vous intéressent directement. Vous avez dormi pour la première partie, mais maintenant, réveillez-vous, hein. Ça y est. Alors ça, c'est dans la vallée du Cher, ça, vous voyez. À droite, il y a chez Jean-Claude Quillet, là, c'est le semis de blé. On semis direct, et à gauche, c'est du conventionnel. Alors si vous avez un tracteur, je vous conseille d'essayer de rentrer dans la parcelle de gauche, là. Hein? Et puis vous revenez chercher votre tracteur au mois de juillet de l'année prochaine. Hein? Et regardez la couleur du blé aussi. Alors j'avais d'autres photos, je ne les ai pas mises. C'est que j'avais été chercher les eaux dans les canaux il y a des canaux de drainage. Et j'ai pris les eaux sur la droite étaient complètement transparentes, et sur le côté gauche, là, elles étaient matière en suspension, elles étaient complètement turbides, elles étaient chargées de colloïdes. Voilà. Alors, voilà, là on est en train de récolter du maïs et de semer en même temps. Bon, vous voyez, j'ai des amarantes comme ça, c'est des plantes extraordinaires. Bon, enfin, on y reviendra après. Alors, ça se passe en Camargue, chez ce monsieur et chez Sandrine Gallon. Là, il y a 5 plantes dans le mélange. 5 plantes, c'est pour le couvert qui passe qui fait automne et jusqu'au printemps de l'année d'après. Voilà, vous voyez que ça se passe quand même bien sur les gesses. Il y a 5-6 plantes, on peut en mettre 10. J'ai eu des parcelles à 15 plantes. C'est mieux d'ailleurs que quand il y a. Plus il y en a, plus c'est bien, on ne sait pas pourquoi. Hein. Mais on pourrait le faire, parce qu'au niveau scientifique, c'est très facile à faire, à aborder. C'est comme les soustractifs NPK d'engrais. On met tous les éléments, après on en enlève un par un, après on en enlève deux, trois, ça fera des grosses manips. Mais je veux dire, on peut très bien savoir que quand on rajoute une plante, la production bouge, ou il y a une fonction de contrôle des mauvaises herbes qui est apparue, ben on sait que c'est dû à cette plante-là. Ça nous permettrait d'affiner tout ça. Mais ça, je l'ai dit il y a 15 ans, mais tout le monde s'en fout. Donc je le redis encore une fois, comme ça on ne sait jamais. Alors vous voyez des petites choses comme ça. Glyphosate, on fait un petit raccord avec le glyphosate là. Le glyphosate, je vais vous montrer tout à l'heure, j'ai un chapitre sur le glyphosate, on va y aller. Où je mets danger glyphosate. Il y a des gens qui utilisent 12-15 litres de glyphosate aujourd'hui. Oh. Mais on est dans la folie pure, quoi. Alors, on peut. Mais qu'on devienne intégriste en disant il n'en faut pas du tout, jamais. Moi, je suis une des personnes avec Serge là. J'ai jamais rencontré de chercheur qui s'occupait de ça. Ah oui. Parce qu'on peut dire, ah oh, oui, Lucien, il nous a présenté un truc, mais est-ce que c'est. Mais qui c'est qui se lève le cul là? Excusez-moi. Qui a l'idée, qui se lève le cul, qui le met au point et qui trouve des solutions? Eh bien avec Serge, là, Serge Bouzinac, on montait ça. Qu'est-ce qu'on faisait? On disait, et si on n'avait pas le glyphosate, il faut l'enlever parce qu'on voyait les 3 litres, 6 litres, 9 litres, 12 litres. Non, mais ça va où, là? Et puis après carence en manganèse, vous allez voir toutes les conséquences. C'est toute la microflore qui s'occupe de réduire les oligos qui doivent être réduits pour être absorbés sous forme réduite. Eh bien, il n'y en a plus. Toute cette microflore est morte. Le fer, c'est pareil. Donc, on peut avoir des chloroses, même sur des sols acides. C'est super, non? Mais des trucs de malade. Ah là, mais Monsanto n'est pas con parce qu'il le savait quand même, puisque maintenant il vend les oligo-éléments en même temps. Mettez-en beaucoup et comme ça vous avez besoin de beaucoup de l'autre. Hein? Bon, alors vous voyez des trucs comme ça. Ça c'est dans l'ouest de la France, dans la Mayenne, ou je ne sais plus, je crois que c'est Benoît Sager, je n'ai pas retrouvé son truc. Un truc comme ça.
L'autre solution pour ne pas toucher au glyphosate, c'est de faire des couverts avec des plantes annuelles. Dès lors que vous aurez, pas oublié, dès le départ de votre semis direct, d'enlever les pérennes et les vivaces. Vous les enlevez, vous les tuez. Alors il y a des choses un peu plus délicates, c'est quand il y a des régras dedans, parce qu'ils reviennent avec les graines un peu plus tard et tout ça. Alors il faut faire des séquentiels, là il faut les agiter un peu, les faire repousser 2-3 fois. Moi je ne ferai pas ça, hein. Moi je m'en servirai pour faire des soja à 5 tonnes. Et je ferai que du soja ou des légumineuses dessus, et je le garderai comme couverture vivante, plus fourrage que je vends ou que je fais pâturer, parce que là au moins je me sers d'une peste qui devient une peste végétale comme un allié prodigieux pour faire du semis direct. Au lieu de vouloir l'éliminer, c'est de vivre avec lui et que lui, il te porte tout ce qu'il est capable de te porter. Et le régras est une graminée qui peut supporter des légumineuses pendant 10 ans, 20 ans, au plus haut niveau. On ne peut pas produire plus de soja, de haricots, de pois chiches, toutes les légumineuses là, on ne peut pas en produire plus que sur des grosses graminées. Mais encore que moi, je trouve qu'il est un peu faible, lui, le régras sur ses racines et autres. Mais ça, si vous faites des mélanges de plantes annuelles, toutes les plantes annuelles, je vous rappelle ça parce qu'il y a des cours partout en physiologie, en trucs, les gens ont tout oublié. Je le déplore. Pourquoi ? Parce qu'on ne revisite pas les choses ou parce qu'on les a oubliées puis qu'on n'y a pas pensé aussi. C'est pas des... Je ne critique pas, je constate. C'est que les plantes annuelles, quand elles mettent leurs organes reproducteurs, même des graminées annuelles, de l'avoine, elles sortent ses épis, vous laissez sortir les épis, vous la roulez. Pas besoin de glyphosate. Mettre du glyphosate, c'est parce que vous voulez en mettre. Mais elle ne va pas repartir, hein. Il y a une inhibition des bourgeons du plateau de talage. Elle ne repart pas. Mais il faut qu'elle soit bien sortie, ou la roulez, c'est fini. Donc, il n'y a pas de glyphosate, là. Donc, les bio, là. Avoine. Seigle. Les gros seigles, là. Alors là, super couverture. Il n'y a pas une herbe. Pas une herbe. Jusqu'au mois d'août de l'année d'après. Ben voilà. Vous pouvez planter. Ceux qui font du maraîchage, ils plantent là-dedans. Mais des fois, on a besoin d'azote aussi. Mais si c'est pour des soja et autres, mais si on a besoin d'azote, on peut le mélanger. Avec de la veste. Par exemple, des vesses velues, ouais, qui vont vous donner de l'azote. Mais les deux vivent ensemble, et puis le seigle sera par-dessus quand vous allez rouler tout ça. C'est un truc fantastique. Je veux dire, il n'y a pas de glyphosate. Les plantes annuelles, si vous avez des couverts de plantes annuelles, quand elles sortent... Ici, c'est en couleur. Vous avez vu, il y a du tournesol, il y a l'autre, là, comment elle s'appelle, la violette, là. La facélie. Voilà, la facélie, ouais, que moi, je trouve pas géniale. Mais enfin, bon, vous l'aimez bien, gardez-la. Au moins, elle a des fleurs, elle attire les abeilles... Et elle attire d'autres ennemis des prédateurs. Mais elle est un peu légère quand même entre nous. Moi, je m'amuse à les arracher comme ça, toc, 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 toc. Je trouve que c'est vraiment faiblard. Il y a des plantes bien plus costauds que ça. Mais bon, dans le mélange qui est là, entre des vesses, entre des trucs, c'est quand même un couvert monstrueux. Eh ben, là, il n'y a pas de glyphosate. Voilà, une opération terminée. Pourquoi vous avez passé du glyphosate ? C'est semé, c'est fini. C'est terminé, là. Donc le glyphosate, on peut le sauter à condition qu'on n'ait plus de vivaces dans les parcelles, donc il aura fallu les éliminer. Ou alors si c'est des vivaces qui sont trop embêtantes et qu'elles sont, vous savez qu'il y a un potentiel semencier qui va revenir vous emmerder, eh bien essayez de le sortir, ou alors multipliez-le et faites des légumineuses dessus si c'est du régras. Quelle autre plante nous emmerde dans les systèmes... Excusez-moi, des fois je dis des grands mots. Quelle autre plante nous embête dans les systèmes de semis direct chez les graminées, à part le régras? En fait, nous embête. Moi, non. Mais ça embête plein de gens. J'en connais quelques-uns qui font des conférences en disant attention, parce que quand il va revenir, là, après, on ne peut plus l'enlever. Il y a des gens, moi, j'en veux pas chez moi. Alors que c'est ridicule. Multipliez-le, donnez-lui un peu à bouffer, un peu d'azote pour qu'il soit bien musclé sur ses racines, sur la partie aérienne. Et là, on fait du soja à 5 tonnes, entre 4 et 5 tonnes. Il est parfait, le soja, c'est vraiment très beau. C'est du carbone, il adore le carbone, le soja. Il a besoin de ça, lui. C'est ça qu'il aime. Mais toutes les légumineuses, de manière générale, des févroles, pareil, vous allez faire des févroles monstrueuses. Voilà, et vous le gardez comme couverture vivante. Qu'est-ce qui fait le régras ? Comme le chien dent, il domine toutes les mauvaises herbes, donc c'est un herbicide. Maintenant, quand vous allez le gérer dans votre soja, il ne faut pas planter à 45 cm. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'il y avait des mauvaises herbes qui poussaient avec la lumière, hein, germaient avec la lumière. 85%, ce n'est pas une, quelques espèces, c'est 85% des semences d'adventices qui poussent avec le phytochrome. C'est une protéine qui est activé avec la lumière. Et hop, les mauvaises herbes naissent. Donc 85%. Eh bien, que ce soit le régras, que ce soit le chien dent, toutes ces plantes, moi j'en ai dizaines en milieu tropical, elles contrôlent complètement. C'est l'herbicide. Il n'y a que cette plante à gérer. Il ne reste plus que le régras ou le chien dent. Ou le truc. Et maintenant, le jeu, c'est je ne le tue pas. Parce que si je le tue, je perds ma couverture, elle est plus pérenne. Les mauvaises herbes vont pousser. Eh bien, qu'est-ce que je fais ? J'utilise des petites doses
je vais essayer de le calmer avec des petites doses d'herbicides. Donc, obligation de baisser les doses d'herbicides, sinon vous allez le tuer. OK ? Mais en plus, vous avez autre chose avant de mettre des doses d'herbicides pour le calmer, c'est de planter votre peuplement végétal autrement. On plantait à 50, on plante à 17. Très proche, le soja. Ça ne veut pas dire qu'on augmente la quantité hectare. Mais on la répartit de manière telle qu'il fasse un ombrage très vite sur la culture. D'accord ? Et il faut un peu d'azote sur les sojas, si on parle des sojas au départ, parce que avant que la machine à fixation symbiotique fonctionne, il y a 30 ou 40, 35 jours où elle ne marche pas. Si vous avez un déficit d'azote dans votre sol, votre soja, il est un peu jaunasse, il n'est pas beau, et il ne fera pas cette fonction de couvrir très vite le sol. Ça veut dire que votre régras, s'il est dedans, il va commencer à lui faire de la compétition. Et là, au lieu d'utiliser un litre de fusilade, par exemple, de graminicide sélectif du soja, vous utilisez-en 0,2, 0,3. Là, vous le calmez. Pendant ce temps-là, le soja va le mettre à l'ombre. Une fois qu'il est à l'ombre, le regret, il est là-bas. Le chien d'art est pareil. Il est là-bas, il ne bouge plus. Pas de compétition pour la nourriture ni pour l'eau. Il est là-bas à l'état de vie ralenti. Il n'est pas mort, mais il attend. Quand la lumière va pénétrer, il revient. Il recolonise tout. Et vous avez toujours une mauvaise herbe. C'est lui, il domine toutes les autres. Vous avez un couvert végétal, il n'y a plus de mauvaises herbes dedans. Donc c'est quand même... J'ai monté ça en 1990, ça vous rassure un peu. On est 24 ans derrière. Alors j'ai recommencé à les monter en France, vous allez les voir tout à l'heure en photo. Là. Alors ça, c'est des trucs qu'on a fait dans le Berry. Là, avec des petits trèfles. Alors, j'en profite aussi pour les bio, mais pour les autres aussi. Quand on monte des systèmes où on met des couvertures vivantes, une légumineuse par exemple, parce que la légumineuse, je vous ai dit, elle vous permet de planter ce que vous voulez dans les graminées. Ça veut dire, moi, je voudrais répéter de la monoculture de blé, je peux le faire. Sur mon tapis de légumineuses vivantes, type luzerne, type autre, qui sont pérennes. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui commandent agronomiquement le système. On n'est pas en monoculture de blé. Je vous dis, on est dans un système de légumineuses de luzerne permanente sur laquelle vous plantez des graminées. Mais qui pilote agronomiquement le système ? C'est la légumineuse. Donc, vous pouvez, l'année d'après, remettre du blé, si c'est le blé qui paye le plus, ou les mettre du maïs. Ça fera un espace un peu plus long entre le blé et le maïs pour que la luzerne se retape bien si vous l'avez un petit peu chatouillé. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a comme herbicide ? Vous voulez que je vous dise ? Dans le système blé-luzerne, je vais vous le dire. Il y a 0,6 litres de glyphosate au mois d'octobre, pas toujours obligatoire, octobre, quand vous allez semer, 0,6. Glypho, 0,6. Mais on peut s'en passer, si elle est bien dense, cette luzerne, on n'en a pas besoin. Parce qu'elle aussi est un herbicide. Là où elle est, elle a passé l'été, elle a mangé tout le monde. Elle pousse, les autres ne poussent pas. Elle a dominé tout le monde. On a besoin d'elle. Dans la culture, si le printemps est vraiment chaud d'un seul coup qui démarre, alors là, elle peut pousser très vite la luzerne et elle peut faire une compétition. 4 grammes d'alliés. 4. 4 grammes d'alliés. Le sulfonylurée que vous connaissez. C'est... Et puis c'est fini. Voilà tous les herbicides du blé. Et là, on a 85 quintaux de blé. Voilà. Avec 80 unités d'azote. Et les voisins sont à 320 d'azote, ils sont à 65 quintaux. Ça vous va ? Et ils labourent les sols. Et vous allez voir, on va regarder ça en détail tout à l'heure, ces systèmes-là. Non mais, voilà ce que je suis en train de vous dire. Alors là, c'était du trèfle. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que si vous jouez avec le trèfle, en disant, bah, tiens, je vais mettre... Parce que ce qui est intéressant dans le semi-direct, c'est que quand vous avez compris les principes et que les gens les ont compris, qui c'est qui sont les inventeurs des technologies ? Mais c'est vous. C'est vous et moi, parce que moi, je suis un paysan aussi. C'est parce qu'une fois que les gens auront bien compris, vous allez voir le nombre de scénarios qui vont se multiplier avec succès. Et on n'y a pas pensé. Le mec a pensé à un truc génial. Là, il vient de faire un truc, mais c'est génial. Quoi ? Ben voilà. Mais pourquoi ? Parce qu'il a compris les principes et qu'il les applique. Et que lui, il avait des idées. Et puis, il voulait peut-être des fois aussi se distinguer. Il vaut mieux être célèbre pendant une heure que d'être à l'ombre pendant 40 ans, non ? Donc, écoutez, on peut comprendre tout ça. Mais vous allez voir, quand les gens ont bien compris ça, comment on avance aussi bien dans l'agriculture bio que dans les autres. On avance à toute vitesse. Et on va voir, ça va progresser de manière colossale. Mais le trèfle, il vit dans l'espace racinaire du blé. Écoutez bien, il vit dans son espace racinaire. Ça veut dire qu'il fait de la compétition. Le moindre truc qui ne va pas marcher, ou bien un temps trop sec, ou un temps trop humide, ou autre, et que le blé manque un peu d'oxygène, eh bien, il va vous faire de la compète. Donc, il faut, quand vous montez un système sur couverture vivante, de graminées ou de légumineuses, il faut que ces plantes ne vivent pas dans le même espace pour les ressources, qu'elles soient nutritionnelles ou qu'elles soient hydriques. La luzerne vit très en dessous du blé, Elana. Elle s'en fout. Et je vais vous le montrer avec des profils culturels. Donc, méfiez-vous de ça. Le type dit, ah ouais, ben, il a fait avec la luzerne, je vais le faire avec du blé. Il peut le faire. Mais attention, c'est pas comme ça qu'on monte le système. Il faut avoir compris le principe. Le principe, c'est de monter deux plantes qui ne vivent pas dans le même espace et qui ne se font pas de compétition.
elles ne se font pas de compétition. Et si elles s'en font, à la limite, ce que je disais tout à l'heure, un petit peu d'Allier ou de Carfentrazone qui s'appelle Aurora ou je ne sais pas trop quoi, avec, à des micro-doses, c'est le cinquième de la dose pleine pour tuer des plantes. C'est ça qu'on utilise. Donc on est obligé d'arriver au parfum, ce que j'appelle moi des parfums d'herbicides, même si c'est une antinomie. Mais c'est pour dire que par rapport aux doses pleines qu'on a appliquées, là on est vraiment dans un impact environnemental minimum. Il n'y a pratiquement rien. Et c'est pratiquement les seuls intrants que j'utilise moi. Et un peu d'azote, mais 80 unités d'azote. Et maintenant je vais le mettre sous forme organique d'ailleurs, je ne vais même plus le mettre sous forme minérale. Alors voilà le trèfle. Alors, la luzerne, si vous voulez en faire, on l'installe dans le colza, c'est très bien. Alors j'ai vu des colzas avec maintenant des lentilles, des... je ne sais pas trop quoi. Et sachez que pour installer une luzerne très bien, dans le colza, c'est parfait. Voilà, vous voyez, c'est très bien, ils poussent très bien ensemble, c'est super. Alors au bout, voilà, ça donne ça. Alors là, il y avait du colza en pur, et là, même rendement, 4 tonnes, chez Hubert, cet endroit-là. Et c'était marrant parce que les gens s'arrêtaient tous au bord de la route, parce que cet été-là, on n'a pas pu installer aucun couvert, il n'y a pas eu une goutte d'eau. Et lui, il avait une luzerne autre comme ça. Il disait, mais qu'est-ce qu'il a planté? Il n'a pas d'irrigation, qu'est-ce qu'il fait là? Ben, on n'a rien fait. On n'a rien fait. On a associé du colza avec de la luzerne. La luzerne a poussé en été. Tu fais une coupe là-dessus. Tu te vends 5 tonnes à 150 € la tonne. Ça fait 750 €. Les charges, nos charges à nous sont de 260 sur le blé. Il nous en reste encore 500 là. Hein? Vous entendez de l'agriculture de... Là, je ne suis pas en train, je n'ai pas de subvention, là, j'en parle pas de subvention. Je suis en train de gagner beaucoup d'argent sans subvention. Oui, alors ça, c'est un truc qu'on a fait, vous l'avez vu, ceux qui étaient à Toulouse ont vu ça, là, à Innovagri, il y a 2 ans. C'était chez Hubert Charpentier, une année catastrophique au point de vue climat. Alors, regardez, ben, là, côte à côte, vous aviez le labour, ça, c'est le labour avec le labour, enfin, c'est du chisel avec... Après, pulvériseur pour finir le lit de semences. On n'arrivait pas à rentrer, il n'arrivait pas à rentrer, quoi. C'était compliqué, et il faut le faire en même temps, sinon on ne peut pas comparer les choses. Donc il s'est mis en retard, il baignait dans l'eau, enfin c'était une horreur. Mais sur toutes les cultures, le poids, c'était pareil. À côté, tout ce qui est beau, là, c'est le semi-direct, bien sûr. Il a 14 ans déjà de semi-direct. Voilà. Et alors le voisin, voilà, lui, son voisin, là. Sympa, le mec. Il est très sympa, en plus. Et là, il a perdu 40 000 euros, à peu près. Il s'est planté en colza. Hein. Alors moi, j'avais envie qu'il aille voir. Moi, je suis peintre un peu aussi, je fais de la peinture. Quand j'étais jeune, je gagnais ma vie en copiant des peintures de maîtres, là. Et j'ai repensé à notre ami Monet. Et j'avais envie quand même, j'ai dit, au moins que je suis allé le voir, j'ai dit, tu envoies ça à Monet. Mais on m'a dit qu'il était mort. Mais sinon, il aurait pu faire une toile quand même assez superbe. Hein. C'est grave. Ce que vous voyez de marron, vous savez ce que c'est, là. Vous qui plantez du blé, c'est du brome. Le noir que vous voyez là. Pareil, infesté de brome. Voilà. Alors regardez bien les chiffres là. Conventionnel, donc les grandes bandes que vous avez vues qui font des hectares là, au milieu là, qu'on a gardées depuis le début, on les maintient toujours en travail du sol, alors qu'on voudrait les foutre à la poubelle parce qu'on fait que perdre du pognon dessus. Eh bien, 78 quintaux, 180 unités d'azote. Avec la luzerne, 100 unités d'azote, un peu moins. Il était plutôt à 85 que 100, mais on a arrondi là. Et on a fait 84 quintaux de blé. Donc là, il y a déjà 100 unités d'azote en moins. OK ? Voilà. Avec 60 unités, par exemple, sur la luzerne, on fait déjà 65 quintaux. Alors les 60 unités d'azote minéral pour faire 65 quintaux de blé avec la luzerne, on pourrait très bien les mettre sous une forme d'azote à libération lente, par exemple, pour ne pas le paumer. Ou bien des granulés riches en azote, maintenant, des composts qui ont été granulés, riches en azote, et on les met au semis. Et qui vont nous libérer de l'azote lentement, c'est-à-dire pas de risque de voir du lessivage, puisqu'il est organique et il va passer par tout le processus de transformation. Voilà. Et alors là, on a fait un truc super. On a traité les semences fongicides, on a pris des graines des mecs, traitées, après 3 applications foliaires comme le voisin. Alors, notre blé avait rien, hein. Il y a 200 hectares. Il n'y avait rien du tout dessus, mais on l'a fait exprès, on a traité 3 fois pareil. Résultat, 84 taux, 78. Nous, on n'utilise plus de fongicides. Et là, il y a 5 variétés de blé. Ça, j'ai commencé à faire ça aux agriculteurs français en 98. On a mélangé 2, 3, 5. Il faut faire attention au produit final. C'est à quoi il est destiné. Il faut une valeur ajoutée. Donc attention à ce que vous mélangez. Pas plus d'une semaine de différentiel de maturité aussi, parce que s'il pleut, attention. Mais voilà, on a des produits extraordinaires. Et là, les maladies, nous, les fongicides, un quart de dose des fois. Et les puristes diront, mais un quart de dose, ça ne marche pas. Mais si, ça marche. Et ça marche très bien. Alors regardez un petit peu quand on compare le conventionnel et l'autre, la taille des épis, la densité des épis, et puis entre les deux, bon, écoutez. Et alors il est apparu une petite chose, je vous le dis,
c'est que là où on mettait les fortes doses d'azote, eh bien, la luzerne disparaît. Ah oui, parce que la luzerne, c'est une, elle fixe de l'azote par voie symbiotique, mais si tu lui en donnes plein, eh bien, elle bosse plus. Et ben, à partir des doses 120, 150, 140 unités d'azote, elle a commencé à disparaître. Donc, nous, on n'utilise que 80. Donc, ça nous va très bien. Et on ne lui fait rien. Et, mais voilà un autre limitant naturel qui fait que vous ne pourrez pas mettre des doses d'azote trop élevées parce que vous allez tuer votre couverture vivante que vous voulez maintenir pendant plusieurs années. Et avec toutes ces fonctions, c'est-à-dire l'azote, ça veut dire se nourrir là-bas en bas, nous remonter des éléments en haut, un recyclage de nutriments qui ont été lessivés, les remonter, faire tout ça. Et surtout, le contrôle herbicide, parce que la luzerne est un herbicide. Voilà, il n'y a pas d'herbe qui vivent avec elle. Quand elle est bien implantée, bien. Alors voilà, ben voilà, vous avez le calendrier là, juste devant vous. Voilà. Avant blé. Alors après, c'est Herbalis qui travaille avec nous, qui a fait ce truc. Alors c'est lui qui a mis le baratin, là. Il y a des choses que je partage pas dans ce qu'il dit, mais enfin bon. Vous voyez les deux courbes là-bas, avec la courbe de réponse à l'azote, là, avec les doses d'azote croissantes d'azote, et puis les deux courbes, là sur la luzerne, et la courbe sur le chisel. Bon. C'est pas pareil, mais vous allez voir où c'est pas pareil, c'est ça. Regardez, vous savez qu'on a passé 30 ans de notre vie, hein, en France, avec un sacré boulot pour essayer de savoir comment on gagnait des protéines enfin, dans les blés à la fin. Et ce dernier rapport était très important, vous savez, ce dernier rapport, le dernier rapport en général, c'est pour les taux de protéines du blé qu'on le met. Regardez, c'est très drôle quand même ici. Regardez sur la luzerne vivante, et à toutes les doses, ça c'est la courbe du chisel, et le taux de protéines dans le blé, et regardez là, avec la luzerne. Et quand on arrive ici, vous remarquerez que l'espace, à 120, 200, mais même à 150, déjà l'espace est plus grand qu'ici. Ça veut dire qu'on se gagne 1,5 de protéines sans rien faire, là. Il n'y a pas d'azote final, d'engrais, je ne sais pas quoi. Et les deux courbes sont décalées depuis le zéro. C'est quand même super. C'est-à-dire enrichir son blé en protéines avec sur une couverture vivante. Ça, c'est quand même un plus colossal. Dans toutes les techniques qu'on a développées, on a développé quoi? Des fractionnements d'azote à apporter à tel moment, ta-ta-ta. Et puis surtout, le dernier final, ne pas le rater parce qu'on n'aura pas les taux de protéines pour avoir un produit qui se vend très cher. Voilà, ben... La luzerne, c'est un des systèmes qui répond très bien à ça. Alors bon, tout est un peu comme ça. Quand vous regardez un peu dans ces analyses qu'a fait Herbalis sur cet essai, regardez le carbone sous le semi-direct 3, et là, à peu près presque 3 et 2, il y a 50% de plus de carbone sous nos parcelles que sous le chisel. Bon. Mais 50%, c'est beaucoup quand même. Hein. C'est pas... On n'est pas. J'ai fait la fixation, j'ai écrit un article qui s'appelle, je l'ai mis dans la révision finale, vous pourrez aller le chercher. Il s'appelle Capacité de fixation du carbone de quelques sols de France. Et là, on a géoréférencé les endroits, on a fait des répétitions, on a fait tout ce qu'il faut. Et on fixe 1,6 tonnes dans un système où il n'y a pas d'entrée de carbone très élevée, comme dans un système comme le sien avec le colza, le blé et tout ça. Par contre, là où il y a de l'irrigation, il y a du blé, il y a du maïs et du blé l'année d'après. Et découvert pendant l'hiver, on arrive à avoir 7, 8 tonnes de carbone par hectare et par an. Et là on fixe davantage on séquestre davantage de carbone. Mais enfin bon, tout ça c'est vieux. Vous aurez le temps de regarder ça. Ouais. Alors là, je vous ai mis un petit schéma dans le subtropical d'altitude pour vous dire ce qu'on fixe, ce qu'on séquestre avec une rotation blé-soja. Alors, ils font deux cultures par an. Hein. Attention, alors que nous, on n'en fait qu'une. Voilà. Et avec maïs à la fin, ben on était là à une tonne de carbone par hectare et par an. Mais nous, dans la zone où il fait le plus chaud, on est à 2, jusqu'à 2,5. Mais les biomasses, on monte à, je vous l'ai dit tout à l'heure, entre racines plus partie aérienne, on est à 37 tonnes de biomasse par an. Donc ça veut dire 17 tonnes de carbone que je réinjecte. Donc on fixe aussi, donc même là où il y a un réacteur qui fait de la minéralisation très active de matière organique et qui oxyde tout ça, c'est faux parce que là on est sous couverture végétale, donc on réduit complètement le coefficient de minéralisation et on réinjecte aussi bien dans le sol qu'au-dessus des quantités invraisemblables de carbone. Et pas que le carbone, il y a sa quantité et sa qualité. S'il y a de la biodiversité fonctionnelle, c'est qu'il y a d'autres plantes qu'une graminée. Il y a des fois 5, 6, vous avez vu tout à l'heure, 8, 10 plantes en mélange. Bon, c'est pas là qu'il faut que j'appuie. Voilà. Alors regardez bien ces deux parcelles. Et c'est là où on arrive dans le charme de l'homme. Parce qu'aujourd'hui, dans les temps où nous vivons, nous parlons et nous travaillons plus. On parle. Le boulot, c'est parler. Communiquer. Et on n'a jamais été aussi incommunicant qu'aujourd'hui.
Vous appelez un mec, son portable, il n'est pas là, oui, vous me laissez un message. On ne communique plus. On ne peut plus communiquer. Avant, on écrivait, au moins, on savait ce qu'on écrivait, on faisait attention. Mais je veux dire, c'est un monde de fous. Et comme exemple, alors que la seule beauté de l'homme, c'est d'être dans la biodiversité, c'est justement qu'ils sont tous différents, les êtres vivants, et puis qu'ils peuvent... Et que c'est ça qui fait la beauté de gens qui travaillent ensemble. Non, aujourd'hui, on les clone pour tout. Tout. On leur apprend tous à dire la même connerie. On leur apprend à écrire en papier. Ils écrivent tous le même papier. Il faut qu'ils écrivent comme ça, parce que sinon, les anglo-saxons ne comprendraient pas, imaginez. Moi, je suis emmerdé, hein, si les Anglais ne comprennent pas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, je veux dire. On avait des belles publications, on les a toutes tuées pour publier maintenant en anglais, alors qu'on aurait pu traduire les nôtres en anglais, par exemple. Ça coûtait moins cher. On avait une école d'agronomie, de synthèse systémique, avec un monsieur Hénin et autres, je peux vous en citer un paquet, des mecs géniaux qui ont fait les révolutions agricoles du monde, qu'on nous enviait de tous les côtés, eh ben on l'a tué aussi, ça, pour imiter les anglo-saxons. Alors là, on n'imite pas les anglo-saxons, regardez, c'est beau, là, la diversité humaine. À gauche, Jean-Claude Quillet, il n'y a pas d'argile, zéro argile dedans. C'est des sables calcaires très fins, limon et sable fin. Épaisseur 2-3 mètres. Regardez, son voisin, c'est son beau-frère. En plus, ils s'entendent bien. Mais ça fait 20 ans que ça dure. Alors, bon, on pourrait dire, sans trop se risquer, que celui de gauche va produire peut-être plus que celui de droite, si ça se trouve. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est un bel exemple. Parce que quand on parle de sable, mes copains de l'IRD m'avaient envoyé un message que j'ai gardé. Moi, j'en savais rien. Puis pourquoi pas, je peux croire ce qu'ils disent. Mais moi, je fais. Je fais, je mesure. Et après, je dis, ben, tu avais raison. Mais je n'ai pas perdu mon temps parce que je suis convaincu. Mais si tu te plantes et si tu écoutes, on ne fait que parler. Il dit, on a fini, on ne bosse plus puisqu'on sait tout. Avant de le faire, on n'a pas besoin de bosser. Eh bien, dans un cas comme ça, regardez la chronoséquence. À gauche, labour 9 ans, puis 10 ans de TCS. Lui, là. C'est le beau-frère, celui qui est à droite, là, oui, qui a du sorgho à 200 kHa. Et lui, là, qui fait des rendements très élevés tout le temps. Regardez, TCS 2 ans, 17 ans de SCV avec couverture végétale permanente. Regardez les paramètres, la matière organique, l'azote total, la biomasse microbienne, l'indice d'activité microbienne, le P. Regardez les nutriments contenus dans la biomasse microbienne, c'est ceux-là qui reviennent très très vite pour la nutrition des plantes. Ça, il y a un turnover extrêmement rapide. Regardez ça, 94, 203, 73, 157, 62, 133. Et ça s'est passé sur 19 ans des deux côtés. Vous avez vu la matière organique quand même, 1, 2 et 4, 5. Alors, le taux de carbone, j'ai moi les teneurs pour faire ce qui a été séquestré. Les gens de l'IRD m'avaient dit, comme il n'y a pas de colloïde, tu ne peux pas fixer de carbone. Alors, le champ que vous avez vu où il y a les deux champs, le petit sorgho nul et l'autre super beau, là, moi, j'ai pris un balai, on a cueilli, j'ai tout nettoyé, et vous venez, vous arrivez, à gauche, le champ est gris. 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 Alors que c'est tout blanc, le sable calcaire. Et à droite, il est blanc. On dirait qu'on a passé ça à la peinture noire, pas trop fort, quoi, mon ami. Alors, vous prenez ces petits sables, là, il y a des limons, vous faites ça, et vous avez les mains toutes noires. Donc, le carbone, là. Eh bien, même quand il n'y a pas de colloïde, eh bien, la matière organique, eh bien, ça fait des acides humiques, des acides fulviques. Et eh bien, ça vient se déposer autour des grains granulométriques qui sont là, qui sont des limons, des sables. Mais bon, tout ça aussi, bon, si on se contente d'écouter, de dire « Ah bon, ça ne se fera pas, donc ce n'est pas la peine », non, on le fait. Et puis après, ben, après, on démonte la machine. On veut savoir pourquoi. On pensait que, ben voilà. Mais d'abord, une approche systémique globale pour démonter des... Moi, les gens viennent très souvent m'aider, je charrie là, mais c'est vrai. Ils viennent m'aider pour me dire que je viens d'inventer une Ferrari. Le moteur, le truc, tout. La rentrée dans l'air, le truc. Et ils viennent m'aider pour me nettoyer. Ils viennent m'aider, soi-disant, si je ne suis pas avec eux, j'y arriverai pas. Et ils viennent m'aider pour me nettoyer le rétroviseur à gauche avec un chiffon. Je leur dis, mais attendez. Mais ça, je peux le faire, mais je m'en fous à la limite si j'y vois à peu près. Non, mais n'importe quoi. Ou alors ils me changent, ils ont une roue vachement plus performante, ils la mettent à l'arrière. Et puis là, j'ai une roue super performante et l'autre n'est pas pareil. Et puis on se casse la gueule dans le premier virage. Pourquoi ? Parce que thématique, systémique. Donc le systémique est fondamental. Je vous ai dit, mes pères, je les respecte, ils me respectent aussi. Mais moi, c'est la mère que j'ai. C'est une mère, c'est la nature. Vous provoquez la nature, vous mettez avec des dispositifs expérimentaux rigoureux pour pouvoir interpréter rigoureusement ce que vous faites. Interrogez-la, elle vous répondra toujours. Et commencez à construire des ensembles complexes qui sont très différents au plan du fonctionnement agronomique, impact environnemental, performance économique. Faites-les. Ils sont côte à côte sur la même unité de sol. Prenez les meilleurs sols de la région, les pires entre les deux, on pourra peut-être interpeller.
faites fonctionner ça, pérennisez ça. Et là, là, les chercheurs vont venir travailler, ils vont démonter les machines, ils s'emporteront des sols dans leur labo pour aller au sein. Mais que les chercheurs pointus aujourd'hui, qui sont tous thématiciens, viennent nous monter des systèmes, ça n'arrivera jamais. Je vous le dis. Aujourd'hui, c'est foutu. Et en, malheureusement, on a perdu les hommes de synthèse. Eh ben aujourd'hui, je crois qu'on perd beaucoup de temps et énormément d'argent à cause de ça. Voilà, voilà les coûts là, de mon ami charpentier. Voilà, lui, il est dans le jaune. Après, ça, il a appelé ça du conventionnel à ce faible niveau de 30, TCS et compagnie là. Et puis à droite, eh ben, labour profond, enfin labour avec tout le travail intensif du sol, plus toute la chimie. Vous voyez qu'on est à... Enfin bon, les chiffres se passent de commentaires. Alors, chez Sandrine Galland, vous voyez que dans son blé dur, j'ai gardé cette photo pour vous, à gauche, il y a du Trichoderma tout seul. J'ai quelques souches de Trichoderma, mais vous savez, les souches importées, c'est pas très... Tout ça, c'est du mercantilisme de base. On vient vous vendre des souches qui viennent je sais plus où. Tout ça, ça n'a pas beaucoup de sens. Des fois, ça peut marcher. Mais c'est pas ça qui marche. C'est de prendre vos souches de votre sol, comme fait le labo Agronutrition, par exemple, de vos propres souches natives, de vous les booster 10 puissance 15, il vous les rend, et celles-là, elles étaient dans votre sol avec vos pesticides, si vous en aviez, toute cette pollution que vous pouvez avoir accumulée pendant des années, surtout quand on a mis des carbamides et des choses comme ça, ou des organochloriques qui durent deux siècles, eh bien, ces souches-là qui vous identifient, qui vous boostent, ben, vous les réinjectez après dans votre système. Alors là, on peut faire des trucs. Et alors, j'avais mis un peu de Trichoderma tout seul, ben, regardez, il y avait quand même des maladies sur le blé. À droite, il n'y avait rien parce que on s'aperçoit qu'il y a des synergies colossales entre ces outils de l'écologie microbienne et les bioproduits et la chimie. Alors que je pensais que, tout à fait au début, en 98, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit peut-être que là, on va tuer ce qu'on veut, on va tuer des souches, ça va être grave. Et bien, il y a des synergies presque tout le temps. C'est-à-dire, j'ai diminué toutes les doses de chimie par deux, j'ai mis des produits, des bioproduits avec, ben, ça produisait plus, beaucoup plus que la chimie intensive. C'est vraiment impressionnant, toutes les synergies. Alors comment ça marche tout ça, moi, je serais quand même curieux que des gens se penchent sur dans l'intimité de ces mécanismes. Alors ça, c'est chez Sandrine Galland aussi. Vous voyez les résultats en bas. On en est dans le conventionnel à 0,5 litre hectare de triazole Yeti, 8 tonnes 3, 0,25 litre hectare de Yeti et du trichogramme, on est pareil. Et puis le trichoderma tout seul, il est à 7 tonnes. Mais enfin, à 7 tonnes, quand ça a mal marché, dans du blé dur, hein, et qu'elle a 14,2% de protéines dessus, on peut quand même s'en sortir. Mais enfin, on peut être complètement clean, alors que dans le Yeti tout seul, on n'y est pas. Mais on va y arriver, ça, c'est pas un gros problème. Bon, ça, c'était des comparaisons. Alors ça, c'est... Là, le Canada, perdu d'avance. Pourquoi ? Parce que 5 mois pour cultiver. Alors, on m'a dit ton truc, des couvertures végétales, tu les mets où, là ? Ah ben, j'en sais rien, moi. J'arrive. Et c'est super, le monde, quand même. C'est là où on voit que le monde est formidable, quand même. Je vois dans la première réunion que j'ai faite à l'issue du premier diagnostic avec les Québécois, je vois une dame qui vient vers moi, très gentille, souriante et tout. Elle m'a dit, je m'appelle Odette Ménard. Et le monsieur des vers de terre la connaît sûrement. Monsieur Boucher, vous la connaissez bien. Elle est super gentille, cette dame. Elle vient, elle me dit, eh ben moi je m'appelle Odette Ménard, je m'occupe des vers de terre. J'ai dit, c'est super, les vers de terre, très important, surtout dans ces sols-là, avec ce qu'on fait dessus avec les couverts végétaux, on multiplie ça par 3, par 5, c'est formidable. Et je lui dis, mais alors, elle me dit, oui, je vous dis ça parce que je vais en France souvent et je vais aider les gens du semi direct. J'ai dit, mais attendez, vous transférez des techniques de semi direct d'ici vers la France? Elle m'a dit, elle n'a pas osé me dire oui, mais c'était un peu ça quand même. J'ai dit, mais vous n'avez pas de semi direct chez vous, mais vous allez le... Alors là elle est très drôle, elle a beaucoup ri, elle a dit, oui, c'est un peu vrai, quoi. Mais bon, moi, c'est les vers de terre. Je regarde ce qui se passe sur les vers de terre. C'est mon grand sujet. Mais c'était marrant, quoi. Et là, j'ai découvert des gens qui allaient en France donner des conseils à nos paysans français, là. Elle ne s'est pas vantée de ce genre de choses, mais il y avait des gens qui disaient, on va aider les Français à monter le semi-direct. Et il n'y a pas de semi-direct au Canada. Il y a du zéro travail, c'est-à-dire on sème dans les résidus de récolte. Je fais du soja cette année. L'année prochaine, je fais du maïs. C'est dans les résidus de récolte de la culture précédente. On ne travaille pas les sols. Et on plante dans les résidus, s'il en reste encore, c'est ce qu'on fait.
Mais là, il n'y a aucune plante de renfort. Tout ce que vous avez vu là, ces plantes qui sont ou associées aux cultures ou en interculture, ces monstres, ces mini-forêts colossales qui ont des impacts agronomiques monstrueux, bien plus forts que les cultures, sont rajoutées dans les systèmes de culture. Et c'est ça qui fait toute la différence. Alors, des fois, je râle un peu, parce que je vois des papiers sur le semi-direct, machin, mais ce n'est pas du semi-direct. Si, c'est du zéro travail, voilà. Et souvent, le zéro travail est bien pire que de labourer. On a des risques de faire des lissages dans le profil et des discontinuités physiques qui vont préférentiellement guider l'érosion de surface et autres. Donc attention, donc ce semi-direct, maintenant, c'est devenu une poubelle. Et moi, j'ai fait un article qui s'appelle « À propos des SCV » pour leur dire « Les mecs, arrêtez de me mélanger tout ça. Hein. Arrêtez de mélanger. Appelons un chat un chat. Me dites pas. » Alors, quand je vois les gens, je fais du semi-direct, je vais les voir, je dis « Il est où ton semi-direct hein ?» Il n'y en a pas. Tes sols sont découverts. Ah oui, mais j'ai donné un petit gratouillet. Ah oui, gratouillet. Bon, mais gratouillet, ben, gratouillet tant que vous voulez. Je vais vous montrer comment on passe à 90 jours du labour pur et dur au semi-direct, directement. L'histoire que, entre les deux, il y a une phase de transition. C'est comme la blague de, comment on l'appelait, le mec là, Fernand Reynaud. Combien met le fût du canon pour se refroidir après la sortie de l'obus ? Un certain temps. Et bien là, c'est pareil. La phase de transition, c'est un certain temps. Alors, c'est 2 ans, 3 ans, 5 ans. Maintenant, ils en sont 5 ans ou je ne sais pas quoi. Mais tout ça, c'est de la fabulation. Les gens n'ont pas compris les principes et ils ne savent pas surtout utiliser les outils qui peuvent passer du labour pur et dur au semi-direct. Je vais vous montrer un cas là. Vous allez voir, c'est super joli. Et rendez-vous pour l'année prochaine. Demandez à moi, par sur mon mail ou à Louis Pérusse au Canada, les résultats qu'il va y avoir. Vous allez voir un petit peu. Là, c'est plus qu'un show. C'est un show fantastique, ça. Je ne sais pas qui c'est qui a été inventé ces histoires de gratouillis, une phase intermédiaire. On fait que... Bon, je le dis pas. Alors, regardez ça. Et on ne peut pas loger de couverture végétale au Canada. Il n'y a que 5 mois pour cultiver. Et bien, j'ai dit, moi, je vais faire du blé d'hiver. Alors là, toute la salle. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites en rire? Ils m'ont dit, vous savez comment il fait ici en hiver? Moins 47. J'ai dit, oui, mais sous la neige, c'est zéro. Ah, il m'a dit, ça, c'est vrai. J'ai dit, vous savez que je préférerais le Canada à ce qui nous arrive chez nous de temps en temps. C'est-à-dire, pendant l'hiver, prendre un moins 15 ou un coup de neige, et puis après, un moins, ça dégèle, et un moins 15 derrière dans les blés qui vous casse tous les collets, qui vous déchausse toutes les plantes, qui vous coupe les racines. Et donc, si on est au zéro, si on est sous la neige, ben, on est au zéro. On est protégé. Dans l'endroit où je suis, 7 mètres de neige cumulée. Ils en ont tout le temps. Mais j'ai dit, on va attaquer les céréales d'hiver. On va semer. Mais pour les semer, on ne peut pas. Parce qu'ils récoltent le soja. Les premiers froids sont là. Donc quand est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai dit, c'est simple. C'est, vous savez, vous avez vu la pub de la Renault, là, électrique? C'est simple. Avec le gamin qui saute, là. Vous ne l'avez pas vu, ça, là? Ben, c'est pareil. Ben, là, c'est simple. Qu'est-ce que vous faites? Ben, vous balancez un mois avant la récolte du soja. Je balance le blé à la volée. Alors, allons-y. Voilà. Vous avez vu qu'il y a des structures de sol quand même qui sont quand même vachement belles dans nos semi-directs. Vous voyez le blé en train de naître? Putain, j'y arrive pas moi vraiment. Voilà, vous les voyez là? Ici, là. C'est en train de naître, posé par terre. Hein. Voilà. Ça a quand même de la gueule, non, ça? Alors, vous me direz, on pourrait peut-être faire mieux avec le semoir, je sais pas quoi. Mon ami Serge Augier, en Franche-Comté, il y a 22 à 25 000 hectares de semi-direct depuis 14 ou 15 ans, pas tous, mais les plus vieux, c'est 15-16 ans. Serge Augier, lui, vous savez ce qu'il fait? Je lui ai fait faire ces techniques-là, il les a déjà mises en place. Cette année, il a peut-être 1000 hectares ou j'en sais rien. Je ne sais pas combien il en a, mais lui, on lui donne un truc, dans 5 minutes, c'est fait. Il dit pas, non, non, mais tu sais, je ne sais pas quoi, non. Il fait, et puis il fait comme moi, il regarde après si ça a marché. Et, mais ça, on ne l'a pas mis au point en Franche-Comté, mais au Canada. Eh bien, lui, il met, écoutez bien, 110 graines de blé au mètre carré. Il prend un hybride de blé, un hybride qui tâle énormément, il met 110 graines. Si vous faites le poids de semences hectares, ça donne 30, à peu près 40 kilos. 40 kilos hectares à la volée. Alors, outils bien réglés, alors pour régler les outils, on y arrivera. Hein. S'ils ne sont pas bien réglés, ça, c'est mécanique, on peut y arriver. Et alors, ben voilà, ça donne des... Alors, quand on voit, j'ai vu, je suis passé en septembre, j'ai vu ces levées, c'était un peu léger. Et puis maintenant, ben c'est bien fermé. Hein. Alors, regardez ça. Ça, c'est ce qu'on est au Canada. Regardez cette photo. Merci. C'est du martini. Du martini.
Bon, d'accord. Il vient d'où? De. Pas loin. Ah bon? Parce que j'ai fait de l'œnologie, puis j'ai aidé à piloter Gaillac pendant un petit moment, et puis après, Corde sur Ciel, c'était moi le chef de cave. Oui, je vous le dis. Donc si les vins étaient mauvais, je vous donnerai l'année, c'est de ma faute. Et vous voyez ça, c'est quand même assez joli. Alors, il y a des mecs aussi qui ont compris les principes. J'insiste. Et les mecs ont tout compris. Le mec, il a un sol béton, il n'a même pas vu, il n'en sait rien. Ou il ne sait pas le reconnaître, c'est peut-être pas sa faute. Mais au moins que les gens qui accompagnent, au lieu de faire des modèles pour savoir comment on va produire, des modèles qui n'en finissent plus, où on a aussi dévié la puissance de l'agronomie pendant 15 ans que là-dessus, pourquoi on n'a pas essayé de mettre des équipes pour expliquer ce qui arrive, tout simplement, la réalité? Oui, ce qui arrive dans le champ, là. Et quels outils auraient une portée généralisable pour bien caractériser tout ce qui se passe au niveau physique, biologique? Moi, je faisais que ça au Brésil. Je fais que ça au Brésil. Mais on explique la réalité. C'est quand même sympa, la réalité. Parce que c'est ça qui arrive. Alors que les modèles, après, ah oui, il y a un coefficient qu'on a enlevé, là, dans la troisième truc, parce qu'il était trop élevé, effectivement. Mais ça fait déjà 2-3 ans que ça dure, quoi. Ben, écoute, essayons d'expliquer la réalité. Et est-ce qu'on peut avoir des outils extrapolables? Si j'arrive au bout de ma truc, je vais vous montrer des outils pour ça. Alors, regardez ce qu'il a fait, lui. Il n'y a personne qui l'aide ou je sais pas quoi, ou il n'a pas compris. Eh bien, il a un sol bétonné. Alors là, ça va marcher, vous allez voir, regardez. C'est sûr que ça marche. Le blé, il germe bien. Impeccable. Mais oui, mais on rit. Mais imaginez que ce monsieur soit, par exemple, député et agriculteur. Ce qui arrive. Parce que vous savez, on cumule plus les mandats, mais il y a plein de mecs qui ont plein de trucs comme ça. Et que ce mec, ça arrive chez lui, là. Mais il va dire, le French là qui est venu, là, il est nu. Il est nu. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. Il est député, hein. Attention, sa voix est plus importante que la mienne. Toutes ces nuances importantes dans notre société, vous voyez bien les débats intéressants qu'on a. Moi, j'ai rien, mais au niveau politique, je zappe sur le sport et le rugby. Alors, cette photo-là, pour vous montrer au Canada, c'est que toutes les... Oh, ben non, jamais. Jamais. Je vais courir, là, maintenant, mais je m'arrête pas. Et quand on les cultivars que vous avez de maïs, ils sont issus de TCS ou de travail du sol. Vous les avez choisis, des essais statistiques, des stations, tout un réseau primaire, secondaire, blablabla. Vous les mettez en semi-direct, c'est pas les bons. Ça marche aussi, bien sûr. Pourquoi ça marcherait pas? Ça marche très bien. Mais je veux dire, il y en a qu'on a foutu à la poubelle. Si on les remet maintenant dans le semi-direct, c'est pas le même classement. Moi, j'ai monté les essais côte à côte. Semi-direct avec grosse biomasse, tous ces impacts agronomiques merveilleux pour le sol, on l'a mis à côté d'un travail du sol, eh ben c'est pas du tout le même classement de variété. Normal. Donc ça veut dire que quelque part, il faut revisiter un peu ça. Alors voilà ce que je leur ai fait faire là. En grande culture, là, on a mis plusieurs cultivars. J'attends les résultats d'ailleurs. Et il paraît que c'est pas du tout ceux qui sont lancés aujourd'hui, que c'est d'autres variétés qu'ils avaient écartées. Alors voilà les blés, voilà. Voilà, le blé de printemps fait 4 tonnes. Et ce fameux blé d'hiver fait 6 tonnes. Ou je sais plus combien, oui, 6 tonnes 2. Donc on a gagné du rendement, mais attendez, sur ce blé-là, je n'ai pas d'herbicide. Il n'y a pas d'herbicide. Rien que les feuilles de soja et les petites cannes de soja qui sont restées après la fonte des neiges, pas d'herbicide. En azote, on est à 80 unités d'azote minéral. Il n'y a pas de fongicide, il n'y a pas de phosphore, il n'y a pas de potasse. Il y a quoi? Il y a un peu d'azote. Voilà, il n'y a pas d'herbicide, il n'y a pas d'insecticide non plus. Bon, s'il arrive un parasite, il faudra bien qu'on le contrôle, mais je veux dire, il n'y a rien, quoi. On est très proche du bio. Avec des rendements superbes. Alors vous en voyez qui se met en ligne là, mais vous voyez qu'il y a une ligne qui sépare ici là. Le vrai semi à la volée, il est là. Vous la voyez, la ligne plus foncée là? C'est ça le semi à la volée, il est là. Et il est en avance sur cela. Alors comme il est en avance, vous avez tout compris, ça y est, maintenant je loge tout ce que je veux. Pourquoi? Parce que je vais récolter bien plus tôt que ce qu'il faisait avec ce blé d'hiver. Je vais récolter fin juin, début juillet. Donc début juillet, j'ai juillet, août, septembre, jusqu'au froid, pour faire 3 mois de biomasse. Je fais des biomasses de 3 mètres de haut, j'ai une forêt, j'installe une forêt là, pour la culture qui vient après. Voilà, donc j'ai pu loger cette mini-forêt à multifonctionnel, je viens de la loger là. Mais vous allez voir, j'ai une autre approche, on en a deux. Pas une autre approche, une autre, d'autres technologies. C'est celle des couvertures vivantes là. Alors voilà les blés du mec. Alors, oui, ça c'est pour vous montrer comment en 90 jours, on refait un sol. Ce monsieur là, à la DRDR, en 2014, je l'ai vu dans la salle, il était devant, je l'ai reconnu. Il m'a dit, demain matin, 3 heures, tu prends, tu fais la route, tu viens chez moi. J'ai dit, ah ben oui, c'est pas prévu, mais oui. Pourquoi? Il m'a dit, parce que tu as dit l'année dernière et l'année d'avant que les sols étaient compactés, et tous les gens disent que non. Et il m'a dit, moi, j'ai écouté ce que tu as dit, viens voir. Alors voilà, regardez bien, ici,
il a balancé à la volée pendant l'été, là, après sa récolte, il a balancé un mélange de plantes, de couverts, il a balancé à la volée et il a passé un rouleau dessus. Alors, vous voyez le genou là-bas, ça monte, c'est haut comme ça. Puis de temps en temps, comme les bousses de vache, vous savez, dans les prés, il y a une petite tache comme ça, là. Si on prend un stylet, on voit que c'est pour eux dessous, puis le reste, ben, ça ne rentre pas. Même si c'est humide. Et donc, c'est tout hétérogène, puis c'est haut comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, moi, tu m'as dit que c'était compacté, donc, voilà ce qu'il a fait. Il a semé à la volée, il a passé un décompacteur, mais pas un quelque chose qui remonte des lards en surface ou des mottes, il a passé un paraplomb qui passe dessous, qui soulève le sol, mais qui le laisse en place, mais qui met une grosse macroporosité dedans. Je sais pas, je crois que j'ai l'outil, d'ailleurs, vous allez le voir. Regardez la hauteur déjà du truc, là, ça avait 60 jours à peu près, à côté de l'autre parcelle, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà. Alors ça, c'est quelques temps après que moi je sois parti, il nous a envoyé ça, mais vous allez voir, vous allez voir. Regardez ça un peu. Mais c'est magnifique. Regardez tous les mycéliums qui est là-dedans. Il n'y a qu'une motte là, qui est peut-être qui a pas une grosse macroporosité, celle-là, là. Ce petit bout là. Mais l'essentiel du profil, mais c'est une merveille, quoi. On a fait ça combien? 70 jours. Regardez ça. On continue. Regardez les feutrages de racines dans le couvert. C'est un truc invraisemblable. Et vous avez vu les petits radis là? Et voilà le profil de sol. Voilà. Alors là, mes amis, si vous me trouvez une machine mécanique qui arrive à faire un profil de sol comme ça, vous m'écrivez tout de suite, vous avez une prime. Je peux monter très haut. Parce qu'il n'y a pas une machine qui peut faire une porosité comme celle-là. Une macro-porosité, parce que les gros tuyaux, les gros radis là, ils vont pourrir. Ils vont laisser des gros tubes verticaux pour faire ce que j'appelle l'effet chasse d'eau, la vidange rapide du profil, quand il y a des moments d'eau en excès, et là, l'air repénètre, les vers de terre remercient aussi, sinon ils sortent du sol. J'ai vu des endroits, c'était pas compacté, mais les vers, ils sortaient parce qu'aussitôt qu'il y avait une pluie ou un truc, il n'y a pas de porosité dedans, donc ça va pas. Et alors là, les vers, alors il m'a envoyé des photos de vers, mais je les ai pas mises là. Bon, voilà le profil qui était à côté, vous avez vu qu'il était sans rien. Ça, on s'amuse avec les herbicides. Alors, pour les bio, les herbicides, moi je travaille depuis longtemps pour essayer d'enlever aussi le glyphosate. Je vous ai dit les couverts végétaux d'abord, et puis ensuite il faut avoir des... Alors moi j'ai trouvé une sauce que je n'ai plus trop le temps d'améliorer, mais qui marche bien, qui dessèche très bien aussi. Il y en a deux, vous mettez 25 kg de chlorure de potasse, okay, dans 100 litres d'eau, 80 à 100 litres. Le chlorure de potasse a un effet desséchant le plus puissant des le nitrate aussi, le nitrate d'ammonium aussi, mais le chlorure de potasse a un effet desséchant plus fort. Vous mettez 25 kg pour 100 litres d'eau, vous mettez 3 litres de vinaigre. 3 litres de vinaigre, le moins cher que vous achetez, ou achetez-le en gros, ça ne coûte rien. 3 litres de vinaigre, hectare. Hein. Et vous mettez en plus 1 litre d'acide citrique de celui qui nettoie les récipients pour le lait. Les gens ont toujours de l'acide citrique pour nettoyer qui est pas cher. Vous en rajoutez 1 litre dedans. Vous regarderez si c'est un peu plus efficace ou un peu moins. Et vous roulez. Il faut rouler avec un rouleau de type cross-kill qui mâche la biomasse pour pas qu'elle se relève. Le cross-kill la mâche toute la plante. Elle ne peut pas se relever. OK ? Et vous allez voir, ça dessèche, on dirait du glyphosate. Ça, alors, c'est moins durable. Ça ne va pas durer. Mais si on a bien planté, je vous ai dit, on revoit le peuplement végétal, on resserre pour que ça, on mette le couvert à l'ombre le plus vite possible, ben voilà, ben c'est déjà un super truc. Deuxième truc, l'eau de mer. Vous allez chercher 50 litres d'eau de mer à l'hectare, là. Et vous desséchez avec, ça va très très bien. Très très bien. Alors, je n'ai pas fait, si 25 c'est aussi bien, je n'ai pas eu le temps, mais je l'ai fait faire à Sandrine Gallon. Les gens d'Arvalis étaient venus installer des tas de trucs, il y avait des produits chimiques dedans. Et elle a dit, eh ben mon pauvre, vous implantez rien ici, hein. Moi j'en veux pas de ça là. Et le protocole de Lucien, il est où? Eh bien, ils ont dit, mais non, mais on veut regarder d'autres formes. Elle a dit, non, moi, s'il n'y a pas son protocole, je ne le fais pas. Elle a dit, bon, mets ton protocole. Elle a été chercher le chlorure de potasse, elle n'en avait pas. Mais elle a dit, mais je sais, il y a un autre truc. C'est l'eau de mer. Je vais chercher de l'eau de mer. Alors, elle a mis l'eau de mer au milieu. Et le seul traitement qui a fonctionné, c'est l'eau de mer. Voilà, tout le reste, il y avait 10 formules avec de la chimie de nouveau. Ils avaient remis d'autres molécules chimiques. Je ne sais pas ce que c'était. Enfin, bon, c'est pas... Bon, ils font leur boulot. Ils cherchent. Et vous avez vu que la photo d'avant, il y avait du maïs dedans. Donc, vous imaginez les agriculteurs, quand ils voient cette pagaille-là, et qu'ils enlèvent toutes les plantouilles, il n'y en a plus une qui dépasse. Et... Regardez, maintenant ça va mieux là, mais la photo d'avant elle était carabinée quand même. Et vous allez voir, ça va s'arranger. Regardez le maïs, il est là. Voilà, c'est fini. Alors on a des bons maïs. Hein. Voilà, vert. Ça c'est Serge Augier, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous voyez la racine. Alors à droite,
le maïs plein jusqu'en haut, deux rangs de plus qu'à gauche, travail du sol, juste à côté, sur les grandes bandes. Donc rendement beaucoup plus élevé. Je l'ai même fait avec de la veste. Voilà, pour ceux qui en cils, maïs veste. Voilà, 2014, j'en viens. Regardez le voisin, ça fait un kilomètre de long, des grandes bandes. Regardez son maïs, il monte vert, il redescend, il remonte, il redescend. Vous voyez, il est tout hétérogène. Pourquoi ? Dans les points où il est bas, c'est, ça baigne, l'eau. Regardez le nôtre, c'est la bande à côté. Lui, il est juste à droite, là. Tout noir, tout pareil. Alors, en rendement, ce qu'on leur met, en coup, c'est tué. Enfin. Alors, regardez bien le profil cultural. Je vous ai dit, quand vous montez des couvertures vivantes, il faut que les plantes ne vivent pas dans le même horizon, la culture et la plante de couverture. Regardez la racine de luzerne là, qui est partie. Vous avez vu le gros morceau là qui descend. Alors elle, elle est là. Il a creusé dessous encore 1,50 m. Elle était là-bas. Elle prend l'eau où elle veut. Le maïs n'y est pas. Mais regardez la beauté d'un profil cultural comme ça. Voilà. Voilà. Alors la bourre et l'autre. Il m'a dit mais pourquoi il est rouge ? J'ai dit même variété. Oui. Les racines adventives. Regardez sur le semi-direct. Elles ont des fonctions nutritionnelles. Attention, elles pompent des nutriments, les racines. Ce n'est pas que l'ancrage, c'est pour aussi se nourrir. Elles ont des fonctions nutritionnelles. Et regardez le rouge et l'autre, il est blanc. Pourquoi ? Eh bien, parce que sous le semi-direct, le fer, il y a du fer dans ces sols, ça réoxyde, l'oxygène pénètre tout le temps. Ça se, l'effet vidange, là, quand il y a trop d'eau, tout ça, l'air pénètre. Le fer précipite sur les racines. On les a nettoyées, elles sont toutes blanches dessous, c'est du fer qui est posé. Alors que de l'autre côté, eh bien, des fois, ça baigne. C'est ce que je vous ai montré sur la photo du maïs qui est tout comme ça. Et là, eh bien, il est tout pareil, mais il est comme ça, avec un dépôt de fer sur les racines qui montre que le sol est parfaitement, a une macro-porosité excellente. Alors, il est bourré de vers de terre et autres aussi, bien sûr. Bon, je ne me rappelle même plus ce que j'ai derrière. Là, c'est en France. Bon, je saute, puisque c'est fini. Alors, regardez bien ça, quand même. Vous voyez cette photo ? Il n'y a pas d'herbe dedans, là ? Non. Il n'y en a pas assez. Eh bien, je vous en mets un peu plus, là. Ça va, là ? 14 tonnes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'il y a dedans ? Kénopode, Panis, Echinocloa. Donc, Panis, Echinocloa, c'est le nom scientifique. Et oui, les Panis. Je ne sais pas comment vous les appelez ici. Panique, bon, je ne sais pas. Pied de croque, je ne sais pas. Il y a 150 de noms, bon, peu importe. Mais moi, ici, quand je suis venu ici, la première chose que j'ai dit, tu peux le dire, j'ai dit, si vous avez ces plantes sur les collines ici, vos sols respirent mal. Même si tu fais des bons rendements, vos sols sont des sols à tendance hydromorphe. Hydromorphie. Il y a de l'hydromorphie dans vos sols. Quand on voit les paniques ici, sur toutes les zones les plus hautes, avec les pentes et bon drainage, quand vous voyez cette plante, c'est le biomimétisme. Regardez ce que la nature vous dit. Quand vous la voyez qui est partout, ça veut dire que là, il y a des conditions où l'eau reste, où il y a beaucoup d'eau retenue dans le sol et beaucoup trop peut-être pour la culture. Les cultures ne réagiront pas toutes de la même manière, mais je vous le dis. Donc, qu'est-ce que je fais ? J'ai ramené les paniques cultivées. C'est son petit frère. Les kénopodes, j'ai ramené les quinoas cultivés aussi. Parce que ça, la bouffe des macrobiotiques, ça vaut très cher. Et ces plantes-là, vous avez remarqué, vous coupez vos chaumes. Qu'est-ce que c'est qui reste dans les chaumes ici ? Depuis le golfe du Lion jusqu'en Beauce, c'est kénopodes, amarantes et paniques. Les trois, ils sont toujours, quel que soit le climat. La nature vous dit que quel que soit le climat et le changement climatique, ces plantes sont toujours dans vos chaumes. Donc on va faire un couvert avec. Parce que vous ayez qu'une plante par mètre carré ou 10, il faudra appliquer le même, il faudra les dessécher de la même manière. Mais voilà, vous avez des plantes intelligentes qui vous disent on s'en fout du changement climatique, on est toujours là. Vous n'avez pas remarqué ? Il y a longtemps qu'elles vous le disent. Mais on piétine dessus, des fois il y en a peu, des fois il y en a beaucoup. Eh bien moi je vais refaire des couverts avec ça. Et chez les trois plantes cultivées, et après si vous voulez les séparer pour vendre pour les macrobiotiques là, à 3 euros le kilo, ben ça fait 2 tonnes 5 hein, de rendement. C'est des trucs invraisemblables. Il y a des gens qui mangent que ça. Mais bon, regardez ça, et 14 tonnes. 14 tonnes. On a fait, et à côté, il avait raté son désherbage. J'ai dit, laisse-le, trop tard. Le mot de la fin, elle rigole avec moi. Comme si c'était possible. Et voilà pour les bio. Et couvert de seigle, avec de la veste. Mais il y a eu quelques froids un peu durs, la veste n'a pas trop tenu. Mais regardez le couvert que ça fait. Et regardez bien. Le soja est en train de naître dedans. Je peux vous garantir que là-dessus, vous pouvez faire du maraîchage, vous pouvez faire, et vous n'aurez pas d'herbe. Déjà, le problème de l'herbe dans les systèmes bio, il y a tellement de formules.
Je vous ai montré des sorgots tout à l'heure. Les sorgots fourragés, même chose. Les sorgots fourragés. Grosse biomasse, mais les semer serrés. Il faut les semer serrés. Si vous les semez pas serrés, il faut les semer à 20-30 kHa. Pourquoi ? Toutes tiges, toutes fines. Toutes fines. Quand vous allez les coucher, c'est des lianes. On dirait qu'on a empilé des petits bouts de bois. Et là, l'herbe, elle passe pas. Si vous les semez à 10 kg, 15 kHa ou 10 kg qui est la dose normale, ça fait des grosses tiges. Les feuilles foutent le camp, se décomposent très vite, c'est sur un très bas. Et là, après, entre les grosses cannes qui mettent 2 ans pour se décomposer, l'herbe pousse. Vous comprenez ? Donc, il y a la densité de semis qu'il faut revoir. Il faut faire des couverts complètement à l'ombre, au noir. Et là, je vous dis que toutes 85% des mauvaises herbes naissent avec la lumière. Donc là, après, il vous restera une plante à enlever tous les 3 km. Si vous voulez l'enlever, elle vous embête. Des fois, elle a une jolie fleur, laissez-la. Ou vous l'arrachez, apportez-la à votre femme. Elle sera contente. Bon, alors ça, je vous montre quelques outils. J'ai presque fini. Ça, c'est les semoirs, là, qu'on est en train de mettre au point, là, qui marche un peu en travers, que Jean-Claude a remonté sur ses John Deere. Regardez ce que ça fait derrière. Ça, parce qu'il ne faut pas découvrir les lignes de semis. Voilà, vous voyez les graines dans le creux, là. Ben, ça, c'est le modèle originel que le Semagref avait construit et qui a été refait par... comment il s'appelle Bon, ici, je ne sais pas, mais il y a l'AFDI qui travaillait là-dessus et Fert. Fert. Voilà, c'est ce type de semoir. Alors, regardez, vous savez à quoi ça sert, ça? C'est à pelletiser des semences. Quand vous balancez des graines à la volée, si vous jouez, vous balancez des graines à la volée, l'ennemi des graines à la volée posées sur le sol, comme vous avez vu les belles images tout à l'heure, c'est que si il tombe 3 mm, entre 3 et 6, très peu, et que derrière, il y a 10 jours de sec, vous avez tout perdu. Pourquoi ? La graine gonfle, et puis après, il fait sec. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut les pelliculiser. Vous mettez un petit peu de phosphate naturel autour. Vous pouvez mettre 1 kg pour 1 kg de graines. Vous les alourdissez, c'est beaucoup plus large, le semis. Ensuite, vous passez moins de fois avec votre semoir centrifuge ou autre. Pourquoi ? Parce que vous balancez beaucoup plus loin les graines. Et cette petite protection qu'il y a autour, là, elle vous garantit que 3 mm, ça ne va pas dissoudre la pellicule et que votre graine, elle attend une vraie pluie. Voilà. Donc, vous ne perdrez pas votre semis. C'est des choses de rien, mais c'est fondamental, ce que je vous dis là. Dedans, vous pourriez mettre des produits de l'écologie microbienne avec des trichoderma, des trucs, c'est ce que moi, je fais déjà. Bon, je n'aurai pas le temps de vous en parler ce matin, mais on est déjà sur... Alors ça, c'est pour mélanger les graines, pour les pelliculiser. Et puis, voilà, bon, ça, c'est pour récolter le maïs à 40 cm d'espacement, 45 ou 37,5. Voilà, ça c'est en Argentine. Mon copain là, celui-là, il a fait une machine pour le semis à la volée. Regardez, il sème dans des sorgots. Et ce monsieur, il sème 300 hectares jour avec sa machine. Et c'est un semoir de précision. Donc il sème graine à graine. C'est quand même beau de voir le truc. Il marche à 20 km à l'heure, 300 hectares jour. Bon, il a 32 000 hectares à semer quand même. 32 000, ça occupe un peu. Mais. Non mais. Et dans ce que je vous dis qui vous fait rigoler, retenez une chose. Vous avez vu ce qu'on a fait au Canada. Les semis à la volée des blés et autres trucs, je suis en train de le faire en France. Parce que plus vous irez vers des semis à la volée où vous ne mettez pas un outil qui recreuse le sol, qui avec un tracteur qui tous les 4 mètres repasse pour vous tasser aussi vos sols, pour vous les abîmer, et ressortir sous la ligne de semis, sous les disques, suivant les réglages, ressortir le potentiel semencier qui était à l'ombre, qui était dessous, et qui donc ne vous génère rien, vous le remettez dessus et sur la ligne de semis, mauvais. Quand vous irez vers le sens du semis à la volée, je vous ai dit, j'utilise plus d'herbicides, mais là, on ne touche plus le sol. Je ne touche plus le sol du tout. Il n'y a rien qui soulève rien. Il y a les couches de feuilles qui sont tombées et on rebalance là-dedans et on n'y touche plus. Et au niveau herbicide, la charge pour l'environnement, la charge herbicide peut encore, elle est déjà très faible chez moi, je vous ai parlé de parfum, on peut la faire descendre encore. Et c'est vers là que j'amène plein de gens. Voilà, là, il a semé. Vous savez avec quoi il couche, lui ? Au lieu de prendre un rouleau, chaîne de marine. J'ai monté ça au Cameroun ces jours-ci, là aussi. Et vous allez dans les ports, il y a plein de bateaux, là, qui sont pourris. Les chaînes de marine, ils sont pour l'encre. Vous la demandez, ils vous la donnent. Merci, vous nous enlevez. Prenez ça, mettez dans un porte-char. Vous mettez deux tracteurs à 40 mètres, 80 mètres, là. Et puis, ils vous renversent toute la biomasse. Voilà, ça va vite, hein. Mais si vous voulez arracher des arbres qui ne soient pas trop gros, vous faites pareil, hein. La chaîne de marine, non mais je parle de Sivin, là, l'endroit sympathique. Ils auraient pu faire plus vite. Ils auraient eu la chaîne de marine. Là, ils auraient pu faire tomber tout ça en 3 jours. Il n'y aurait pas eu d'accident après. Bon, mais on rit, mais c'est triste. Bon.
Alors voilà le mec qui fait ça là, le truc là. Et vous savez comment il semait le soja? À la volée. 120 kilos hectares. Donc 40 kilos de plus que ce qu'on sème normalement. Mais son soja, il est à 4 tonnes 6 là. Bon. Alors ça, c'est en France. Chez monsieur Noël de Neuville. Regardez ça, on sème dans le maïs là. Alors regardez, son mélangeur là pour pelliculiser que vous avez vu tout à l'heure, il vient, il mélange, il met la pellicule autour, il vient le vider dans le semoir et il s'en va. Voilà, et il sème. Voilà. Voilà, et voilà ce que ça donne. Là, c'est de l'orge. J'y étais là. Il semait le lendemain que je suis passé. Regardez si c'est beau ça, quand même. C'est pas chouette ça? Dans les maïs, en fin de cycle. Ouais. Là, il est en train de récolter. Bon. Bon, voilà des trucs que j'ai vus, très beaux. Les rats aussi. Parce que les rongeurs, des fois, ils nous cassent les pieds. Souvenez-vous d'une chose, l'habitat. Si l'habitat est propice, ça veut dire si lui peut se planquer le mulot, eh bien, ils peuvent vous envahir, si. Alors, il y a les tourteaux de ricin pour combattre, il y a plein de choses. Vitamine D3, à très petite dose. Comme ça, les femelles ne se reproduisent pas. Enfin, on a plein de choses. Moi, il y a tellement longtemps que je travaille dessus. On peut aussi des fumigations avec des piments. Piment, extrait de piment, d'ail mélangé. Bon, du soufre colloïdal aussi qu'on injecte dans le truc. Alors, et traité avec du glyphosate et non traité. C'est un peu différent la couleur. Alors, quand vous avez des sols qui sont déficients en magnésium, ça arrive. La relation carbone-magnésium n'est pas toujours bien équilibrée. Eh bien, le glyphosate vous tue, simplement, les plantes. Voilà, maintenant, on a mis du glyphosate. Regardez la plante là-bas qui était déficiente en magnésium. Eh bien, elle crève. Bon, j'ai presque fini, là. Voilà, regardez ce que j'écris, là. Voilà. Voilà, il passe de la plante cible à la culture. Alors, on l'a démontré 150 fois. Alors ça, j'en ai des écrits, vous voyez, sur des couvertures... 21 jours avant semis, on a pris ça comme base 100 de rendement, 3 couvertures, 14 jours avant semis, voilà ce qu'on a perdu dans le soja, 7 jours avant semis, voilà ce qu'on a perdu, ça augmente, le jour du semis, applique plante, c'est-à-dire vous semez dans le verre, vous appliquez le glyphosate, on a perdu 11% sur l'avoine noire, 23% sur le régat, 17% sur la jachère, et si c'est un soja OGM que vous pouvez traiter même après le semis, regardez, on a perdu 17, 25 et 21. Alors c'est grave quand même, non? Et pas des doses énormes. Mais bon, ce que je veux dire, c'est qu'il peut passer. Il faut faire attention. Alors, sur les caféiers, c'est un truc de malade. Ils ont perdu beaucoup de caféiers comme ça. Alors, oui. Par contre, on s'est aperçu que quand on avait du calcium colloïdal, pelliculiser les graines, si vous le mettiez autour de vos graines, eh bien, ça complexe le glyphosate qui passe, qui est excrété par les racines. Le calcium le prend et il fait un complexe avec lui. Il le retire de son effet négatif pour passer sur les autres plantes. Donc ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai du calcium colloïdal. Très souvent, je traite mes semences quand les doses de glyphosate... Moi, des bonnes doses de glyphosate, c'est 1,5 litre par an. Voilà. Il peut nous aider beaucoup. Mais c'est souvent beaucoup moins. Par an, hein, j'ai dit. Par an. Je dis bien. Il y a des gens qui sortent 12, 13 litres. C'est n'importe quoi. Donc, vous avez vu les carences là, qu'on voyait en manganèse et compagnie. Ben voilà, c'est ça. Ouais, bon, ça, on s'en fout. Ouais. Ouais, ça, j'ai pas le temps de le traiter. Ça non plus. Bon, c'est des sols stériles qu'on a remis en route avec des couvertures végétales. Il n'y a plus rien. Et depuis 150 ans, il s'appelle Ardé au Cameroun. Ça veut dire stérile. Eh bien, on les a remis en route d'un seul coup avec la puissance des couvertures végétales. Maintenant, ils cultivent, c'est génial. Le mot de la fin, elle a dit. Bon, alors là, je voulais vous montrer comment on récupère des sols en 80 jours. Je le saute. Bon, je saute tout. Vers où va-t-on? Mais vous ne le saurez pas, ça sera bien fait pour vous. Ça vous apprendra. Voilà. Alors, bon, vous aurez la conférence, donc après, vous la demandez, puis regardez-la tranquillement. Là, moi, ou bien je suis trop court, et puis je vais vous poser plus de questions dans vos têtes que de bonnes choses pour essayer d'avancer. Et si je suis trop long, eh bien, trop long, je ne suis pas trop long, là, je suis très court sur plein de sujets. Ah, ça c'était l'agronutrition, et puis ça c'est l'aquasorbe qu'on peut mettre sur le maïs. Vous voyez à droite que ce maïs se porte mieux. Bon, ça on s'en fout, je saute aussi. Je suis presque à la fin. Hein. Voilà, ça va être le mot de la fin. Alors là, c'est comment on construit tout ça. Ben, vous l'aurez, vous regarderez.
et je vais me servir de plantes. Voilà la panisse cultivée. Regardez les graines, c'est la même panicule que vos panisses qui sont perchées sur les sommets là. Et bien voilà, mais elle est cultivée celle-là. Vous voyez le système racinaire à côté de l'autre. C'est... Et puis ça peut produire 2 tonnes et demie, 3 tonnes de graines, hectare, 12% de protéines. Donc si vous voulez les donner aux animaux, donnez-les. Les oiseaux aussi adorent ça, il y a un marché pour les oiseaux. Bon, enfin, mais surtout dans les mélanges de plantes et qui peuvent passer l'été, puisque c'est les panisses que vous avez dans les chaumes. Donc les paniques cultivées, pareil, mais plus costaud. Et en plus, avec valeur ajoutée, puisque les grains, on peut en faire quelque chose. Ça, c'est mes amarantes, là. Je les ai ramenées aussi. Voilà une autre panique. J'en ai deux variétés. Superbe. Regardez un peu la plante que ça fait. Et ce que vous voyez derrière, c'est la chia. Salvia hispanica. Alors, elle peut monter à 3 mètres de haut. Il faut un tracteur pour arracher un pied. Vous le cassez. Tirez comme un âne, ça bouge pas. Alors ça, c'est très riche en protéines aussi, mais elle fleurit que dans les jours courts. Alors je l'ai amenée ici quand même, parce que chez moi, elle a fleuri, et puis elle a pris un coup de froid derrière. Moi je suis en Dordogne, nord Dordogne. Le Limousin, il fait froid, et j'ai pas eu de graines. Mais peut-être qu'ici, ça peut passer. Mais alors ça, c'est une plante pour la santé, la tension, le cholestérol, et le sucre, le diabète, sur les trois. Et 17-18% de protéines dedans. Fibres, aussi pleines de fibres. Regardez, c'est beau quand même comme plante. Alors ça, c'est mes tournesols géants, j'ai ramené ça aussi. Faites attention en passant dessous, qui n'est pas devant, hein, parce que s'il y a un capitule qui tombe là, sur votre tête, c'est l'osto direct, il fait 4 kg, et il tombe de 2,50 m, 3 m de haut sur votre tête. Alors ça, c'est pour mettre dans les mélanges aussi. Au lieu de mettre les petits tournesols là, un peu maigrelés, on met ça dedans. Là, ça, c'est pas du tout la même végétation. Et en plus, elles peuvent se servir grillées, comme les arachides, en fait. Voilà, ça je vous parle pas de ça parce que c'est pourtant le plus important, mais vous aurez le temps de le regarder. C'est comment on fait tout ça. Et je vais vous montrer mes unités de recherche pour que vous voyez un peu ce que c'est. Voilà le profil cultural, les outils. Voilà quelques outils. J'avais des cylindres géniaux là où je fais tous ces paramètres que vous voyez en haut sur des échantillons de sol non remaniés. Non remaniés. Donc vraiment comme le sol in situ. Et voilà, j'en ai une là, elle fait 900 hectares. Une unité de recherche en pleine Amazonie. Voilà, vous voyez, il y a un corral là-bas, là, un grand, énorme, parce que j'ai la partie élevage, intégration, élevage, agriculture, rotation. Je vous ai montré qu'on a même mis des arbres dedans, on a fait les trois. Bon, voilà. Et voilà encore une autre photo. Vous voyez la taille des silos là-haut, ils font 40 mètres de haut. Ça vous donne un peu, quand même, c'est des belles unités, quoi. Alors, j'ai comparé nos meilleurs systèmes avec la forêt. Eh bien, on est aussi bon, des fois meilleur. Même avec le diamètre moyen des agrégats, le MWD. Par contre, où on perd, eh bien, c'est en bas, là. 175 dans la biodiversité. Espèces, 43 à 49 familles, plus les animaux par hectare. Et là-bas, 3 espèces par hectare et par an, pour plus les bovins. Voilà ce qu'on arrive à faire. Mais enfin, on est en bonne voie. Mais pour tout le reste, on est bon. Hein. Alors ça, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. Alors ça aussi, les corridors écologiques. Les couloirs, les corridors écologiques. C'est pas beau comme truc, corridor. Mais c'est étroit, le corridor. Il y a des gros qui passent pas. Hein. Je veux dire, ces notions-là, c'est un peu n'importe quoi. Et quand on défriche, retenez ça, le défrichement, moi j'ai laissé 25 mètres de forêt autour de toutes les parcelles défrichées, 300 hectares, 25 à 50 mètres de forêt native. Comme ça, les animaux sont là, ils sont tous là. Ils m'ont dit, les singes, ils vont manger le maïs. J'ai dit, oui, c'est ça. Mais ils auront mal au ventre. Hein. Parce qu'il y a 12 000 hectares, et bien mon pauvre, ils peuvent en manger, hein, du maïs, hein, les singes. C'est de la rigolade encore des schémas, des inventions, peut-être, je ne sais pas quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, bon, les singes, ils ont peut-être augmenté, mais les panthères aussi. On a vu plus de jaguars, tout ça, c'est plus sympa. On a vu plus de cochons, on a vu plus de... Bon, on a vu plein de... Mais là, elles ont des couloirs continus. On n'a pas changé leur habitat. La deuxième chose, c'est que la pluviométrie, la répartition de la pluviométrie n'a pas changé. C'est le seul endroit sur cette propriété. On a mis des pluviomètres partout en croisée. Et la répartition pluviométrique n'a pas changé. Parce que ce qui commande cette trame forêt de 25 mètres et les parcelles ouvertes au milieu, c'est la forêt. Et donc ça évapore en plein milieu, là, tout autour des cultures, normalement. Alors que quand on a tout défriché d'un bloc, c'est une poêle chauffante qui sépare les nuages quand il ne pleut pas beaucoup. Et les nuages vont passer sur la forêt ou sur les galeries forestières, là où il y en a. Et on montre aussi que c'est un filtre à spores. Les gens qui sont à côté font 27 traitements sur le coton pour les insectes. Les ravageurs, mais c'est un truc de malade. 4 là-dedans. Parce que les spores, eh bien, elles ne traversent pas tout ça. Il y a 40 mètres de haut de forêt.
Et il y a plusieurs strates, il y a quatre strates superposées. Eh bien, ça passe pas. Ça y est, j'ai fini. Attends, tu vois, parce que je dis au revoir. Ça, c'est, on plante les arbres précieux maintenant dans les EVA, regardez. On apprend aux gens à cultiver les bois les plus précieux dedans, au lieu d'aller arracher les forêts et d'aller détruire un hectare de forêt pour arracher deux arbres. Voilà ce qu'on leur apprend à faire, vous le verrez ça. Voilà. Voilà. Et ça, c'est le laboratoire de pointe de l'agronome, de nous deux. Alors, ça vous fait beaucoup rire, mais c'est que vous n'avez pas bien compris, il est derrière le laboratoire. Oui, mais il peut être devant aussi. J'aime bien qu'il soit devant parce que c'est vrai que je vis souvent là, dans le premier là. C'est vrai qu'on y vit beaucoup. Et voilà, voilà. Voilà, et puis voilà. Et là, la littérature que vous pouvez trouver. Importante, enfin que je considère importante. J'ai amené un livre pour dire, en voilà un. C'est un exemple. Hein. Mais là, vous demandez, alors, souvenez-vous, si vous demandez au CIRAD, vous demandez, bon, il y a Serge Bouzina qui est toujours au CIRAD, mon collègue là. Et vous demandez à Christine Casino, comme son nom l'indique, CIRAD.fr. Christine.casino, CIRAD.fr. Vous dites que vous avez vu un Ulu Berlu qui est venu raconter des histoires et que vous voudriez des documents. Qu'est-ce que. Voilà. Et vous regardez dans cette liste. Si vous ne pouvez pas les avoir, vous pouvez les avoir sur Internet, mais des fois c'est long à charger. Vous les lui demandez. Voilà. Comme ça, on fera de la diffusion. Alors, dernier mot, c'est fini. Les questions peuvent être. Elles seront, mais on ne les traitera pas. Je l'ai déjà dit à InnovaGri, il y a un réseau. Moi, j'ai remonté un réseau mini, mais avec des mecs super pointus, super bons. Vous en avez vu quelques exemples. Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est prendre contact avec ces gens-là. Il va vous montrer 300 parcelles. Toute l'histoire est là. Vous verrez le développement des cultures. Vous pouvez discuter sur des points de détail. On vous aide à la monter. Alors, le bio, je finis. C'est fini. Le bio, moi, je ne pense pas que ce soit difficile de monter des systèmes sans labour, avec des couvertures végétales. Maintenant, qu'est-ce que vous produisez dessus? Vous avez vu que la nature des couvertures est très importante. Des graminées pour produire du blé, il ne faut pas faire ça. Alors comment on va faire ça? Moi, je peux vous aider. Moi, j'ai un email aussi, il est facile à trouver. Hein. Et il est écrit là-dessus. Mon email, c'est Seguil, S-E-G-U-Y-L. Tu l'as, toi? Oui, mais tu peux le passer à tout le monde, oui, ceux qui veulent. Vous pouvez, elle peut vous le passer. Et puis voilà, moi, mais pareil. Venez en groupe serré, parce que moi je suis en Nouvelle-Calédonie, je suis au Canada, je vais au Brésil en ce moment, après je suis en Argentine, après en Uruguay, après en Nouvelle-Calédonie, et ainsi de suite. Donc j'écris 80 pages, et c'est 90 heures par semaine à 100 heures. Donc si moi vous me dites un par un tous les jours, vous m'envoyez des mails, eh bien je ne vais pas y arriver, quoi, ça c'est sûr. Et puis je n'aurai pas trop envie, quoi. Alors essayez de vous grouper, vous dites, eh bien nous le groupe là, on veut faire telle et telle chose en bio, voilà ce qu'on fait en ce moment, vous me dites, pas besoin de me mettre 6 pages. Voilà ce qu'on fait comme couverture végétale et on veut faire telle chose. Je vous aide. Je peux vous aider, si vous voulez. Hein. Si vous voulez, je ne vous aide pas. Hein, moi. Je suis occupé. Hein. Donc, je ne cherche pas de travail. OK ? Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Maintenant qu'on connaît tous les avantages là, des cultures pérennes, je voulais à peu près avoir un ordre d'idée en tant que... Les couverts permanents, pardon. Je voulais à peu près une fourchette de la mise en place d'une telle culture. Quoi. Facile. J'ai montré une séquence, je te la rappelle. Tu veux monter de la luzerne? Tu peux la monter dans du blé directement, la luzerne. Tu peux la semer en même temps que ton blé. Mais ce qui va très très bien, c'est le colza. Si tu as du colza dans tes rotations, tu sèmes ta luzerne avec ton colza. Et là, tu fais attention. Si tu as l'intention d'exploiter ta luzerne, faire une coupe par exemple, avant le mois de septembre, au lieu de passer des herbicides, de rouler, de trucs, tu fais une coupe et tu la vends. Il y a plein de gens qui vont te l'acheter à 150 euros si tu sais garder les feuilles. Il ne faut pas l'agiter, cette luzerne. Il ne faut pas trop la remuer pour la faire sécher. Hein. Mais juste la toucher une fois et puis ça, tu le mets en botte et tu peux le vendre 150 euros la tonne. Tu te sors 3-4 tonnes. Bon. Mais tu installes dans du colza, c'est très bien. Mais si tu veux exploiter, tu as intérêt à semer 15, 18, jusqu'à 22 kilos de luzerne dans ton colza, d'accord? Mais si tu ne veux pas exploiter rien, si tu veux laisser tout pour le sol, et tu ne feras jamais de coupe, c'est dommage, parce que tu payes tes charges et tout avec une coupe de fourrage. Mais si tu ne veux pas le faire, tu peux semer que 8 kilos de luzerne dans ton colza, ça suffira. D'accord? Une fois que ta luzerne, que ton colza va être récolté, pendant l'été, ta luzerne, ça y est, c'est un machin haut comme ça. Quand tu arrives au mois de septembre, tu as vu la séquence que j'avais montrée là dans le Berry, tu vas arriver au mois de septembre, près du mois d'octobre pour semer, tu as deux voies. Ou bien tu regardes si tu mets un petit peu de glyphosate, moi j'en mettrai pas,
parce qu'en général, quand elle a été bien semée, il n'y a pas de trous, c'est impeccable. Il n'y a pas de mauvaise herbe avec. Donc tu la roules et tu sèmes. Voilà, c'est tout ce que tu as à foutre. Là, il n'y a pas de produit chimique, ok. Mais tu peux aussi faire une coupe, tu vois, une coupe de luzerne fin septembre. Tu vas semer au 10 octobre ou je sais pas, au 15 octobre ton blé. Tu vas laisser 3 semaines là, tu roules un peu ce qui aura là, qui est reparti. Mais tu peux semer ton blé dedans parce que maintenant c'est le froid, enfin un climat plus frais qui va venir derrière. Elle ne va pas te bouffer ton blé. Donc même si elle te fait un peu peur, laisse-la tranquille, ça ne gêne à rien. Donc voilà, ta luzerne est installée. Après, la durée de cette luzerne, je t'ai dit. Si dans ton blé, surtout avoir le courage d'enlever de l'azote. Hein. Si tu en mets, eh bien, il faut descendre. Moi, je suis à 80 unités, mais j'ai l'intention de transformer ces 80 unités en organique. Tu vois, en organique, dans lequel j'aurai 12% par exemple d'azote, et je vais le mettre au semis, et puis je ne m'en occupe plus. Hein. Bon, c'est une idée. Ou alors, tu prends un azote retard. Pour ne pas polluer les nappes, tu prends un azote avec un bloquant d'uréase, là, à libération lente. Tu vois, un de ces produits-là, parce que comme tu n'as pas beaucoup d'azote à mettre, eh bien autant qu'il soit fourni à la plante de manière continue, sans qu'il y ait d'excès, qu'il soit lessivé rapidement vers les nappes ou autre. Voilà. Mais bon, je t'ai tout dit, dans la culture, si au printemps, elle vient trop forte, ta luzerne, elle t'embête, allier, 4 grammes d'allier. Bon, si tu n'as pas d'herbicide, tu sais comment on fait aussi, c'est les méthodes APP. Les méthodes APP, c'est que quand le printemps débarque, la première chose à faire, c'est de rouler avec un rouleau lisse. Si tu roules, tu fais taler les blés. Moi, c'est ce que mon grand-père m'a appris, il me l'a démontré 150 fois. Quand tu roules au début du printemps, quand la température, ça devient poussant, tu roules tes blés avec un rouleau lisse, tu les aplatis là, ils talent plus. C'est comme si tu leur mettais un coup d'engrais. Mais si tu les roules, la luzerne qui est dedans, là, elle ne va pas apprécier. Hein. Elle n'aime pas. Elle est plus fragile que ton blé. Donc, tu vas la calmer un peu en même temps que tu fais taler ton blé. Si tu ne veux pas mettre d'herbicide du tout. Ok ? Autre question ? J'ai du mal à comprendre qu'en semant à la volée, on arrive à le faire naître, alors que le couvert fait sa fonction herbicide et qu'il met tout à l'ombre. Comment le semant à la volée, quoi ? La culture. Non, mais là, dans l'exemple que j'ai montré, c'était semé en ligne, vous l'avez vu. J'ai semé du colza et de la luzerne ensemble. Voilà. Mais je les ai semés en ligne. Pas de semis à la volée. Là, ce n'était pas à la volée. Là. Mais ça, ça date d'il y a 4 ans. Si tu veux, donc, je t'ai montré comment on pouvait faire pour... déjà, une première technologie, c'est un semoir. C'est comment tu peux faire pour installer ta luzerne. Voilà. Et une bonne culture qui laisse passer de la lumière, qui va bien avec la luzerne, c'est le colza. Ça va très, très bien. Mais ça pourrait être... une autre crucifère que celle-là. Tu peux le faire avec Sandrine Galon, on l'a monté directement dans le blé. Tu vois, on voulait faire un blé dur, et bien on a semé la luzerne dedans. Non problème. Hop, prochaine question, allez-y. Oui, je voulais savoir par rapport à votre système. Bon, nous, le gros problème, c'est l'accès à l'eau, par rapport à l'irrigation. Un système conventionnel, bon, on est obligé de beaucoup arroser, beaucoup drainer aussi. Est-ce qu'on peut oublier l'obligation de drainer avec votre système et l'obligation d'arroser? Est-ce qu'on peut avoir les mêmes productions, la même productivité, je veux dire? Je t'ai dit que j'étais un paysan. Bon, si je vois tes terres, je connais un peu l'endroit, je viens te voir 2-3 fois, là je vais t'aider vraiment. Mais bon, je ne les ai pas vus. Ce que j'ai vu ici dans toute la région, moi, ce qui a attiré mon attention, c'est les paniques. C'est ces échinocloas qui sont suspendus partout, sur toutes, même les sols les plus hauts, et qui disent, ça baigne ici. Il y a de l'eau, il y a une rétention d'eau énorme. Donc l'histoire de, il faut que je draine, ça ne m'étonne pas, parce que la nature te le montre. Même si je n'ai pas vu ce que tu as fait, j'en suis sûr. Je n'ai pas besoin de vous, j'ai qu'à regarder ce que la nature nous raconte. Ok ? Maintenant, il est évident que si tu montes un super couvert, avec les plantes comme tu as vu au Canada, là, où il y a 5-6 plantes avant, ben, tu vas voir le nettoyage, c'est l'effet vidange là. Tu l'as. Mais ça veut dire que dans ce que tu vas faire maintenant, si tu fais un maïs par exemple, l'année prochaine, pense à ce que tu vas faire. Parce qu'il faut que tu recrées ces conditions de macro-porosité. Et si tu arrives à les entretenir d'une année tous les ans, pourquoi tu drainerais? Tu n'en as pas besoin. Il n'y a rien qui drainera autant que les radis que tu as vus là et ce profil cultural que tu as vu au Canada. Où, tu as vu, les sols sont noirs d'ailleurs. Ça baigne. Quand tu vois des sols foncés comme ça, ça veut dire que c'est comme dans les tourbes. Il y a un milieu qui est hydromorphe. Et que la matière organique a tendance à s'accumuler comme les tourbes, que dans le milieu des tourbes, à la limite, quoi. Hein.
Donc, si tu as des beaux couverts végétaux avec des plantes qui font beaucoup de macroporosité, c'est-à-dire qu'il faut, il faut mettre des graminées, les chevelus, il faut mettre des, tu as vu les amarantes ou autres là, ou des tournesols, des gros pivots qui descendent, tu mets des radis. Alors, il y a des radis chinois, maintenant, ils sont plus costauds encore que ceux que... Tu as vu, celui que tu as vu du Canada, là, c'est un radis type chinois. Tu as vu un peu la taille des trous que ça te laisse dans le sol. Eh bien, si tu as ça, pourquoi tu ferais des drains? Donc, tu pourrais... C'est une très bonne question. Tu pourrais commencer par là. Moi, ce que j'ai fait, c'est que dans la Drôme, Guillaume Joubert, qui fait partie du petit réseau, de, petit réseau là, et lui, il mettait, je vais te dire, il mettait 6000 mètres cubes d'eau sur son maïs irrigué. Bon, la Drôme, il peut faire très chaud. Bon... Moi, je ne sais pas. Et tout ça, ça a été monté avec la rigueur, les calculs, avec les chambres d'agriculture, avec tout. Moi, j'arrive, je te donne un coup de pied là-dedans. Ils vont dire, mais il se mêle de quoi. Mais moi, j'ai eu un doute. J'ai dit, mais tu mets trop d'eau. Pourquoi tu mets toute cette eau? Il m'a dit, mon pauvre. Mais ici, quand il fait tel climat, si je ne le fais pas... Tu sais ce qu'on a fait? J'ai enlevé un tiers. Allez, 4000 mètres cubes. On a fait le même rendement, 14 tonnes. Mais maintenant, je veux qu'il descende encore. Et pour qu'il descende encore... couvert, avec un gros couvert pour l'évaporation du sol, ça c'est fondamental. Si tu as un couvert végétal là, tu peux encore en descendre de l'eau, je te le dis. Parce que l'efficacité de l'eau, c'est plus la même là. Ce n'est plus la même. Et je lui mets de l'aquasorbe, cette espèce de produit là, de l'eau liquide, là, que je mets au semis, qui elle te capte 500 fois son poids d'eau. Et là, on va descendre jusqu'où? Moi, je ne sais pas, moi j'espère bien le tiers des 2000 mètres cubes. J'espère arriver là. Tu as vu sur la photo d'ailleurs que là où il y avait l'aquasorbe, c'était plus beau que sur l'autre. Bon, mais ta question est bonne. Tu t'es posé une bonne question. Aujourd'hui, tu fais du drainage et tu irrigues. Tu veux savoir si tu peux, tu es obligé de faire ce drainage parce que ça coûte cher. Eh bien, essaie de le faire avec un couvert végétal. Pense à une chose, c'est que dedans, il te faut de la macroporosité, il te faut des gros tubes, il te faut de ces radis que tu as vus là. Si tu ne les as pas, tu les demanderas à Sandrine Gallon. Elle en a, elle te passera des mélanges même si tu veux, pour que là-dessous tu aies une macroporosité énorme. Et là, pourquoi tu drainerais? On va nous obliger demain de faire des bassins de 1% de la taille de la parcelle pour capter les lessivages dus à nos drainages. Oui, d'accord. Non, mais attends. Excuse. On nous parle de qualité d'eau. Tu as raison. Ils veulent nous imposer demain ces mesures-là. Voilà. Mais ça m'étonne pas. Vous avez quand même remarqué, moi j'ai remarqué qu'ils reviennent de temps en temps en France, j'ai remarqué que les couverts de colza, interdit de les enlever. Je vais vous dire une chose. Tout ce qui vient par le haut, c'est pas que c'est pas bien de laisser les couverts de colza, je les laisse moi. Vous avez pas vu une image, je ne m'y suis pas arrêté. Il y avait des couverts, des repousses de colza qu'on a laissées. Et on m'a dit qu'il n'y avait rien qui poussait dedans, tellement que c'était serré. Faux. Les vesses poussent dedans. Un mélange de repousse de colza et de vesses, c'est autre chose sur le blé. Mais quand on a entendu cette directive, je dis bien, ça descend du haut vers le bas. Quand c'est les lois ou les gouvernements, quels qu'ils soient, j'attaque personne. Quand ça descend du haut vers l'agriculteur, mais il y a quelque chose de pourri quelque part au Royaume de Danemark, les enfants. Ça devrait venir de chez nous. Ça vient des technocrates. Moi, quand j'ai commencé à installer semis direct, alors que je n'avais pas de mandat pour la France, que je courais, je recevais 50 agriculteurs par an au Brésil. Tous les ans, je prenais sur mon temps, cadeau. J'amenais les mecs, je faisais traverser tout le Brésil pour leur montrer qu'on pouvait tout faire. Et je les formais pendant un jour, les formais, entre guillemets, pour leur dire, on prend une région. Toi, tu es de quelle région? Ben, je la connais, on va essayer de monter ça. On commence comme ça. Après, j'allais les voir, je courais la France pour faire ça. Et... comment des directives peuvent venir de technocrates? Il y a des gens qui s'appellent des écologistes en France. Vous en avez entendu parler? Non? Mais moi non plus, je préfère. Je préfère ne pas en avoir entendu parler. Alors, ce n'est pas, j'ai rien contre les écologistes. Moi, je suis un naturaliste, alors je vais gueuler contre les écologistes. Oui, ce que j'entends des écologistes. Mais que des lois descendent du haut pour qu'on oblige des gens à laisser un couvert. Quand j'ai commencé ça, vous savez ce qui est venu tout de suite derrière? On m'a appelé au Brésil, on m'a dit, hé, Lucien, tu vas avoir un problème, hein. Parce que dans des couverts d'hiver, les limaces bouffaient tout. Quand on faisait de l'avoine ou du seigle, elles bouffaient tout. Déséquilibre biologique, on a tout pété. Donc le temps que ça se remette en place, que les carabes fassent leur boulot et tout, ben, des fois, il y a encore des déséquilibres. On m'a dit, tu vas avoir des problèmes. Tu sais ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que, alors qui c'est ils? Je ne veux même pas le savoir. Ils ont dit que comme tu mettais de l'azote, parce que je mettais des féveroles maintenant avec l'avoine ou le seigle, parce que les féveroles, les limaces, elles n'aiment pas, hein.
Donc, si vous avez un gouvernail avec deux plantes, elles vont bouffer, s'il y a des grosses attaques, elles vont bouffer d'abord l'avoine et le seigle, mais vous touchez très peu les féverolles. Donc, ça veut dire que vous n'avez pas perdu tout ce que vous avez investi là. Et au moins, vous fixez de l'azote, vous faites de la macroporosité avec les pivots de la féverolle. D'accord ? Quand j'ai fait ça, vous savez ce qui est venu ? Eh bien, il va y avoir plein d'azote dans les nappes. Parce que ça fixe de l'azote et puis ça va aller dans la nappe. Non, mais attendez. Mais tout ça, c'est des bricolos de bas étage. C'est des technocrates qui ne sont jamais allés dans la nature. Ils savent tout juste que les tomates, c'est au-dessus du sol, c'est pas dessous. Et encore, pas tous. Alors, écoutez, ce que je veux vous dire, c'est que si j'ai un conseil à vous donner, vous avez Agrodoc. Le Sylvain, je sais pas s'il est là. Sylvain, il est là ? Il n'est pas venu ? Bon. Mais Sylvain Agrodoc, que j'ai croisé, d'autres que je connais par-ci, par-là, l'ami Christian et autres. Vous avez des groupements, vous faites des groupements dynamiques. Eh bien, c'est de là que doivent venir les directives. C'est de là qu'elles viennent. Avec des choses structurées, bien présentées, en disant à ces gens-là, le mec, là, comme son nom l'indique, comment il s'appelle déjà ? Le Foll. C'est comme ça que je l'appelle, je me souviens de son nom après. Je ne me souviens jamais de son nom. Mais ce monsieur, il est favorable, pour une fois qu'on a un ministre favorable à l'agroécologie. Ok, alors il parle bien, il était au Parlement européen, le cul sur une chaise là-bas. Il ne connaît pas l'écologie, il ne connaît rien, il vous pose des bonnes questions, il a lu beaucoup, et puis il a des mecs qui lui soufflent dans l'oreille tous les jours comment il faut qu'il parle, et puis voilà, et puis il répète ce qu'il a entendu. Mais un mec comme ça, qui est favorable à l'agroécologie, c'est ça l'exercice, le vrai. C'est que les groupements là, ce que tu as dit là, moi est-ce que j'ai vraiment besoin de faire du drainage ? Ça coûte très cher en plus. Et après il va falloir que j'ai des parcelles spéciales pour récupérer... Moi, vous avez vu ce que je vous ai montré, un couvert végétaux là ? Il tombe 1000 mm, il ne se passe rien, il n'y a pas de ruissellement. Moi, c'est la colline qui filtre mes sols. Vous savez que la terre, c'est un filtre aussi très puissant. Et que si vous avez de la biodiversité fonctionnelle en couvert, c'est un filtre colossal. Ce n'est pas que sur l'eau pour enlever les éléments en suspension, c'est sur les bactéries, sur des polluants dedans, sur des antibiotiques qui se baladent. Les résidus de machins qu'on a laissés des hôpitaux et qu'on a enfournés là, et qu'on retrouve sous toutes ces formes, ou les hormones qu'on a enfilées dans les poulets et autres, eh bien, ça filtre tout ça. Donc, ta question est super pertinente. Alors, il faudrait dire, qui est-ce qui veut faire comme moi ? On est quatre. Allez, les quatre, là, pas dans le même endroit. Attention, on va prendre quatre endroits différents. Et là, on va monter des couverts végétaux multifonctionnels, avec des espèces, avec cette grosse macroposité pour drainer. On montre que là, on n'a pas besoin d'installer de drainage. Première chose. Et puis là, eh bien, les eaux, vous pouvez les récupérer. S'il y a du ruissellement, ce n'est pas difficile. En bas des parcelles, s'il y a de la pente, de faire une petite tranchée là, et puis de récupérer les eaux de ruissellement. En mettant une bâche, un machin, on récupère, et on montre que là, il n'y a pas de ruissellement. Donc, on n'a pas besoin de mettre une parcelle là-bas pour nettoyer les eaux. Les eaux, elles traversent la colline. Là. Voilà. Alors, sauf cas où vous avez une roche très dure, imperméable, complètement sans fissure, ce qui est rare, extrêmement rare, sauf dans certains grès. Et encore, c'est très rare, il y a toujours des fissures où l'eau, même si elle a une surface imperméable, elle va arriver aux fissures pour s'infiltrer. Montrez ça, groupez-vous, et là, les directives, vous les faites remonter en disant « Nous, on ne veut pas de votre truc parce que voilà les résultats. » Mais là, il faut avoir des choses rigoureuses. Si c'est des trucs mal faits, si c'est fait n'importe comment, eh bien, ils diront « Ah, les scientifiques vont se lever, ils vont dire « Monsieur, non, c'est pas recevable. » Ils ont raison. Donc, c'est pas difficile à faire, ça. Moi, là aussi, je peux essayer de vous aider à monter un truc là-dessus. Mais ta question, elle est fondamentale. Parce que demain, je vous ai montré les histoires de couloirs de couloirs de biodiversité. Vous avez vu ce que j'ai fait, moi ? Moi, j'ai laissé la forêt, moi. C'est mieux, non ? Alors, moi, je blague. Au Brésil, on leur a dit, pour les BT, là, OGM, les insectes deviennent résistants. Donc, il faut de nouveaux BT, d'autres formes. Ça s'appelle les CRI. Hein, les formes qu'on a mises dans les plantes OGM. Les CRI 1, CRI 2, CRI 3. Alors, maintenant, ça ne marche plus. Le Brésil est contre Monsanto. Ils ont un procès maintenant. Mais attention, ça va faire mal, hein. Parce que ça n'a pas marché. Ça ne tue pas les insectes. Non, mais c'est n'importe quoi. Hein. Et bien, quand vous voyez... Et qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils disent qu'il faut laisser des parcelles qui ne sont pas OGM dans vos propriétés. Alors, qu'est-ce qu'il fait l'agriculteur ? Lui, il gagne du fric, lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une parcelle toute petite, coincée entre deux parcelles. La parcelle de culture fait 320 hectares. Là, il y a 20 hectares. Là. Ou là, il y a un maïs qui n'est pas OGM. Mais il n'a pas de plantes non plus, de services pour l'aider. Hein. Ils ne le font pas, hein. Donc il a le petit truc, il n'en a rien à foutre. Et moi, je blague et je dis, vous savez, vous n'avez pas besoin de ça parce qu'aujourd'hui, les insectes, ils ont toujours été plus intelligents que nous. Ils nous boufferont. Et tant mieux, parce qu'on est tellement cons. Excusez-moi. Et j'ai dit, on n'a pas besoin de ça. Ils ont des téléphones portables.
quand il voit l'avion qui se soulève là-bas, là, sur la piste et qui commence à ronfler, le mec avec son téléphone portable, le chef des insectes et des ravageurs, il téléphone à tout le monde, aux abris, comme nous pendant la guerre. Alors tous les insectes se lèvent d'un seul vol et ils vont se mettre dans la parcelle, la petite parcelle de refuge. Mais qu'est-ce que c'est ce cirque-là? Ça, c'est une invention humaine, ça n'existe pas. Alors je leur ai dit, vous savez ce que vous devriez faire? Vous semez du maïs OGM et dedans, vous mettez trois hybrides avec celui-là qui ont un haut potentiel, qui ne sont pas OGM. Comme ça, dans la parcelle de 320 hectares, il y a les OGM sur lesquels les insectes risquent de devenir résistants, mais ils ont, là, ils ont plein de plants, là, une partie du peuplement végétal qui est avec des plantes non OGM. Voilà, voilà, mais ça, c'est intelligent. Le mec, il ne perd pas à faire des couloirs de je ne sais pas quoi. C'est des inventions humaines, c'est de la plaisanterie. Il faut mettre les humoristes là-dessus. Et on ne peut rien prouver en faisant ça. Ces corridors de biodiversité, mais on meurt de rire. Hein. On meurt de rire. Alors, on va encore prendre rapidement deux questions. Et ensuite, on passera à la suite, sachant que M. Segui mangera avec nous dans le hall du cinéma. Donc, s'il y en a qui ont des questions, après, ils lui poseront. Voilà. Moi, je voudrais avoir des compléments d'information sur les couverts permanents qu'on pourrait mettre en boulevaine et sur culture de maïs. Je crois que, écoute, là, il n'y a pas de limitation à ce que tu as vu. Là, que j'ai présenté, parce que les boulevaines, c'est des sols acides d'ici, si je ne me trompe pas. C'est des sols plutôt acides. C'est des sols qui n'ont pas beaucoup. C'est pas les terres fortes. Les terres fortes, c'est une genèse. Si je me souviens bien, moi, j'ai travaillé un peu dans ces régions-là. Et les sols plus pauvres, entre guillemets, étaient les boulevaines, quand même. Mais quelle importance. Alors, aussi, il y a une. C'est peut-être ça que tu veux dire. C'est que si tu as un sol un peu plus acide et moins riche en colloïdes et autres, qui soit pas bien, qui soit bas. Le complexe argilo-humique n'est pas assez de calcium pour implanter des luzernes. Moi, ma question, par exemple, que je pose, je sais pas qui c'est qui m'a parlé, là, je vois pas qui c'est. C'est lui. Et oui. C'est est-ce que tes luzernes poussent ici? En boulevaine, c'est pas top. Mais tu peux mettre du calcium. Oui. Ouais, tu peux mettre un coup de calcaire si tu voulais. Bon, maintenant, qu'est-ce que tu peux mettre d'autre qui ne serait pas de... Parce que bon, il ne faut pas non plus investir des sommes colossales. Et si ça complique beaucoup, c'est beaucoup trop cher. Du trèfle, peut-être. Hein? C'est ça? Du trèfle. Alors, le trèfle, j'y tiens pas trop parce qu'il boit dans le même horizon que le maïs. C'est ce que je vous ai dit. Et je vous ai dit que ce n'est pas pareil que la luzerne. Alors, la luzerne, il y a plusieurs... J'ai pas le temps, là. J'ai pas eu le temps. Mais la luzerne, je travaille avec mes copains, là, sur les luzernes naines. Alors, est-ce qu'elles sont vraiment naines? Il faut les revoir dans les écologies. Vous savez où on les trouve? Elles servent pour faire les greens des golfs. Et elles sont petites parce que les mecs ne veulent pas les tondre toutes les 5 minutes. Donc, elles sont plus petites que les luzernes normales. Je vous dis ça pourquoi? Parce que ça pousse à l'ombre quand même. Ça peut pousser à l'ombre. Et qu'on n'aura peut-être même pas besoin de les contrôler dans le blé si elles ne viennent pas trop grandes. Donc, le petit coup d'allier qu'on pourrait mettre pour calmer une luzerne, on n'en aura peut-être pas besoin. Encore que les plantes, si elles manquent de lumière très tôt, elles vont essayer de la chercher, elles vont grandir. Elles étaient naines et puis d'un seul coup, elles se mettent à grandir. Mais enfin, la luzerne va très bien pour ce qu'on a raconté tout à l'heure. Ça, la luzerne, pour les couvertures vivantes de légumineuses. Alors, il y a le sainfoin, mais le sainfoin, c'est une bête au niveau herbicide. C'est vraiment un monstre. Il est d'une agressivité colossale. Et moi, les travaux que j'avais commencé à faire avec quelques-uns de la Drôme, moi, je pense que si je suis là, je peux résoudre ça en une année. Je résous son problème. Je vais trouver les microdoses d'herbicides pour le calmer. Mais là, il faut... Vous savez comment on fait? On fait 200 mètres carrés. Ce qu'il ne faut pas que vous fassiez, n'oubliez pas ce que je vais vous dire, c'est de mettre un couvert dans une culture et vous vous amusez après à appliquer des herbicides dedans en ayant la peur au ventre. Si j'en mets trop, je vais tuer la luzerne, par exemple, mais je vous ai déjà donné des herbicides pour appliquer et des doses. Mais... Vous allez avoir peur. Vous dites, si j'en mets un peu trop, je flingue la luzerne, je vais perdre mon semis de luzerne. Si vous n'en mettez pas assez, vous ne lui foutez rien, en 5 jours, elle redémarre et elle continue à faire le rôle de concurrence que vous ne vouliez pas. Alors, comment on fait? Je vous enseigne un truc. Quand je vais vous le dire, vous allez dire, mais c'est évident. Eh bien non. Dans tous les pays du monde, on a fait pareil. Et personne n'y a passé, c'est trop simple. Tout ce qui est performant, super performant, est super simple, tout le temps. C'est quoi? C'est que vous voulez voir la luzerne? Quelle autre alternative du trèfle? Des mélanges. Et moi, je ne mets pas que de la luzerne qu'un cultivar. Et j'en mets plusieurs. Hein. Parce que s'il y a une maladie qui se développe, si c'est qu'une variété, il y a une anthracnose qui la bouffe un été, il n'y en a plus. Hein.
Donc mettez des mélanges, mettez une flamande avec une méditerranéenne, par exemple. Voilà, ce n'est pas les mêmes écotypes. Donc s'il y en a une qui prend quelque chose, l'autre est là pour compenser. N'oubliez pas ça, on peut refaire de la biodiversité dans la luzerne. Toujours biodiversité, des espèces différentes. Mais vous savez ce que vous faites? Vous prenez 200 mètres carrés. Ce n'est pas beaucoup quand même ça. De luzerne. 200 mètres carrés de laine. De luzerne. Mélange de variétés, comme je viens de dire, de trèfle, pour tirer vos doutes. Et là, vous ne mettez pas de culture. Là, vous prenez un pulvérisateur à pression entretenue, CO2, vous mettez exactement des doses précises. Et vous savez ce que vous faites? Vous prenez, c'est du blé que vous voulez mettre? Vous prenez tous les herbicides du blé, vous prenez la dose pleine pour flinguer la luzerne, vous divisez par 5. 2 mètres carrés, ça suffit. Juste à côté, on divise par 4, le quart de la dose, qui tue la luzerne. Et on continue. Voilà. Et là-dessus, qu'est-ce que vous faites? Vous regardez ce qui a bloqué la luzerne sans la tuer, la dose la plus petite, efficace, qui la bloque, et pour combien de temps? Si vous la bloquez 15 jours, ou 3 semaines, ben c'est beaucoup. Et vous regardez le jour où elle redémarre. Comme ça, vous aurez la période pendant laquelle la luzerne n'a pas poussé. Là, vous n'avez pas à avoir peur. Parce que la luzerne est toute seule, vous ne flinguez pas la culture, vous n'avez pas peur. Mais n'oubliez pas que cette même luzerne, quand elle sera dans du blé ou dans du maïs, il y a de l'ombre qui vient dessus. Donc ce que vous allez tirer comme résultat, ce sera encore mieux quand elle sera à l'ombre. La dose, vous pourrez encore la baisser. Mais ça vous évite d'avoir peur et vous pouvez faire plein de traitements. Vous allez faire du maïs, tous les herbicides de maïs anti-licotte, vous les amenez là. Et puis vous travaillez. Le cinquième, vous prenez le Callisto, un cinquième de dose, un quart, un tiers, un demi. Vous regardez combien de temps ça bloque, quelle est la dose la plus petite, parce que je ne veux pas polluer. Si je ne mettais pas du tout, ce serait bien. N'oubliez pas quand même que toutes ces plantes, ces luzernes et ces trèfles, ils ont déjà un rôle de dominance sur les mauvaises herbes. Des fois, vous les voyez démarrer en même temps et vous dites « Oh, ben c'est sale, ce mec il est fou, maintenant il faut que j'applique des herbicides. » C'est que vous êtes impatient et que vous avez un schéma dans la tête où il faut tout tuer, il faut tout tuer. Il n'y a pas une plante qui doit rester en dehors du maïs. C'est nous qui avons baptisé ça des mauvaises herbes. Mais moi, je suis sûr qu'elles servent à quelque chose, on ne le sait pas. C'est là où on mesure que notre ignorance comporte de nombreuses lacunes, si vous voyez ce que je veux dire. Hein? Donc, voilà, vous faites ça sur quelques mètres carrés avec un pulvère à pression entretenue. Et là, vous n'aurez pas peur. Quand vous allez avoir trouvé la bonne dose, vous revenez dans votre blé, dans votre truc, vous l'appliquez. Là, vous n'avez pas besoin d'avoir peur parce qu'avec le couvert, une ombre qui va grandir, il y a déjà un contrôle naturel qui va se faire. Mais ne vous pressez pas non plus pour appliquer trop sur la luzerne, là, parce que la luzerne contrôle tout ce qui est avec elle. Là. OK? Elle va dominer ça. Alors au début, c'est sale, ça ne fait pas beau. Mais, et en plus, quand vous avez un maïs dessus qui, en 30, 40 jours, il arrive à couvrir toute la parcelle, si vous semez à 37, alors là aussi, renvoyez votre peuplement végétal de maïs. Moi, je vous dis que le maïs à 40, 45, entre 37 et 45, il produit plus que celui qui est semé à 80 ou 75, 80. Je vous le dis. Si vous montez sur votre plateau de pick-up, vous regardez la lumière qui pénètre dans le champ, vous allez voir que le pied de maïs à 37, 42 ou 45, il reçoit de la lumière de tous les côtés. C'est beaucoup mieux. Au niveau photosynthèse, c'est beaucoup plus efficace. Alors que quand il est semé serré sur la ligne, là, ils se font de la concurrence entre les pieds. Dernière Donc, question. Juste, vous parlez de luzerne naine. Est-ce qu'on s'intéresse au lotier, qui est une architecture plus courte, ou on perd notre temps, ou on se concentre sur la luzerne? Très bonne question. Où il est? Putain, il n'y a que les mecs du fond qui sont bons. Hein. Non, il y en a ici. Bon, écoutez, j'en ai pas parlé du lotier. Tout à l'heure, on disait luzerne. Comme ici, vous avez des sols qui ont une tendance, une rétention d'eau extraordinaire. On le voit à leur couleur. On le voit aux échinocloas qui sont là partout. Ces panisses, on les voit partout. Moi, c'est ce qui m'a frappé quand je suis venu ici. J'ai vu que ça. D'ailleurs, je suis arrivé là, j'ai dit, mes amis, là vous avez de l'eau qui est bien suspendue tout le temps. Il y a trop d'eau dans ces profils. Ça ne respire pas très bien. Et je ne suis pas sûr que les vers de terre, ils apprécient aussi énormément. Bon, mais dans les plantes, tu viens de mettre le doigt exactement sur ce qu'il faut. Comme tu as des sols avec des tendances un peu hydromorphes, le lotier est très bien. Et tu mélangerais de la luzerne avec du lotier, très bien. Tu les mélanges, c'est deux légumineuses. Et les deux, c'est mieux qu'une. Et je vais te dire plus. Il faudrait que vous ayez faire venir, mais faites-le officiellement, on n'est pas des mercenaires, ni des gens, on est des professionnels. Moi, je le fais tout le temps. Vous voyez le site Heritage Sites, Heritage Sites en Australie. Vous leur demandez du Lotus uliginosus cultivar Maku. C'est du lotier des marais.
mais amélioré. Les Australiens ont beaucoup travaillé les fourrages. Ils ont des chercheurs extraordinaires. Ils ont fait un boulot fabuleux. Ce lotier, Uliginosus macu, il est pérenne. Il est magnifique. Et alors lui, si le sol est un peu trop imbibé, là où les plantes souffrent, lui non. Alors il est terrible. On peut le mélanger avec la luzerne, on peut faire plein de choses. Mais essayez d'en avoir. Moi, je vais en avoir. Mais je ne vais pas l'avoir dans les 15 jours. Le planter maintenant sert à rien. La seule question que je me pose à son égard, c'est comment va-t-il se comporter quand il y a des grands froids, si on en a. Est-ce qu'il mourra? Mais attention, hein, ils ont des stolons, des rhizomes, attention. Hein, c'est du costaud. Et les organes qui sont dans le sol sont protégés. Hein, ça tient bien. J'ai mis une plante qui devait mourir, moi. Je l'ai mise dans la Drôme. Un kikuyu, c'est un pénicétum clandestinum, qui est une plante extraordinaire, une graminée 100 fois plus puissante que les régras, plus riche en protéines. Je l'ai mise et j'ai dit, tiens, le froid va la tuer. J'ai retéléphoné, et je suis repassé cette année. Il est magnifique. Donc ces organes de réserve, là, il tient le coup. Alors, est-ce qu'il peut descendre à moins 15? Donc, résumons-nous. Luzerne, oui. Mélange la flamande, la méditerranéenne pour avoir des écotypes différents, pour être plus stable dans le temps, dans l'agression climatique. Deuxième truc, lotier. Et tu peux les mélanger avec les luzernes. Essayez ça. Et pour savoir les herbicides des cultures que tu veux planter, maïs, blé, prends les herbicides de ça et fais deux petits carrés là, et avec des doses croissantes, mais toutes petites, tu regardes la dose minimum qui les coince et le temps que ça les coince. Parce que si tu plantes ton maïs à 37-40, tu vas voir l'ombrage à 30 jours, tu en as un déjà sérieux. Donc ça veut dire qu'après, tu n'as même pas besoin de mettre des herbicides. Parce que le peuplement végétal est très important pour mettre la couverture à l'ombre. D'accord ?